Bonjour à tous. Merci aux courageux qui bravent la crise sanitaire d'être en présentiel avec nous cet après-midi. Nous sommes aussi retransmis en direct sur le site internet de la ville, ce qui explique que peut-être certains sont avec leur café en attendant vos communications à la maison. Je vous rappelle juste le protocole sanitaire pour ceux qui sont dans la salle et puis je laisserai ensuite la parole à Dominique de rennes, notre maire adjointe à la culture. Merci de respecter les espacements. Ah oui, pardon. Quand vous êtes assis, le port du masque est obligatoire. Merci de respecter des espaces entre vous si vous n'êtes pas venus ensemble. Le colloque dure jusqu'à 17h. Ensuite, il y a une conférence de Jean-Philippe Bègle qui présentera les résultats de sa fouille de la Providence. Et nous nous retrouvons également demain. Vous le savez, c'est... Ce rendez-vous correspond au premier temps des journées européennes du patrimoine, qui, donc, euh, que l'on inaugure maintenant. Il y a également des animations qui sont proposées en temps scolaire, qui se termineront dimanche soir. Le programme est à votre disposition à l'entrée, euh, en espérant voilà, que vous passez des journées du patrimoine aussi sereines que possible, malgré le temps incertain et malgré, encore une fois, les, les protocoles. Euh, à, à bientôt, euh, à, à demain et après-demain également sur d'autres sites. Merci. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ouvrir cette 37e édition des Journées européennes du patrimoine à Sainte, dédiée à l'apprentissage et à la transmission des savoirs. Je suis la doyenne de cette nouvelle équipe municipale et je puis vous assurer que le mot transmission pour moi est très important dans mon cœur. C'est donc avec un grand plaisir de débuter ce grand rendez-vous entre le patrimoine et le public. Par les journées d'études consacrées à Sainte-Trope de Sainte. Nous, Sainte, avons une relation très forte avec notre patrimoine, riche de plus de 2000 ans de petites et grandes histoires. Et en même temps, ce patrimoine au carrefour de l'histoire, des arts, de l'archéologie, de l'architecture, du paysage et des savoir-faire, complexe parfois, difficile souvent à comprendre ou à appréhender. La connaissance de notre histoire est donc essentielle pour permettre à chacun de s'approprier son cadre de vie et de participer à sa préservation et sa valorisation. C'est fort de cette volonté d'appuyer notre action culturelle et patrimoniale sur la connaissance renouvelée de la ville que nous avons établi un partenariat scientifique avec l'Université de Bordeaux-Montaigne. Notre convention cadre crée les conditions nécessaires à la conduite de recherche, de formation et de développement d'innovation sur notre territoire et au sein de l'université. L'enjeu de ce partenariat est en effet de produire des éléments scientifiques nouveaux d'actualiser nos connaissances, de produire des outils permettant une meilleure valorisation des sites à l'issue des recherches et des travaux de restauration à venir, en particulier la production de supports numériques permettant de créer des interfaces à destination du public, de sensibiliser les habitants à ces apports scientifiques nouveaux, de proposer aux étudiants de nouveaux thèmes de recherche et de développer des recherches qui ont un prolongement opérationnel affirmé, de nourrir nos grands projets urbains et notre programme de valorisation du patrimoine monumental. Parmi les domaines de recherche dans lesquels l'université excelle et a acquis une reconnaissance internationale se trouvent l'archéologie, les sciences pour l'archéologie, l'histoire, l'histoire de l'art le patrimoine et l'aménagement. Nous avons ainsi amorcé notre coopération en nous concentrant sur cinq axes. Le projet de sauvegarde et de valorisation du vallon et de l'amphithéâtre, connecté au développement d'un musée. Le centre de conservation et d'études pour les collections archéologiques de la ville. Le développement d'un atlas historique sur la ville l'accompagnement des fouilles programmées subaquatiques sur les deux épaves gallo-romaines à Courbiac et le projet collectif de recherche sur le site Sainte-Trope de Sainte en lien avec le projet restauration valorisation du site. Ces deux journées d'études sont consacrées au projet Sainte-Trope. Le site de Sainte-Trope constitue un espace particulier Bien identifié et singulier à Sainte. Faubourg stratégique à l'entrée sud de la ville, quartier paysager connecté au vallon des arènes, foyer de rayonnement exceptionnel pour l'art roman Saint-Songer, ensemble bâti de qualité, lieu spirituel et culturel important, il est une composante essentielle de l'activité du territoire. Étape de la Via Turonensis, un des grands chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, inscrit à l'UNESCO, Sainte Eutrope témoigne des aspects spirituels et matériels du pèlerinage, mais aussi des échanges, de la circulation des idées et des arts. Au-delà de l'ensemble patrimonial remarquable, Sainte Eutrope est un lieu de vie, d'habitat, d'usage multiple qui souffre aujourd'hui d'un certain enclavement et d'une gestion des flux complexes. La ville de Sainte en a donc naturellement fait un des enjeux prioritaires de son action de redynamisation et mène un projet ambitieux de valorisation de ce site. Des études ont été lancées depuis 2016, coordonnées par Christian Jens que je tiens à remercier vivement, croisant les approches urbaines, architecturales, historiques, archéologiques et culturelles. Cette analyse pluridisciplinaire a mis en lumière la nécessité d'entreprendre un vaste programme de restauration en amont de la revalorisation du site que nous développons en lien étroit avec la direction régionale des affaires culturelles. Et je remercie à cet effet Christophe Bourrel-Leguillou et son équipe de la conservation régionale des monuments historiques, ainsi que Gwenaël Marché-Legendre et son équipe du service régional de l'archéologie. Nous avons confié le programme de restauration à Elzarico de l'agence SunMetron, que je salue également. L'articulation étroite entre connaissance, restauration et valorisation. Permet de développer un programme à la hauteur des enjeux posés par l'UNESCO. Préserver le patrimoine et permettre sa transmission aux générations futures. Développer un aménagement respectueux qui permette de mieux comprendre le site et sa connexion au reste de la ville. Croiser les usages entre quartiers d'habitat, sites spirituels et culturels et destinations touristiques. Mettre en réseau le bien en renforçant le travail sur la valeur universelle UNESCO et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Notre équipe municipale inscrit son action dans une approche globale et réinterroge ses outils de gestion de l'urbanisme patrimonial, notamment le périmètre de son site patrimonial remarquable qui pourrait intégrer l'ensemble Saint-Eutrope. Le plan d'action Cœur de Ville vient prolonger et amplifier cette démarche de valorisation et la tourner vers l'avenir entre patrimoine et innovation, mémoire et projet. Je conclurai en vous remerciant tous, scientifiques et experts, pour votre engagement dans ce programme de recherche et vous dire combien vos travaux constituent une formidable opportunité pour élaborer un programme de restauration pertinent nourrir les hypothèses d'abénagement et enfin pour développer un pôle de rayonnement de la romance Saint-Onger doté d'outils innovants. Je vous souhaite à tous de très belles journées du patrimoine. Bonjour Masque, mieux. Bonjour, Gwénèle Marché-Legendre. Je suis conservatrice régionale de l'archéologie pour le service régional de l'archéologie de la Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers. Je représente également mon collègue Christophe bourrel Guillou qui s'excuse auprès de vous de ne pas pouvoir, avoir à, de ne pas pouvoir être là euh, en raison d'une urgence de dernière minute sur un, sur un monument historique qui appelle parfois à changer nos plans d'agenda malgré son envie d'être parmi vous donc je dirai de sa part un petit mot en attendant je m'exprime au nom donc du service dont j'ai la responsabilité je suis heureuse d'inaugurer ces journées d'études sur un monument emblématique de la ville emblématique de, de saintes D'autant plus emblématique qu'il l'est aussi dans la composition de, des, de, du groupe de recherche qui travaille sur ce monument. Tout simplement, euh, comme l'a si bien exprimé la ville de Sainte, la représentante de la ville de Sainte, euh, ces, ces, cette équipe travaille en collaboration totale entre recherche, restauration, archéologie, monuments historiques, et, euh, est fortement soutenu, et je l'en remercie, par la ville de Sainte, dans son aide à la coordination et à la réalisation des, des actions tangibles de ce programme de recherche. Euh, cette collaboration exprime véritablement... Euh, ce qui fait tout l'enjeu d'un travail sur un, monument sur un monument historique et qui fait tout l'enjeu au final de l'archéologie du bâti. C'est euh, savoir dégager une connaissance qui servira à orienter au mieux un programme de restauration et surtout qui comblera ce qui est souvent constaté, à savoir que les monuments les plus emblématiques sont parfois les moins bien connus, à la fois par la recherche, par l'archéologie, voire même dans son histoire de la restauration. Le programme dirigé par M. gens est véritablement aussi là pour montrer l'essentiel, ce qui est essentiel dans ce programme, permettant d'accompagner un programme de restauration très important, qui a donné lieu également à des fouilles préventives. Donc on parle ici de recherche, mais on parle aussi d'action de recherche préventive. Et donc cette collaboration amène à avoir des échanges extrêmement riches et variés, toujours dans une optique, celle de présenter une restauration la plus respectueuse du monument au plus grand public avec derrière une connaissance permettant de le mettre en valeur au sein d'un tissu urbain et c'est là ce qui prime avant tout lorsque l'on soutient un programme de recherche puisque de fait ces journées ainsi que le programme de m. gensbettel sont fortement soutenus par la direction régionale des affaires culturelles au titre de la restauration via les monuments historiques mais au titre de la recherche archéologique donc, euh, que, pour euh, le service régional de l'archéologie. Euh, cette collaboration, euh, au fond, est un peu dans l'air du temps, puisque euh, le programme de M. Genspetel est précurseur, mais il a fait aussi des émules sur d'autres bâtiments euh, emblématiques au sein de la région Poitou-Charentes, que la DRAC soutient également. Je ne pourrais que citer le programme actuellement en cours sur le palais des comtes de Poitiers, qui est. Qui, qui, qui fonctionne à peu près de, de cette même manière, c'est-à-dire anticiper une restauration par la connaissance et la recherche archéologique dans une parfaite collaboration avec une collectivité territoriale, à savoir la ville. Donc on va dire qu'il y aura eu une sorte d'hégémonie de Bordeaux sur Poitiers dans ce suivi, <laughs> qui est un petit clin d'œil, pardon, euh, mais dans les faits. Euh, dans les faits, euh, c'est emblématique de la réflexion actuelle puisque l'actualité nous a rappelé combien ces monuments euh, symboliques étaient finalement très mal connus et que la coordination de l'ensemble des services agissant en archéologie et en restauration devait euh, travailler en parfaite symbiose pour amener à des chantiers euh, cohérents et surtout euh, parfaitement bien menés. J'arrêterai là puisque je, je, je vois en lisant les notes de mon collègue Jean sur sa, que j'empiète sur son, sur son discours, que je vais également vous lire. Euh, donc euh, oh non je, je, je lis là hein, les, les propos de Christophe Bourrel de Guilloux. Euh, il voudrait euh, alors je dis je, mais ce pas moi qui parle, hein, c'est Christophe. Je voudrais vous rappeler quelques chiffres sur les monuments historiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Euh, elle est la plus riche de France, très loin devant la région Occitanie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est, l'Île-de-France, voire même la Bourgogne-Franche-Comté. Plus de la moitié des immeubles protégés concernent le patrimoine religieux, que ce soit des, cim des cimetières, des églises, des cathédrales, des prieurés, mais aussi des temples ou des synagogues. Plus de la moitié appartiennent aux collectivités territoriales. Il en va de même pour les objets mobiliers avec plus de 20 000 protégés au titre des monuments historiques. Il représente le corpus le plus important de France avec des objets liés au culte catholique, protestant, à la franc-maçonnerie mais aussi du matériel roulant ferroviaire, des voitures ou des bateaux avec la plus grande importante armada protégée en France avec 104 unités. Pour continuer avec les chiffres, l'État, ministère de la Culture, engage 32 millions d'euros en faveur des patrimoines et de l'architecture en 2019 et cela se poursuit cette année avec une enveloppe de 34 millions d'euros. Ces financements patrimoniaux touchent différents secteurs de la DRAC, les archives, les musées, l'archéologie, mais aussi la restauration et l'entretien des monuments historiques, avec plus de 400 chantiers ouverts annuellement. Sans vouloir vous endormir en ce début de journée avec des chiffres, et au-delà d'une certaine abstraction arithmétique et comptable, se trouvent des métiers, des hommes, des femmes et des savoirs. Ces compétences diverses se développent dès la naissance d'un projet sur un monument historique, par des études, puis tout au long du chantier et après à sa livraison. Toutefois, force est de constater que la connaissance scientifique est parfois lacunaire sur les monuments historiques, qu'ils soient emblématiques ou plus méconnus. Il semble donc nécessaire de valoriser les chantiers par le biais d'actions de médiation, que ce soit par le biais des fouilles, des, des actions des architectes ou les entreprises. Sans oublier, bien sûr, les animateurs de l'architecture et du patrimoine des villes d'art et pays d'art et d'histoire. Ces agitateurs du patrimoine sont les relais essentiels dans ce partage d'informations auprès d'un large public, mais aussi auprès des scolaires dans le cadre des parcours d'éducation artistique et culturelle. Au-delà de ces opérations, il existe des coopérations entre la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le domaine de la recherche universitaire. Ainsi, une convention annuelle existe depuis de nombreuses années entre les différents services patrimoniaux de la DRAC et le Centre d'études supérieures. Euh, alors, je crois que mon collègue a fait une erreur. Et le CESM, donc Centre d'études supérieures médiévales de Poitiers. Dans ce cadre, nous apportons un financement conséquent et un suivi scientifique et technique cela permet d'engager et de poursuivre des opérations comme certains projets collectifs de recherche mais pour celui et, pour, et comme celui pour lequel nous sommes présents aujourd'hui des publications mais aussi accompagner les étudiants dans leurs travaux ces financements et ce suivi permettent aussi de réaliser des dossiers de protection au titre des monuments historiques mais aussi de développer des thématiques de recherche plus larges comme celle entreprise sur les châteaux du cognaquet. Enfin, il semble essentiel de partager cette somme de connaissances accumulées lors de fouilles, de chantiers mais aussi mais par la mise en œuvre d'expositions, de publications à la fois scientifiques et grand public. Elles peuvent prendre la forme de livres ou de publications plus immatérielles ou via des sites internet ou des applications dédiées, permettant au plus grand nombre de s'approprier ce bien commun. J'espère que ces journées sera, cette journée d'études sera fructueuse et sera partagée par le plus grand nombre lors de prochaines actions de médiation et de valorisation envers le grand public. En vous remerciant, en vous souhaitant de bonnes journées du patrimoine, Christophe Bourrel-Leguillou, CRMH. bien je prends rapidement la parole puisque mon nom a été cité et que je vais réapparaître plusieurs fois au cours de ces deux journées puisque j'ai la chance de coordonner ce programme collectif de recherche dont il a été question et qui se poursuit puisque nous en sommes au début d'une deuxième séquence triennale. Et euh, du coup, j'en profite. Euh, euh, je représente aussi en quelque sorte ici l'Université Bordeaux Montaigne, euh, dont euh, Madame euh, le maire nous a, nous a parlé. Et donc, j'en profite pour remercier justement les deux principaux partenaires des actions qui sont présentées ici, qui nous donnent l'occasion de, de nous exprimer ici. C'est euh, la ville de Sainte, bien entendu, puisqu'elle est propriétaire du monument qui est concerné et parce qu'elle nous soutient depuis le début de ce programme collectif de recherche, et qu'en plus, euh, cela a été l'occasion, effectivement, comme vous l'avez rappelé, de signer une convention de partenariat euh, entre l'Université Bordeaux-Montaigne. Pas seulement euh, mon laboratoire et pas seulement ma discipline, mais effectivement dans une perspective pluridisciplinaire. Et euh, je pense que nous en sommes seulement au début de ce partenariat et que de, de, de nombreuses opportunités pourront se, se dessiner par la suite. Euh, le ministère de la Culture, et notamment le service régional de l'archéologie, nous soutient dans ce programme collectif de recherche depuis euh, ses origines de même que le service de euh, la conservation régionale des monuments historiques. Et, et je tiens vraiment à saluer ici ce, ce, ce partenariat et cette, euh, cette sorte de triangulation entre un propriétaire, euh, une collectivité publique, l'État et ses services, et, euh, et l'université que je représente ici, et puis plus largement le monde de la recherche, puisque la recherche ne se réalise pas seulement à l'université, il y a des services de collectivité territoriale, il y a les services de l'état qui eux-mêmes produisent aussi de la connaissance, il y a les sociétés savantes, il y a des chercheurs indépendants. et je crois que ces deux journées nous permettront aussi de, de voir défiler tout l'ensemble le, des, des, des personnes et des, et des institutions. Qui participent de la recherche fondamentale. Donc, ce, ces deux journées d'études sur sainte de Sainte euh, sont possibles aussi grâce à euh, l'investissement. D'une équipe qui nous reçoit ici, euh, l'équipe du service culturel et euh, de, du service ville d'arrêt d'histoire de la ville de Sainte. Et, et je remercie euh, à travers Muriel Perrin euh, l'ensemble de cette équipe ainsi que les, les techniciens qui vont assurer notre euh, retransmission en direct et euh, assurer justement cette pérennité. Euh, dans la médiation euh, de la transmission du savoir, puisque euh, euh, ce support euh, de captation euh, euh, permettra aussi au public de, de, de revoir éventuellement, euh, si nous arrivons à, à le mettre euh, euh, en place de façon pérenne, à, à, à revoir cette étape, hein, puisque je, je tiens à insister sur ce point, nous sommes à une étape d'un programme de recherche et pas encore à sa conclusion. Et euh, justement, puisque Elsa Rico, qui a été nommée également, est parmi nous. Je vais lui passer la parole, puisqu'elle a accepté de nous donner quelques éléments euh, très concrets sur le calendrier du chantier de restauration, qui est, depuis le début pour nous, l'élément clé à partir duquel nous avons construit ces recherches. Donc euh, merci euh, Elsa, et je remercie aussi par avance. Tous les collègues qui ont accepté d'intervenir pendant ces deux jours, euh, à commencer par Christian Sapin, qui va présider ces deux journées et qui va être le premier communicant après l'intervention d'Elzarico. Bonjour à tous. Donc, euh, Elzarico, architecte du patrimoine, je suis euh, missionnée par euh, la ville de Sainte pour suivre euh, les études puis le chantier de restauration de, de sainte eutrope alors je suis évidemment très heureuse. De partager avec vous aujourd'hui ce, ce point route euh, sur euh, sur l'avancement de, de ce dossier. Alors quand on hérite de cette manière, euh, hérite évidemment entre 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 guillemets euh, d'un édifice de cette ampleur, la première étape consiste à réaliser euh, un diagnostic à la manière d'un médecin en fait qui reçoit son son patient. Et euh, eh bien on doit dans un premier temps euh, euh, synthétiser, si vous voulez, les différents symptômes du monument pour essayer d'en trouver la cause et pour conclure ensuite sur les priorités à donner en termes de travaux. Ce diagnostic a été remis par notre agence au mois d'août 2017 et a consisté donc dans un premier temps à faire une synthèse des archives disponibles sur sainte trope et de faire une synthèse mais analytique hein, puisqu'on est toujours on fait toujours ces recherches d'archives dans le but euh, de pouvoir retracer l'évolution du monument et dans le but de pouvoir expliquer euh, parfois par des restaurations euh, outrageuses ou au contraire par des périodes d'abandon du monument, expliquer donc pourquoi est-ce qu'on en est venu à avoir les pathologies qu'on peut observer aujourd'hui. Une fois réalisée cette étape de la chronologie de l'analyse historique nous avons réalisé l'état sanitaire de Sainte-Trope avec un code de couleur chaque couleur correspondant à un type de pathologie donc par exemple des infiltrations d'eau des remontées salines sur les sols des déformations de type des ou tassement des structures qui ont été pour la première fois observés d'une manière fiable sur ce monument, grâce à un travail qui avait été fait en amont par le bureau d'études Archéovision qui avait pu donc réaliser des, des relevés d'une très grande fiabilité à partir de, de photogrammétrie. Donc voilà quelques quelques extraits de cet état sanitaire qui euh, touchait en fait l'ensemble du monument. À partir de, de ce travail, on a pu établir euh, en, en mars 2019 un phasage de travaux euh, en priorisant les travaux selon euh, trois étapes. La première qui consiste à restaurer la façade nord de Sainte-Eutrope. C'est la partie rouge que vous voyez sur ce plan, qui comprend à la fois les parties romanes du collatéral nord et puis également la partie du cœur gothique qui donne sur la, sur la rue Sainte-Eutrope. Cette, cette première tranche nous l'avons euh, proposée en tranche d'urgence parce que euh, les, les décors de la façade nord-romane euh, présentaient vraiment des dégradations qui, euh, qui, qui s'empiraient en fait d'hiver en hiver. Euh, du fait notamment des cycles de gel et de, et de dégel et de la prolifération des, des, de la végétation et des, et des mousses sur la façade et nous avions la chance en fait de pouvoir comparer l'état sanitaire de saint-eutrope en 2019 avec un état sanitaire qui avait été fait quelques années auparavant par un autre architecte et nous avions conclu vraiment à une forte accélération euh, des dégradations sur cette, euh, sur cette façade. Euh, à tel point que l'on parvient aujourd'hui vraiment à un stade de dégradation euh, et d'érosion des sculptures euh, romanes et, et on est en fait même à, prêt à, à perdre de manière irréversible des motifs sculptés qui n'existent parfois plus qu'en un seul exemplaire. Donc il y avait vraiment une urgence à, à intervenir sur cette façade et qui plus est, nous avons d'importants problèmes de gestion des, des eaux pluviales qui percolaient en fait dans la, dans la crypte. Donc voilà pour les, les, vraiment l'extrême urgence. En deuxième urgence, euh, nous avons euh, défini la, donc la partie en jaune sur ce plan qui concerne la, la crypte et l'avant-crypte. Euh, dans, la, dans lesquelles euh, donc pour la notamment nous avons aujourd'hui de graves problèmes structurels donc l'avancrite la pour mémoire c'est la, la partie de saint-eutrope qui se trouve sous le parvis sur lequel on se gare en fait euh, devant la, devant la façade principale euh, sur cette avant-crypte, nous avons donc de graves problèmes structurels et d'infiltration. Il faut savoir que les jours où il, euh, il pleut pendant plusieurs jours consécutifs, on a véritablement une, une douche hein, au niveau de, de l'avant-crypte euh, et une humidité permanente dans la crypte d'une manière générale, qui met en péril euh, les, les chapiteaux euh, romans, puisqu'on a un développement d'algues et de cyanobactéries qui est, qui est très important à cet endroit-là. Euh, Là encore donc une aggravation rapide qui a été constatée d'hiver en hiver et aujourd'hui l'avant crypte est étayée puisqu'elle ne tient plus sous son... enfin elle avait besoin d'être renforcée au niveau de la voûte et c'est l'étément lui-même qui aujourd'hui aurait besoin d'être soutenu. Donc vous voyez qu'on a vraiment une... des pathologies qui, qui, qui s'aggravent vraiment d'année en année. Euh... Et puis, en troisième phase, nous avons proposé, euh, là, une, une tranche un petit peu moins urgente du point de vue sanitaire, euh, mais qui serait euh, tout à fait nécessaire du point de vue de la valorisation du monument, puisqu'il s'agit de réaménager entièrement le parvis devant, devant sainte eutrope de supprimer le parking et de déplacer ces places de stationnement à un autre endroit dans, dans la ville pour euh, bien mettre mettre en valeur tous les vestiges de l'ancienne nef qui a qui a été démoli euh, et donner au public euh, permettre au public en fait, d'avoir une, une lecture de tout le volume qui a qui a disparu en fait, peu après la, la Révolution. <coughs> Voilà quelques, quelques images de la façade nord qui vous montrent l'état d'érosion de, avancée des, des parements. Euh, je vous signale au passage un petit article qui est paru dans le, dans le Picton euh, euh, durant l'été 2019 qui, qui vous donne la synthèse des enjeux en fait, de cette restauration de la façade nord. En octobre 2019, la mairie s'est engagée... De, de, s'est engagé à réaliser les, les travaux de, des deux premières tranches, donc la façade nord, euh, la crypte et l'avant-crypte. Et en mars 2020, nous avons remis l'autorisation de travaux. Pour réaliser la restauration de la, de la façade nord. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une, dans une phase de, de, de travaux qu que l'on appelle le DCE, dossier de consultation des entreprises. C'est-à-dire que c'est la dernière étape des études qui vont permettre ensuite de consulter les entreprises et de lancer le chantier sur cette façade nord. Voilà à nouveau quelques, quelques images de, de cette façade. Et puis pour terminer, je vais dire deux mots sur le, sur le déroulement du, du chantier. C'est un chantier qui démarrera au mois de janvier prochain, euh, qui durera euh, dix mois et qui regroupera quatre, euh, quatre lots, donc quatre entreprises. Une première entreprise qui sera chargée des échafaudages, de la restauration des maçonneries euh, et des pierres de taille. Qui va donc assurer la protection des existants et notamment des, des, des sols au pied de la façade nord qui présentent des vestiges archéologiques quasiment affleurants. Cette première entreprise donc va monter des échafaudages jusqu'en haut de la façade, va réaliser des études de, de, de pierre pour savoir d'où vient la, la pierre que nous avons en place. Et puis nous ferons des études hygrométriques sur la crypte. En prévision de la tranche, de la deuxième tranche de travaux qui concernera la crypte, donc, euh, qui va être instrumentée pendant une durée d'un an, euh, qui va nous permettre de voir un petit peu l'équilibre euh, hydrométrique hygrométrique dans, cette, dans cet espace. Et puis nous restaurons, évidemment, ça sera le cœur du chantier. Nous allons restaurer l'ensemble des maçonneries, purger tous les joints qui ont été refaits en, en, au ciment pendant le XXe siècle, remailler les fissures, nettoyer les pierres procéder à des, du dessalement quand ce sera nécessaire, remplacer les pierres de taille qui sont trop érodées pour pouvoir être sauvées, et puis euh, voilà réaliser ce qu'on appelle des coulis dans les maçonneries pour régénérer les, les maçonneries qui sont devenues disloquées. Et puis surtout, ça, ça va être l'un des enjeux principaux de ce projet, réaliser des patines d'harmonisation de manière à ce que les pierres neuves euh, s'intègrent. Le mieux possible dans un parement qui, par ailleurs, a toujours quelques siècles d'âge. Donc, là, ça sera vraiment un, un point très important de, du chantier. Et puis, euh, un lot sculpture, un lot charpente et un lot euh, vitrail. Voilà. Donc, en conclusion, ce chantier, ce sera l'occasion d'ouvrir de, de, l'accès euh, aussi aux, aux échafaudages pour les membres du, du PCR qui sont aujourd'hui présents et qui vont à cette occasion pouvoir réaliser des relevés complémentaires, faire des prélèvements même sur certains matériaux pour faire des, des analyses en laboratoire, peut-être mettre peut-être également pouvoir dater certains, certains éléments comme des, martier, des mortiers ou des bois et dans tous les cas observer de près des traces d'outils, des graffitis, etc. Nous allons également mettre en place un, un dépôt provisoire d une, d une, des pierres à remplacer au pied du chantier, euh, un dépôt qui sera ouvert aux archéologues s'ils souhaitent euh, euh, investiguer davantage les pierres qui seront déposées. Voilà, donc je fais le, le vœu de voir sur ce chantier cohabiter les enjeux à la fois des archéologues, des chercheurs, des universitaires, euh, de nous, architectes, et puis des, des praticiens, des compagnons, des tailleurs de pierres, maîtres verriers, couvreurs, etc et de voir euh, se confirmer ou euh, s'infirmer les, les, les hypothèses faites sur l'évolution de ce monument au, au fil des siècles. Et tout cela, euh, évidemment, pour le, pour le bien du monument et surtout pour la, la vitalisation, la revitalisation de, de ce quartier. Voilà, merci à tous. Merci, Elzarico, de nous avoir fait rentrer de, de plein pied dans... Ce monument, avec, on l'a compris, tous les enjeux de la restauration et les liens qui commencent à s'établir avec les chercheurs. On va maintenant me mettre à votre place pour une introduction un peu rapide sur quelques questions qui peuvent se poser. Il y a beaucoup de manipulation entre le gel, les masses, le feu. Donc tout ça prend un petit peu de temps. Voilà. Euh, oui, c'est ça. On va essayer de faire un, un zoom arrière pour après cette entrée dans le monument. Revenir euh, de manière un petit peu plus large sur ce qui couvre l'ensemble de ces problématiques qui s'est réunie à Saint-Eutrope, à la fois le monument, euh, son élévation, sa crypte, ses décors, mais aussi euh, le monastère. Qu'est-ce que c'est qu'un monastère Et je dirais en introduction qu'en ces temps incertains que nous vivons, on pourrait être tenté de voir dans la vie monastique l'abri de tous nos soucis et reprendre ce qu'écrivait Fénelon en son temps. En parlant de ces monastères, rien ne change dans la vie monastique. Chaque jour est pareil à l'autre, chaque année comme celle du précédent et ainsi jusqu'à la mort. Bon, est-ce si sûr que rien ne change Pour ceux d'entre nous qui travaillons sur une longue durée et sur les constructions subsistantes, tout semble au contraire nous dire que tout change et aussi que rien ne change. C'est ce qui va nous intéresser à travers les différentes interventions. Qui couvre à la fois le monument, mais également d'autres aspects en relation avec les sources. C'est l'occasion ici de rappeler que les recherches du PCR, de, dirigées par Christian Gensbethel, euh, rejoignent le souci aujourd'hui, manifeste en France, mais un peu partout en Europe, de comprendre dans une approche dirais, interdisciplinaire les composantes d'un monastère. C'est-à-dire que nous sommes loin des années 50, 60, où l'on avait une vision qui était soit au niveau des plans même des monastères qui commençaient à s'organiser, à réfléchir, soit une juxtaposition des études sur tel ou tel aspect de la sculpture, etc., avec des échanges qui commençaient à apparaître après la guerre, avec notamment les chercheurs en Allemagne. Depuis quelques années, euh, évidemment, tout ceci a longuement évolué, à la fois dans des régions comme ici, euh, aussi en Poitou-Charentes, avec euh, ce qu'a dirigé notre collègue Cécile Tréfeur ici présente, en Bourgogne, en PACA enfin, ou en Rhône-Alpes. Donc là, euh, les choses ont bougé. Mais euh, c'est également des questions plus larges euh, qui sont apparues que les chercheurs ont essayé de, de traiter. Des questions nombreuses sur les fondations de ces monastères, le contexte historique, sur l'emprise même des monastères, sur l'inscription, par exemple, dans le parcellaire, dans la gestion même d'un territoire, autre focal, renouvellement aussi du bâti, taille des pierres, des corps, beaucoup d'éléments que nous retrouvons ici. Et par ailleurs, bien entendu, qui vit dans ces monastères, quels sont les moines ou les moniales dans ces différents établissements, donc le rôle des règles qu'on commence à mieux connaître, l'application des, des coutumiers, ou plus prosaïquement, la gestion de l'eau, celle des cimetières, l'accueil des laïcs, l'organisation des bâtiments, l'invention des cloîtres, etc. Toutes ces questions ont été balayées, approfondies, plus ou moins, suivant les régions, suivant les pays, à travers différentes équipes de recherche. Là, je vous. On voit juste quelques études récentes de ces cinq dernières années, comme le livre de Michel Lowertz, par exemple, qui réunissait un certain nombre de contributions. Et on pourrait également ajouter les cahiers de Saint-Michel de Couchin sur les monastères romans, les journées de Spolette de 2016, ou celles de, de, réunies ici par le numéro d'Ortus autour de la vie quotidienne et de la mort dans le cloître. Toutes ces pistes ont renouvelé donc l'approche matérielle et l'approche des sources, bien entendu, à travers donc l'étude critique des textes, le travail sur le terrain, qui touche à la fois l'histoire de l'art et l'archéologie. Mais ça n'a pu se faire véritablement que sur une longue durée. C'est sur quoi je voudrais aussi insister, car les monastères qu'on cite toujours en exemple dans le résultat, en France et à l'étranger, sont des monastères, des lieux où des équipes ont pu durer en relation évidemment avec les autorités. Euh, c'est le cas à Hamage dans le nord, à romain Mottier, en Suisse, à Landevenec par exemple, à Volturno en Italie avec les équipes anglaises et italiennes, euh, ou à Mustair en Suisse, où c'est pendant 30 ans que nos collègues ont travaillé sur ce monastère qui était toujours occupé, qu'il est toujours par, par démonial. Et quelquefois, ces programmes se sont conjugués. Comme on peut l'espérer ici, avec des réflexions sur l'aménagement, la restauration et le futur de, de ces lieux. Ou qui permettent également de voir que sur le terrain d'autres données qui n'avaient pas forcément été abordées dans les recherches antérieures, parce que les. Des techniques nouvelles sont apparues parce qu'on a pris aussi du recul, qui avec les drones, par exemple, ou des efforts sur les techniques de topographie, de micro-topographie, euh, d'études de terrain, on peut aller un peu plus loin. C'est aussi euh, la prise en compte de variétés de ces monastères. C'est aussi ce qui nous intéresse, bien entendu. C'est qu'on a souvent l'entendance à voir l'organisation monastique d'une seule façon, suivant les expériences que l'on a. Mais quand on voyage à travers le temps, entre le, disons, le 5e et au moins le, le 12e siècle, on voit toutes sortes de monastères. Et une des problématiques qui a été abordée ces dernières années, ça a été justement de comprendre un peu l'origine, la constitution, que ce soit ici à, à Lérins, à Rome à Mottier, ou à Mages dans le Nord, avec quelquefois des découvertes anciennes qui ont été relues, je pense justement aux premières occupations ici à l'abbaye aux Dames. Euh, les travaux de Christian Verdoux, en particulier, qui ont pu être revus à la lumière justement de ce qui avait été découvert à Hamage, comprenant autrement donc les vestiges, pas seulement à travers le mobilier reconnu, mais aussi l'organisation de l'espace. Et puis d'autres fouilles importantes qui ont duré, comme je l'ai dit, à Voltourneau, à côté de Naples, ont permis de travailler pas seulement sur la topographie, sur les monuments, mais aussi évidemment sur le mobilier, sur la fabrication, sur la, la présence aussi de l'artisanat et des ateliers. Voilà des images également de, de Mustahir que j'ai citées tout à l'heure, ces grandes fouilles de Hans Rudolf Senauser, qui montrent une organisation monastique qui est pour paraître assez simple, un cloître et une église. Non, c'est plus compliqué que ça parce que vous voyez qu'il y a des bâtiments qui sont beaucoup plus importants, qui se situent au nord, que l'église se situe plutôt à l'est, que la, le cloître est plutôt constitué de galeries de circulation que de galeries ouvertes comme on les connaît. Donc, tout ceci nous a permis de, de mieux saisir un petit peu, justement, ces changements, ces occupations. Et quelquefois, on a pu faire appel, comme ici à Vézelay, à l'approche des prospections. Faute de pouvoir tout fouiller, quelquefois, on a la chance, avec le radar, de reconnaître des vestiges et de pouvoir comprendre l'organisation topographique. On pourrait citer voilà, la Novalaise en Italie, c'est un autre cas de figure qu'on connaît bien parce que c'est un des rares hein, qui nous montre comment ces monastères sont accompagnés aussi d'autres lieux de culte, de petites chapelles euh, qui souvent d'ailleurs sont utilisées dans les processions des, des moines lors de, de certaines fêtes. On les connaît ailleurs dans d'autres monastères, mais souvent on les ignore parce qu'on a oublié leur emplacement. Et là on a la chance de, de les avoir et de les connaître grâce aux travaux de nos collègues italiens. Euh, on pourrait signer Sainte-Congate aussi en Espagne, Corveil en Allemagne, Marboutier, Fontevraud, bien entendu, euh, etc. Ils sont nombreux. Euh, Morimont, juste une, cette image pour montrer aussi l'apport récent, depuis une vingtaine d'années, euh, récent par rapport à la dimension des recherches depuis le 19e siècle, euh, sur ce qu'on appelle maintenant l'archéologie du bâti. Euh, comment, par exemple, ici, dans le cas de, de Morimont, qui est une abbaye cistercienne, les bâtiments de service ont été mieux compris à travers justement ces relevés euh, du bâti en élévation et mieux situés en, en chronologie. Et puis également l'archéologie. Euh, qu'on appelle préventive, peut offrir quelques découvertes, comme celle que je vous montre ici, qui est tout à fait encore inédite, euh, que m'a confié ce collègue Étienne Laloup du service départemental de, de, de l'Aisne, des grands bâtiments, vous voyez, découvertes à l'occasion de creusement de pour créer un amphithéâtre dans une école privée. Eh bien, ces constructions intriguent parce qu'elles sont importantes en élévation, elles sont à l'est, elles pourraient correspondre éventuellement à une infirmerie, mais sans cette arcugie préventive, on n'aurait jamais eu la connaissance de ce type de, de bâtiment. D'autres programmes débutent, comme ceux qui vont peut-être se faire un jour à Saint-Ménard-de-Soissons, à Saint-Vendry ou à Déols. Et euh, également, euh, ces recherches permettent d'introduire un, aussi une réflexion sur les problèmes d'utilisation de l'espace, de la liturgie. C'est le cas, par exemple, sur les salles du chapitre qu'on commence à mieux connaître. On les connaissait auparavant souvent par les questions des inhumations. On les aborde un peu mieux maintenant sur le, le problème de la position des, des moines dans ces grandes salles. Euh, là, vous la voyez restaurée en partie, reconnue à Cluny à travers aussi des, des colonnes qui avaient été engagées dans, découvertes dans l'épaisseur des murs et là il y a confrontation entre le problème qui est un problème de recherche et puis la restauration qui avait été amorcée et qui va tenir compte justement des, des résultats des, des archéologues. Alors ici à, à Sainte évidemment le nœud de notre grand monument c'est aussi la, la crypte et Christian m'a demandé d'en dire deux mots de, de ces cryptes qui me tiennent à cœur parce qu'effectivement ces grandes abbatiales, ces grandes collégiales, priorales, cathédrales qui conservent ces cryptes, et vous en voyez un certain nombre ici sur cette carte, eh bien, elles posent toutes sortes de problèmes dans l'aménagement, dans la circulation, j'y reviendrai, et elles sont là évidemment pour protéger, mettre en valeur, valoriser la tombe d'un saint, d'un saint fondateur, fondateur quelquefois du diocèse, on y reviendra, euh, sanctuaire euh, qui met en avant donc la présence de reliques, euh, mais quelquefois carrément du corps d'un saint ou d'un martyr. Il faut protéger et donc on va revenir très souvent sur ces constructions et d'où leur complexité. Euh, c'est le cas par exemple à Saint-Gilles-du-Gard qui a fait l'objet d'un colloque il y, a, il y a deux ans. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu, comme ici à Saint-Eutrope, des aménagements au XIXe siècle qui ont modifié les niveaux, les circulations. Et donc l'archéologue doit aussi comprendre évidemment toutes ces transformations. Il n'est pas nécessaire forcément d'avoir une crypte pour honorer un saint ou Bon, la cri peut permettre d'avoir des reliques, mais on peut aussi, dans la circulation des fidèles, honorer ce saint, comme vous le voyez ici à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans cette miniature qui a été retrouvée il y a quelques années en Belgique et qui nous permet de voir comment le, les pèlerins peuvent circuler dans le sanctuaire, en faire le tour et entourer le, la statue du, du saint. Et euh, cette pratique, évidemment, elle nous soucie aussi. C'est-à-dire que le monument, ce n'est pas simplement donc, des pierres, mais c'est aussi évidemment un espace d'accueil et de circulation, de vénération. Avec tout ce qui va avec. La nécessité, par exemple, comme ici dans cette miniature allemande, de suspendre ou de conserver les ex-votos, de, résultat des, des demandes de, de miracles ou, ou d'accomplissement de, de ces, ces miracles. Euh, on voit également combien euh, la position des, des pèlerins est importante. On va créer, par exemple, à Stavelot, une grande crypte hors rêve qui va permettre à la fois de positionner des hôtels, mais aussi de circuler. Ça sera le cas également ici. À, dans un exemple carolingien à, à Flavigny, où encore au XVIIIe siècle, le, les pèlerins qui circulaient et montaient les escaliers que vous voyez ici faisaient le tour des cryptes hautes et là s'approchaient des reliques et on pouvait, ces reliques constitu, étaient constituées de chaînes du martyr de Sainte-Reine et on les appliquait sur les épaules euh, du pèlerin. Et euh, on est au XVIIIe siècle, et ce qui est intéressant c'est de voir que des pratiques anciennes euh, se poursuivent, et de la voyez également que l'on va encore au XXe siècle faire circuler non pas euh, ici les, 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 reliques, euh, les reliques, mais euh, le lien entre deux abbayes, celle de Flavigny et puis l'ancien euh, lieu, la basilique, où se trouvaient les reliques de, à l'origine, le martyr plutôt de saint red Complexité donc de circulation, de construction. C'est le cas par exemple de Saint Martial, un grand ensemble bien bien connu que des collègues ici sont, sont impliqués à essayer de, de comprendre autour des travaux notamment les plus récents Xavier Lermite. Donc c'est là où l'archéologie a permis d'aller beaucoup plus loin que la simple connaissance des sources. Ou ici à Saint-Bing de Dijon. Et saint migne de dijon qui est actuellement l'objet de restauration, qui commence cette année pour quatre ans, pose les problèmes. Et je rejoins les, la question justement des, des enjeux de la restauration, c'est-à-dire comment faire accéder un public plus important, pas seulement de, de fidèles, dans un espace qui est quelquefois justement confiné. Alors on peut dire que la, la rotonde ici est très grande, très large, oui, mais il n'y avait pour l'instant qu'un seul escalier. Donc se posait le problème de, de la sortie de, de cette rotonde. C'est sur quoi a travaillé ici l'architecte et ça va être l'objet des travaux euh, qui vont euh, venir cette année. Circulation, donc qui est le problème que nous avons aujourd'hui quand on... L'essai de respecter les, les règles justement de, de sécurité, mais c'est aussi euh, ce qui nous intéresse dans les cryptes, le problème à l'origine. Euh, comment faire circuler, monter et descendre des, des milliers de, de personnes euh, On a dans un certain nombre de, de cas à Constantinople où il y avait des descentes privilégiées du côté nord pour monter du côté sud, ou des descentes pour les femmes et d'autres pour les hommes. Donc des questions que, qui, qui nous intéressent et qui euh, se complexifient quand on a affaire, comme ici à Vézelay euh, sur cette belle crypte qui a conservé le sol de, de rochers, ici, à la fois la présence de tourisme important, puisque Vézelay, c'est un million de visiteurs, mais également de pèlerins, de pèlerins Saint-Jacques et d'autres qui viennent nos récits, les reliques de Marie-Madeleine. Le restaurateur, l'architecte des mesures historiques, ici, s'est appliqué à conserver aussi, par exemple, sur les enduits que vous apercevez sur la photographie un peu surexposée sur le côté, les traces des bougies, par exemple, des cierges euh, qui accompagnaient justement ces actes de, de vénération. Donc, euh, ces, ces questions... Euh, de de contemporanéité de, des problématiques, c'est à dire de ne pas seulement se contenter de la réflexion archéologique historique, mais voir aujourd'hui ce qui se pose par rapport au développement du, du tourisme, du tourisme de masse. C'est ce qui a été aussi abordé dans d'autres lieux, comme à saint surin de Bordeaux, je pense, et qui peuvent nous intéresser également ici. On l'a abordé tout à l'heure avec l'architecte. Donc, le parti de restauration peut toucher aussi d'autres aspects, structures, décors, bien sûr, on en reparlera cet après-midi. Mais c'est également la cohérence des bâtiments monastiques. Là, en l'occurrence, quand on a affaire à un bâtiment qui est perçu, par exemple, à Vézelay, aujourd'hui par le visiteur, comme une simple église, parce que tous les. Bâtiments qui sont au sud, que vous devinez ici, retracés par l'archéologue pour montrer le dispositif claustral, tous ces bâtiments ont disparu depuis le XVIe, XVIIe siècle. Mais dans la partie de restauration du grand architecte viollet le duc par exemple, les contreforts qui avaient été restaurés avaient fait disparaître toute trace d'arrachement. C'est-à-dire que la lecture aujourd'hui n'était plus possible pour le, le visiteur de comprendre que cette grande église se rattachait à des bâtiments. Donc c'est un souci. Que nous avons de, de plus en plus, et les collaborations qui existent maintenant plus étroitement depuis au moins les décrets de 1985 entre l'archéologie et, 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 et l'architecture et la restauration. C'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur et qui, quelquefois, peuvent être accompagné d'un conseil scientifique, appelle un conseil scientifique réunissant un certain nombre d'experts, qui a permis, dans un certain nombre de lieux, je parle de la Bourgogne que je connais bien, comme à Cluny ou à Vézelay, d'avoir de, des moments d'échange importants sur des choix qui ne sont pas toujours évidents, entre des choix sanitaires, des choix historiques, des choix archéologiques. Tout ceci, bien sûr, ne vaut que par la volonté, comme ça a été rappelé aussi par ici les représentants de, de la ville, de transmettre. Transmettre ces sanctuaires, ces cryptes, ces abbayes pour faire comprendre à la fois l'originalité dans le patrimoine monumental, dans le revêtement aussi du, du regard. L'étude ne doit pas être donc déconnectée, comme je l'ai souligné, comme ça a déjà été dit, du programme de restauration quand celui-ci existe. Donc c'est un programme important, c'est aussi ce programme qui nous intéresse ici pendant ces deux journées à Sainte, ces journées qui, à travers les différentes communications qui vont suivre, vont permettre d'enrichir la connaissance de Sainte Eutrope et de contribuer à mieux comprendre le lieu pour mieux le conserver, je dirais, le restaurer et le transmettre. la transmission c'est aussi celle des sources et des textes il faut savoir les lire et les relire comme c'est très bien le faire cécile tréfort professeur d'histoire médiévale à l'université de poitiers à qui je passe la parole Ah ben merci beaucoup, Christian. Merci aux deux Christian. Euh, merci pour l'invitation à, à présenter le, le dossier textuel, une partie du dossier textuel de Sainte-Eutrope euh, devant vous. J'espère qu'on qu m'entend. Et donc, euh, le, le, le monument qui a déjà été en partie présenté précédemment est un monument qui bénéficie d'une source assez exceptionnelle, euh, qui est une chronique qu'on a appelée longtemps chronique de Saint-Cybar, je vais y revenir, euh, et qui euh, raconte les euh, événements qui se sont passés en 1096, qui ont touché précisément cette, euh, cette, euh, cet édifice et plus généralement la communauté. De sainte eutrope cest c'est-à-dire à la fois une dédicace solennelle d'un des hôtels par le pape Urbain II, dédicace de l'autre hôtel par l'évêque de, de Sainte, de, l'évêque du lieu, et puis la découverte et la translation des reliques de sainte eutrope et d'un autre saint, euh, Saint Léonce, qui apparaît dans le récit et qui semble ensuite disparaître plus ou moins de, de la tradition. Mais euh, je pense que euh, l'exposé le, euh, qui, qui me succédera euh, avec Raphaël Guérin euh, explicitera aussi un certain nombre de choses. Alors, dans mon tour d'horizon, euh, je serai guidée précisément par euh, la lecture de ce texte de, de, qui raconte ces événements de 1096 que j'ai essayé à l'occasion euh, du programme euh, dirigé par Christian Gainsbettel euh, de vérifier. Euh, entre l'édition de 1843 et le manuscrit qui nous reste, donc de vérifier le texte, de le traduire. J'ai fait un premier jet qu'on continue à travailler parce que vous allez voir, euh, les traductions que je vous donnerai euh, ne, ne sont pas encore tout à fait euh, affinées. Et puis surtout, d'essayer de comprendre ce texte dans euh, un, un environnement plus large de ce qui se passe à, euh, à, à Sainte. Alors, mon propos sera, sera divisé en plusieurs parties. J'évoquerai d'abord tout ce qui se passe avant euh, le XIe siècle, que j'ai appelé Sainte-Eutrope avant Sainte-Eutrope, un clin d'œil à un article célèbre, Cluny avant Cluny, mais c'était pour des, des périodes plus, plus basses. Euh, ensuite, la question des reliques, que nous rever, verrons euh, ultérieurement. Le rapport de Sainte-Eutrope avec les clunisiens. La question de l'architecture qui se présente comme un écrin pour les reliques des saints. Et enfin, les relations entre Saint-Eutrope, le pape, mais également l'évêque qu'on a eu tendance à un peu oublier dans, dans l'équation. Alors tout d'abord, Saint-Eutrope avant Saint-Eutrope. Il est évident qu'au XIe siècle, Saint-Eutrope est un évêque sans histoire. Alors, sur mes diapositives, j'ai mis sur la droite, quand ça s'appelle chronique, j'ai mis le texte de la chronique. En général, j'ai mis la traduction, avec quelquefois des, des termes latins, mais euh, c'est une proposition. Et dans le groupe de recherche, on est encore appelé à retravailler sur la compréhension de ce texte latin. Alors, quand même un clin d'œil à ces belles enluminures de la fin du Moyen Âge qui représentent Sainte-Eutrope, mais dont on ne connaît absolument pas évidemment le, le, le visage ni même le, forcément l'existence. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chronique elle-même, donc euh, bon, j'y reviendrai, mais sans doute fin, rédigée fin du 11 ou début du 12 siècle, évoque clairement qu'il n'y a pas de texte. Euh, bien que la vie du martyr Eutrope ait été agréable à Dieu, etc., euh, ses actes et la manière dont il avait converti le, le peuple étaient restés cachés par la négligence ou l'absence de gens pour l'écrire. Et ce que le signe des lettres signal litterarum n'indique pas, les marques de la puissance euh, divine, comprenez les miracles, ne cessent de le clamer. Alors pour Saint Eutrope, euh, nous avons essentiellement des informations pour le VIe siècle. Et là, vous avez une carte. Qui est issu de la topographie chrétienne des cités de la Gaule, où l'on voit très bien, euh, alors, les synthés connaissent parfaitement cette topographie, mais la, 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 la cité qui est enserrée dans, dans les murailles, et puis près de l'amphithéâtre, le lieu euh, d'inhumation traditionnelle de, 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 de Saint-Eutrope, et donc d'autres espaces d'inhumation. Alors nous avons deux, euh, deux témoignages, celui de Grégoire de Tours et celui de Fortuna, euh, que Raphaël Guérin euh, développera euh, certainement un tout petit peu plus tout à l'heure, euh, signalant simplement que Fortuna euh, évoque euh, donc, euh, la, la, le, le bâtiment qui aurait été euh, construit par Saint-Palais, le successeur euh, de Saint-Eutrope, euh, sur, le, sur le tombeau du Saint-Évêque. Et après, un grand blanc, un grand vide documentaire jusqu'au milieu du XIe siècle. milieu du XIe siècle, on a ce premier texte qui a été euh, discuté, qui, qui pose un certain nombre de, de questions, 2056, un testament euh, qui évoque une donation de biens et des élections de sépulture à Saint-Eutrope, qui mentionne en particulier non seulement un coenobium, donc une communauté et un, sans doute un établissement, et des monachies on traduit spontanément par moine, mais pour cette période là on peut se demander s'il s'agit véritablement de moines en tout cas c'est peut-être pas des moines bénédictins il peut s'agir de clercs ou d'une communauté un petit peu mixte en tout cas ce texte est le premier qui mentionne l'établissement de sainte-eutrope et il pose déjà problème Ensuite, on a un moment, 1079-1080. Alors, sur mon diaporama, je me suis rendu compte que j'avais mis concile de Sainte pour 1079. C'est le concile de Bordeaux, donc corrigé. Euh, en tout cas, entre le concile de, Saint, de, de Bordeaux, j'y tiens, et la donation de, de Guy Geoffroy-Guillaume, on a le passage de Saint-Eutrope à Cluny. À partir de là, et euh, c est, c est, c est, ce passage à Cluny est mentionné dans la chronique. On a ensuite, vers 1096, le récit de cette translation des reliques, de la dédicace de l'autel, de la reconstruction du bâtiment, euh, que nous évoquerons plus après. Ensuite, début du XIIe siècle, une série de privilèges pontificaux pour Cluny, qui mentionne évidemment Sainte-Eutrope, qui est rentrée dans le giron clunisien. Et puis, dans les années 1030, euh, des textes complémentaires euh, autour de droits, de possessions, de biens, de la communauté clunisienne de Saint-Eutrope. Donc, à partir de là, on a un peu plus de, de documents. Alors, cette fameuse chronique qui a été dite de saint Cybard elle est présentée, elle est copiée dans un manuscrit qui est un manuscrit moderne. Nous n'avons pas le manuscrit médiéval. Et donc, c'est un manuscrit de Don Estienneau à la Bibliothèque nationale de France qui, a, qui a copié ce texte-là en signalant ex donc, c'est la, la notation que vous avez en haut, d'après un manuscrit de saint Cybard d'Angoulême. Cette notation a donné, et, le, et le, la mention éponyme pour le, la chronique, en fait, ça raconte l'histoire de Saint-Eutrope. Actuellement, ce fameux manuscrit de Saint-Cybard, alors est-ce qu'il provenait de Saint-Cybard Est-ce qu'il a été utilisé à Saint-Cybard au Moyen Âge Est-ce que simplement Saint-Cybard était le dernier possesseur et qu'on l'a appelé comme ça à partir d'un ex-libris On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, la recherche de ce manuscrit n'a rien donné. Les principaux manuscrits qu'on sait être provenant de Saint-Cybard, qu'on a conservés pour l'instant, sont ceux qui... Euh, faisaient partie de la collection d'Adhémar de Chabannes et qui sont passés ensuite à Saint-Martial de Limoges, mais on est euh, 60-70 ans avant les événements qui sont relatés ici, donc ça ne marche pas. Alors cette chronique qui a été éditée en 1843 de façon assez, euh, assez bonne, euh, vous avez le, le résumé euh, ici. Donc d'abord ça commence par le siège de la ville par le comte de, de Poitou qui veut la récupérer sur le comte d'Anjou, et une première translation des reliques de Sainte-Eutrope qui était à l'extérieur de la cité et qui est trans, transférée à l'intérieur, j'y reviendrai. Ensuite, euh, on les fait mention de miracles et du développement du pèlerinage, qui fait que la crypte est trop petite, c'est quand même un, un lieu commun de ce type de récit, donc on reconstruit la crypte. Le récit continue avec le, la, le, la consécration de l'autel de l'église haute par Urbain II. Puis, on recherche les corps de Sainte-Eutrope et de Saint-Léonce. Ça continue avec la mention de la première messe épiscopale, donc de l'évêque de, de, de Sainte, Construction, euh, pardon, la consécration de l'autel de la crypte par l'évêque et enfin, euh, la, trans, la dernière translation des reliques. Vous voyez ici que euh, la structure du texte est une structure assez, euh, assez, euh, assez logique. Et elle est quand même tournée beaucoup plus euh, autour euh, des reliques qu'autour de la consécration d'Urbain II. Alors l'auteur qu'on ne connaît pas se dit euh, contemporain et euh, même acteur. Vous avez là les deux passages où il explique qu'il a prêté main euh, forte, main sacrée, euh, pour euh, les translations de, de reliques. Alors, le récit commence avec le, la prise de la ville par euh, Guillaume, euh, Guy Geoffroy-Guillaume, donc le comte de Poitiers. À ce moment-là, la saint était, depuis une cinquantaine d'années, aux mains du comte d'Anjou, le vassal du comte de Poitiers, duc d'Aquitaine. Euh, euh, et donc, euh, à la mort de Geoffroy Martel, son neveu... fortifia la ville, la ferma et la tint fermée et fortifiée, veillant sur elle. Tristes et inquiets, les habitants... Alors, qui West, dans un premier temps, j'avais traduit par citoyen, mais en fait, ça ne donne rien du tout pour le Moyen-Âge. Et donc, j'ai préféré habitant, mais on peut en rediscuter, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, les habitants se tourmentaient, craignant qu'avec l'arrivée imminente de Guillaume, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, des trésors plus précieux que l'or et le topaz, c'est une, une expression qui rappelle une formule d'un psaume et qui, qui, qui décrit les, les, les reliques, donc que, que les reliques soient ravies et emportées ailleurs et qu'ainsi la population, veuve de la présence de ses propres pasteurs, soit affligée à bon droit par la perte de ses très chers pères. Alors ces pasteurs, ce sont euh, Eutrope et Léonce, euh, qui sont nommés à la suite du, du récit. Alors ces reliques, ce sont des reliques d'un personnage qui semble, à partir de ce texte-là, euh, prendre le statut de, de patron. Alors il n'y a pas que ces reliques en aquitaine et il y a quand même des reliques prestigieuses euh, qui font une sorte de concurrence d'abord celle de saint hilaire à poitiers le premier évêque de poitiers euh, qui est euh, historique qui est un très grand, euh, un grand évêque un grand théologien et dont le sanctuaire euh, qui est connu depuis euh, très, très longtemps en fait était un très grand euh, lieu de, de, de pèlerinage. on a ensuite euh, Charroux qui, depuis le 9e siècle, a des, des reliques importantes et qui, au 11e siècle, possède une des reliques christiques les plus importantes, la sainte vertu, le prépuce du Christ, et d'autres euh, reliques tout à fait importantes. Donc déjà deux grands sanctuaires anciens. Et puis, au début du 11e siècle, on trouve, et euh, le duc d'Aquitaine valorise, là, euh, le chef de Saint Jean-Baptiste, donc le précurseur du Christ. On est là avant. Le Christ, ce qui fait un. un C'est un, une relique tout à fait prestigieuse. Alors, malgré les doutes qui ont plané dès, pratiquement dès l'origine sur l'authenticité de la relique, Saint Jean d'Angélie, qui fait partie du monde clunisien, est un redoutable concurrent. Et puis Saint Martial de Limoges. Saint Martial de Limoges, qui, à partir du XIe siècle, au début du XIe siècle, notamment avec Adhémar de Chaban, commence à être considéré comme un apôtre. Et vous avez là un des manuscrits de Saint Martial où le statut de confesseur de Martial, qui était celui de départ, a été gratté. Et on a rajouté apôtre à la place. Donc, au milieu du XIe siècle, on a dans cette Aquitaine du Nord. Très grand sanctuaire, et on peut se demander si euh, la recherche des reliques de sainte eutrope n'était pas aussi une manière de, de s'insérer euh, dans ce, ce monde-là. Alors, il y a d'autres saints évêques à Sainte, et même si beaucoup de documents ont disparu, malheureusement, pour la Sainte-Ange, on a quand même quelques documents qui nous permettent, dès le Moyen-Âge, d'avoir une idée des, euh, des, des, des évêques qui étaient euh, vénérés sur place. Alors, il y en a quelques-uns. Il y a Saint-Palais, Saint-Macou, Saint-Saloane, Saint-Vivien. Euh, on en a un certain nombre qui sont présents dans le martyrologe euh, en usage à Notre-Dame-de-Sainte au XIIe siècle. C'est un manuscrit qui a miraculeusement échappé à toute destruction euh, et qui se trouve à Yale actuellement. Il bénéficie d'une très belle numérisation euh, accessible en ligne où on peut trouver euh, dans le martyrologe des notices complémentaires sur ces saints. Et puis le manuscrit latin 1307, qui est un bréviaire du XVe siècle de, de, de Sainte, qui mentionne également, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, à propos de la translation des Saintes Eutrope et Léonce, qui est euh, mentionnée dans, dans le texte. Donc on avait des Saints évêques à Sainte, mais en fait, le plus prestigieux euh, était sans conteste Eutrope, qui va bénéficier à partir du XIe siècle d'une sorte de, de, de promotion très, très importante. Alors, ce qui est assez extraordinaire et que je n'avais pas perçu dans un premier temps dans ce texte, c'est l'omniprésence des habitants. Les habitants, les kiwes, les, les habitants de la kiwitas, sont présents au début, à la fin, au milieu du récit. C'est eux qui tremblent au moment du siège de la ville de voir disparaître ces reliques et qui demandent à ce qu'elles soient mises, au, mises à l'abri dans la cité. Et puis, vous voyez que, par exemple, au paragraphe 20, au moment où on commence à rechercher les reliques, eh bien, avant de les élever devant la foule complète, eh bien, on a décidé qu'on ferait en secret, en mettant dans la confidence seulement un faible nombre d'habitants, on procéderait à cette recherche. Et puis, au moment où apparemment les travaux sont déjà engagés, où on aborde le, 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 le sarcophage du saint, eh bien, on voit des habitants qui montent la garde autour des saints corps, jour et nuit, à toute heure, à tout instant. Et puis, euh, à la fin de toute, toute cette histoire, eh bien, quand les pèlerins sont partis, euh, il ne reste plus que quelques habitants, et c'est là qu'on place définitivement les saints dans leur dernière demeure. Alors. Que le récit corresponde à une réalité ou qu'il s'agisse d'une fiction narrative, on a en tout cas voulu, l'auteur a voulu mettre en scène véritablement ces habitants qui sont omniprésents, qui sont pratiquement plus présents, enfin, qui sont présents au moins au même niveau que euh, les, les pèlerins. Alors, euh, cette, euh, ce, ce rôle des habitants, sans doute lié à l'évêque aussi, hein, euh, apparaît dans, très nettement dans la première translation à prendre translation euh, vers la cité. Alors, euh, vous avez là un plan de, de Sainte au XIe siècle que m'a gentiment euh, transmis Christian Gainsbethel pour, euh, pour, euh, pour replacer un petit peu les, les choses. Et donc, vous voyez bien que Sainte-Trope est à l'extérieur de, de la cité. Et alors que la ville va être assiégée par le comte de Poitiers, les habitants... Euh, donc craignant euh, craignant de, de perdre décidèrent de transporter les saints ossements à l'intérieur des murs. Ceci étant fait, donc chacun des saints des deux saints donc là on voit apparaître dans le, dans le récit les deux resta dans l'église saint pierre le puelier aussi longtemps que le long siège ne cessa d'affliger la ville jusqu'à la reddition. Et puis le duc obtient la victoire, il restitue la, la paix à l'église de Sainte et bien avec euh, Arnulf, donc l'évêque, et l'approbation du clergé et du peuple, les ossements de sainte eutrope sont remportés dans leur église. Saint-Pierre le Puellier, si quelqu'un sait où c'est, dites-le-moi. Pour l'instant, c'est une grande question. Alors Saint-Pierre le Puellier, Sanctus euh, Petrus Poellaris, c'est un vocable qui évoque euh, la plupart du temps une euh, abbaye féminine. Il y a dans les autres villes des alentours, enfin des alentours plus ou moins lointains, mais en tout cas, on connaît plusieurs villes, de plusieurs cités où on a Saint-Pierre de Puylliers. À Poitiers, il y, en avait, il y avait une église Saint-Pierre de Puylliers. À Orléans, à Tours, à Bourges, à Lyon. Le tour d'horizon très rapide de ces cas nous laisse euh, envisager des fondations en général très anciennes, en général des communautés féminines et en général, elles sont devenues ensuite communautés canoniales. Pour celles qui ont, qui ont survécu au Moyen Âge central, sont devenues des, des communautés de, de chanoines. Ici, Saint-Pierre-le-Puelier a disparu complètement, à ma connaissance, du paysage saintet. Le seul autre texte qui le mentionne est un texte du cartulaire de Baigne, de l'abbaye de Baigne, à qui l'évêque de, de Sainte donne... Saint-Pierre-le-Puylier, à la fin du XIe ou tout début du XIIe siècle. C'est la seule occurrence que l'on connaît. En tout cas, c'est une église qui est étroitement liée à l'évêque, et on voit ici l'évêque aux côtés des habitants pour procéder à la, à la translation dans un sens et dans l'autre. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, et là c'est aussi une découverte relativement récente, c'est que ce texte qui raconte cette première translation, qui n'est pas vraiment la, la translation officielle, elle précède la grande translation de, 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 de la fin du récit, eh bien elle a fourni le texte des leçons de deux brévières, les brévières de sainte du XVe siècle qui sont conservées à Paris, le latin 1307 et 1308, à la date du 14 octobre, donc celle qui correspond à la fête de la translation officielle, celle dans la crypte, euh, on a la fête de, de la translation, mais dans le sanctoral, les leçons pour les offices de Sainte-Eutrope sont extraites de ce récit. Ça veut dire que la mémoire épiscopale de la translation des reliques n'est pas celle qui s'est effectuée sur le site de Sainte-Eutrope, mais celle qui a conduit les reliques de Sainte-Eutrope dans la cité à cette fameuse église saint pierre le puilly Je laisse ouverte la recherche, d'autres peut-être plus avant que moi, pourront m'aider à décortiquer tout cela. Alors maintenant, Sainte-Trope et les Clunisiens, c'est un petit peu plus connu. Surtout, ça a bénéficié d'une très belle étude de Stéphane Lafaille, qui pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais à qui j'ai emprunté un certain nombre d'informations et de documents d'ailleurs. Le document, alors l'attachement la de Sainte-Trope à Cluny est mentionné explicitement dans la chronique, puisque, et avec une, une emphase particulière, la très chère intelligence des hommes prudents, qui étaient les excellents moines de Cluny, euh, sous le droit et l'administration desquels l'église devenue monastère était passée, envisagèrent non pas d'agrandir l'ancienne crypte, mais véritablement d'en construire une autre et en achevèrent l'œuvre. Le récit lit étroitement la réception de Saint-Eutrope par les moines de Cluny et la reconstruction. Vous avez là, euh, grâce à, à, à Stéphane, la, la photo de cette fameuse donation du monastère à Cluny en 1081, euh, manuscrit qui est conservé euh, ici même à, à Sainte. Alors, euh, Cluny est, est assez bien implanté en, en Aquitaine il a été surtout soutenu par les ducs d'Aquitaine alors j'ai dit lui, les ducs d'Aquitaine euh, la fondation même de Cluny a été faite par Guillaume le Pieux, qui était le premier, premier comte de, duc d'Aquitaine. Et puis, c'est Guillaume le Grand qui également favorise l'implantation de Cluny sous l'abbatiat d'Odilon. Et puis, enfin, on a toute, toute, toute la série des monastères qui sont soit fondés, soit donnés à Cluny par les comtes de Poitiers, duc d'Aquitaine. Et dans la chronique, eh bien, le duc est également présent. Euh, il est euh, considéré comme homme pourvu de sagesse et très puissant dans les armes. Il, est, euh, il a euh, rendu l'Église de Sainte euh, à sa paix euh, profonde. Et puis, il est euh, partie prenante dans toutes les, les, les actions de, de, qui sont décrites dans le, euh, dans le récit. Alors, pour euh, quelques dates simplement euh, qui précèdent euh, le, le, le fait de le transfert de, de Saint-Eutrope à, 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 à Cluny, avant 1049, donc sous l'abbatiat d'Audilon de Cluny, Saint-Jean d'Angélie passe dans l'orbite euh, clunisienne. Euh, en 1058, c'est Saint-Cyprien de Poitiers. En 1062, c'est Saint-Martial de Limoges. En 1076, c'est une fondation. Saint-Jean-de-Montierneuf à Poitiers, qui sera pendant deux générations le, le lieu d'inhumation des, des ducs d'Aquitaine. Saint-Sibard d'Angoulême est également euh, sous... Alors, une, liste, une litanie comme ça laisse supposer que c'est facile et sans, sans, sans heurts Il y a quand même eu beaucoup de difficultés. Dans un certain nombre de cas, jusqu'à jusqu'à l'abbaye de ben qui a euh, réussi à, à échapper à l'emprise de, de Cluny. Donc, c'est pas une, 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 un long fleuve tranquille. En tout cas, la donation de sainte eutrope à Cluny en 1080 fait partie de cette de ce mouvement euh, de ce mouvement d'ensemble. Et c'est euh, ce qui provoque, entre autres, la reconstruction de la crypte. Alors, l'explication qui est donnée, c'est quand même celle de la dévotion. Les fidèles et la chronique évoquent les pèlerins qui viennent donc avant la reconstruction et euh, donc euh, les, les fidèles des deux sexes après un long voyage avaient coutume d'emplir de telle manière l'ancienne crypte où ils reposaient qu'elle ne suffisait nullement à recevoir la densité des foules lors des nombreux offices du jour des vigiles et de la nuit. L'espace de cette crypte était en effet étroit, construit sans harmonie, sombre, presque obscure. Considérant cela, les religieux de Cluny envisagèrent non pas d'agrandir, mais de construire une nouvelle crypte. Et puis, on voit apparaître dans un paragraphe suivant un ancien du nom de Benoît, responsable de la nouvelle œuvre, remarquable artisan et homme d'expérience. Je suis certain qu'on reparlera dans les, dans les minutes ou dans, les, dans le, les deux jours à venir de ce Benoît dont on ne sait pas grand-chose. Et dont le nom Benoît évoque quand même très 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 sérieusement le monde bénédictin. Est-ce qu'il a existé Est-ce que c'était vraiment un architecte, un maître d'œuvre, un tailleur de pierre ou une invention du de l'auteur euh, À vous également de, de me le dire. En tout cas, la nouvelle crypte, la voilà. On a une magnifique euh, description. On voyait cette nouvelle crypte, agrandie tant en longueur qu'en largeur, de vastes dimensions, composée par l'art des maçons de manière diligente et vigoureuse, emplie d'une abondante clarté grâce aux fenêtres ouvertes tout autour. Sa table d'hôtel en marbre, qu a, qui a disparu, décorée et sertie de pierre, installée dans ce lieu magnifique, portée entièrement au-dessus d'elle, le chef très saint de l'église, Caput, qu'on peut traduire soit par chef, tête ou par chevet. Mais là, on voit qu'il s'agit vraiment de supporter la tête de l'Église. Alors, cette Église, c'est un écrin pour un saint, Saint-Eutrope, mais en fait pour deux saints. Dans le récit, le sort de Saint-Eutrope est étroitement lié à Léonce, évêque de Bordeaux, qui avait euh, le premier euh, vénéré le, le, le saint. Alors, on a deux, grands, deux passages très importants qui montrent l'afflux des pèlerins. Mais, et là, ça, ça pourra rejoindre la communication de, de Raphaël Guérin tout à l'heure, on peut se demander si, si ce texte entérine le fait que le pèlerinage existe déjà, ou alors s'il est là pour promouvoir ce culte. En tout cas, la réputation euh, des saints avait euh, empli non seulement l'Aquitaine, mais la Gaule, la Petite et la Grande-Bretagne, euh, parcourant d'autres régions, etc., donc une... Avant même la reconstruction, une renommée tout à fait extraordinaire. Et puis après, euh, après la consécration de, de, de l'hôtel, eh euh, la nouvelle diffusée par. Ah, J'ai laissé citoyen, j'aurais dû mettre habitant. Euh, On vit confluer des multitudes de gens euh, de tout statut. Et avec quelle pieuse dévotion tu les aurais vus supplier, plier à genoux, se prosterner, se frapper la poitrine en se lamentant, etc. On est dans un discours de type hagiographique. Alors que le reste est un discours de type chronique. Alors, tout ce récit repose sur la recherche des reliques. On va, après toute la, 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 toute, 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 toute la cérémonie de dédicace, chercher les reliques pour donner une nouvelle sépulture, creuser dans la roche-mère. Et donc là, je laisse ensuite les archéologues se débrouiller avec tout cela. Alors, quand on creuse, on tombe d'anciens tombeaux, deux tombeaux. D'abord celui d'Eutrope, ensuite celui de Léonce. J'ai mis en parallèle les deux descriptions, avec là encore des traductions qu'on a déjà un petit peu discutées, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, pour Eutrope... Le tombeau creusé dans la roche, anciennement scellé par du plomb fondu avec quatre barres de fer aux quatre angles et une pierre par-dessus. Cette pierre ayant été brisée, puisqu'on ne pouvait pas l'ouvrir d'une autre manière, on vit une boîte en plomb, capsa, qui contenait les restes sacrés du martyr. Pour Léonce, une autre forme, énorme construction en pierre de taille, soutenant un ancien ouvrage qui s'élevait au-dessus sous forme de colonne. Donc ce fameux Benoît ordonna de creuser, d'enlever les blocs inférieurs d'un côté, et on trouva en dessous un mausolée dans lequel reposaient les ossements du confesseur déposés dans une boîte de plomb. Donc nous voici avec deux boîtes de plomb qui viennent de deux tombeaux différents, des tombeaux qui évoquent par leur description générale quand même des tombeaux euh, antiques ou de l'antiquité euh, tardive. À ce moment-là, les reliques des deux sont déposées. Sur ou vers l'autel. Alors, comment traduire ad altarisianuam in ipso introitu À la porte de l'autel, à son entrée, mais c'est à l'entrée de l'autel, je n'ai toujours pas compris ce qui se passait. Et puis, super altari pour, pour Léonce, donc véritablement sur l'autel. Et enfin, on réenfouit à la fin de la cérémonie ces reliques et il est possible. Mais là encore, on verra avec les études qui, qui suivent, euh, il est possible que ce tombeau que nous avons aujourd'hui sous les yeux soit celui qui a été mis en terre euh, en 1096. Alors, pour terminer le tour d'horizon, euh, eh bien, là-dedans, quand même, on a un pape qui est passé, Urbain II, il n'est pas passé qu'à Sainte-Eutrope, mais il a procédé à une dédicace solennelle. Alors, Urbain II, euh, le texte utilise le terme de « opportunitas », les moines ont saisi l'opportunité de la présence du pape. En fait, Urbain II a fait un grand voyage en France. Entre 1095 et 1096, vous savez qu'il a prêché la première croisade à Clermont, mais vous avez là euh, le, le, le trajet qu'il a fait, qui a été qui avait été retracé par, euh, par un, un collègue allemand. Donc en partant d'Italie, il a fait un grand tour d'abord dans l'est de la France, et puis il a traversé le Limousin, il est remonté jusque du côté de la Loire, et puis ensuite, donc en passant une première fois par le Poitou. Et en redescendant, il repasse par le Poitou, il traverse la Saintonge, onge et puis après, il s'en retourne en Italie par la voie euh, du, du sud. Alors vous avez un très très beau vitrail à Sainte qui représente Urbain II euh, que j'ai remis euh, ici. Alors ce récit de dédicace qui est dans la chronique, c'est un récit qui n'est pas tout seul. On a d'autres récits de dédicaces, des récits de dédicaces pontificales y compris dans la région. Le pape Urbain II est passé à Charroux, il a consacré un hôtel, on a un récit. Il est passé à Montier-Neuf, il a consacré un hôtel, on a un récit. Il est passé à Cluny avant, il a consacré la grande église de Cluny III, on a un récit. Pour le récit de Sainte Eutrope, c'est quand même un récit minimaliste par rapport aux grandes chroniques et euh, alors par contre bon, j'ai mis en clin d'œil ce, 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 cette, euh, cette euh, enluminure parce qu'il s'agit du missel de Montier-Neuf de, de Poitiers donc, qui a bénéficié d'une dédicace pontificale et on voit qu'ici au XVe siècle on se ra rappelle encore que la dédicace a été faite par le pape et non pas par un évêque alors qu'est-ce qui se passe euh, au, 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 en 1096 et eh bien dans un premier temps le pape qui était venu célébrer Pâques à, à Sainte et sollicité pour euh, consacrer l'autel supérieur. Et donc, c'est l'église supérieure qui a, été, euh, qui a été consacrée. Donc, euh, les religieux obtinrent du pape qu'il daigne oindre de ses propres mains pour le bénir et le consacrer l'autel supérieur, construit à neuf comme celui euh, du bas. De nombreux évêques étaient présents, il laissa au seigneur Ranulf, le prélat de la cité, le soin de consacrer l'autre, situé architecturalement à l'aplomb exact en dessous de l'hôtel supérieur. Donc il y a une correspondance topographique entre les deux hôtels et on a créé dans le récit une coï coïncidence chronologique. Comme Urbain II consacrerait l'hôtel haut, l'évêque consacrerait l'autel bas. Mais en fait, quand on lit le texte, il n'y a pas simultanéité des deux actes. Il y a d'abord celui du pape et ensuite euh, la consécration de, du deuxième autel. La chronique, paragraphe 30. « Enfin arrivé le jour prévu où l'évêque, satisfaisant à la requête des moines, consacra l'autel et célébra pour tous les solennités sacrées de la messe. Tout ceci ayant été accompli, après le sermon, le peuple rentra chez lui. » Donc deux églises, deux hôtels, deux dédicaces. Cette deuxième dédicace, c'est une dédicace pontificale, euh, épiscopale. Et pour terminer, alors on voit peut-être mal, euh, l'écran est un petit peu plus clair. Je, je terminerai avec le dernier paragraphe de la chronique, le paragraphe qu'on a qu'on a appelé 31. Le jour suivant. Qui était le deuxième avant les îles d'octobre, le 14 octobre, et c'est la date qui, a, qui est restée dans les calendriers pour la translation des saints Eutrope et Léonce. Alors que plusieurs milliers de personnes étaient reparties et que restaient à peine quelques citoyens ou habitants, les saints reposèrent dans les demeures qui leur avaient été préparées. Dans la gloire et la vénération due de la part des religieux, abbés, autres ministres de l'Église, là où, en attendant le jugement dernier, ils ne refuseront pas leur patronage et les miracles habituels aux fidèles. Ce texte termine comme un, une annonce de, de miracles et euh, il euh, me permet de terminer ici ma, mon discours en ouvrant la, la voie à, à la présentation euh, d'après. Je vous remercie beaucoup. Merci, à Cécile, pour cet éclairage toujours bien argumenté, présenté. Et on a peut-être encore le temps d'une ou deux questions pour ceux qui sont présents. Oui. oui. Non, mais pour l'enregistrement, il faut. Est-ce qu'on m'entend là? Bon J'ai deux petites choses euh, qui m'intéressent, évidemment, de près. Euh, la première, c'est vous présenter euh, le premier texte concernant Saint-Eutrope, comme euh, ce texte qui parle de Julien de Tézac, en 1056, je crois, si je ne me trompe pas, et qui a été interprété euh, par différents historiens comme un faux sorti d'une officine de faussaires euh, qui était destiné à glorifier justement euh, la famille de Tézac, et qui sera un faux du XVIIe. On vous le signale comme ça, je ne sais pas si vous l'avez lu, Jacques Duguet a repris cette question il y a assez peu de temps. Justement, je, 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 je signalais qu'il posait problème ce texte-là, et je pense que c'est un de ceux pour lequel il faudrait appliquer une, une critique très, très approfondie du, du texte, parce qu'effectivement, si véritablement il est authentique, ce serait la première mention de Monachy, et est, si c'est une œuvre de Faussaire. Euh, la datation de la transformation ou de l'invention de est importante aussi. Donc effectivement, c'est un texte qui est... Est-ce voilà. que, ce... est que vous avez ce texte de Jacques Duguet euh, non, enfin, j'ai euh, pas re... non, je, je l'ai pas, très... mais vous pourrez me le me passer. Puis on, on pourra reprendre ça au cours du de la recherche. Je pense c'est un point important, effectivement. Euh, la deuxième chose, évidemment, c'est ce qui concerne ces, ce, ce sanctuaire tout à fait extraordinaire de Saint Pierre le Puellier, qui, il est vrai, comme vous dites, euh, disparaît totalement ensuite de euh, l'abbaye de Bagne. Des textes cherchés en vain, comme vous sans doute ce que pouvait devenir ce, euh, ce sanctuaire de Notre-Dame-le-Puelier qui disparaît complètement. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement, ben alors ça on est dans le domaine, d'identifier à tout simplement un de ces sanctuaires satellites qui se trouvent autour de la cathédrale, euh, donc qui pourrait faire partie de l'ensemble cathédrale de l'époque et qui a totalement Tho disparu Topographiquement, je n'ai aucune information. La fait. seule chose qu'on sait. C'est que c'est la terre qui dépendait directement de l'évêque, qui à un moment donné le donne à l'abbaye de Beignes. Donc euh, c'est quand même, mais on, on peut que, que mettre des hypothèses, mais peut-être que mon voisin de gauche aurait des idées. Tu connais bien plein de saint pierre le puellier donc tu auras peut-être des. <laughs> non, non, mais là pourquoi pas effectivement à proximité. Mais bon, là maintenant, du point de vue archéologique, on est un peu pauvre. Euh, bon, je regarde en même temps l'heure parce que, comme on est très minuté, euh, on aura l'occasion de, de reparler en détail de, de cela. Est-ce qu'une dernière question Oui. Jean-Luc Pia. Oui. Ah, Là-bas là là derrière. Jean-Luc. Là En temps, oui. oui, je voulais savoir, Cécile, quel est le terme exact pour Rochemer que tu as traduit par Rochemer, parce qu'effectivement, ça m'interpelle en tant qu'archéologue de savoir précisément le, le terme latin. Alors, je vais te dire ça. J'avais commencé par. Alors, le, le, le terme, c'est nativa, je pense. Alors, attends, je... il faut que je retrouve le passage. C'est Petra... Petra nativa ou roca. Alors, attends. Je cherche euh, saxo in saxo nativo. Donc saxum pour la pierre et nativ nativus que j'ai traduit par roche. Mais au début, euh, la première traduction que j'avais proposée, c'était euh, roche native, mais je ne sais plus qui m'avait proposé de, de mettre roche mère, mais je ne sais pas. Ça, ça signifie... euh, en tout cas, il y a plusieurs, dans le texte, il y a plusieurs fois euh, l'idée que, que ces sépultures sont creusées dans, dans la roche. Dans la... Donc, l'affleurement enfin, rocheux ou le substrat lui-même qui a été excavé. Ce qui, ce qui signifie qu'on a forcément un déchet de taille. On, on est d'accord dans l'interprétation qu'on peut faire de, du texte. Ça signifie qu'il y a un creusement. Euh, oui, in saxo nativo exquisam. Et puis ensuite, on a également. L'autre, euh, le tombeau de Sainte eutrope qui, qui est découvert, il est, il est donc euh, creusé dans la roche. Il est in inroupé exquisa. Donc à chaque fois, c'est bien exquisus, donc creusé. Oui. Et après, il n'y a, a pas contradiction entre le, le texte et le, et le terrain puisque la roche est là. Hein, est mais est pas, par rapport notamment aux déchets de taille, puisque les sondages extérieurs, que ce soit celui ce fait par Adrien ou celui que j'ai pu faire, dont je présenterai demain, euh, ont mis en évidence des déchets de taille et notamment des déchets de, de carrière. Bah, oui. Il faudrait arriver à déterminer si c'est des déchets de taille quand on a un bloc déjà sorti ou effectivement euh, des, des déchets qui viennent d'un creusement de, de la roche. Mais je ne sais pas si c'est possible, ça. peut-être ouais, bon, Je pense qu'il faudra qu'on rediscute de ça, mais là, on est obligé d'avancer. Désolé. Et donc, j'appelle Raphaël Guérin, qui va nous éclairer avec un autre angle de vue, avec le dossier géographique de Sainte-Trope. Et sa légende apostolique vit miracle et reliques. Alors, alors, pendant que s'installe, on va nettoyer le dispositif. Je vais en effet m'inscrire dans la communication précédente sur un versant un peu plus géographique, puisque vous le savez, Saint-Eutrope de Sainte, ce n'est pas seulement une église, une basilique, c'est aussi un saint patron et donc une légende. Dans le cadre de ma recherche de doctorat, j'ai étudié les saints avec fondateurs des Gaules, plus précisément les légendes de fondation des diocèses, dans la province de Bordeaux notamment. Et j'ai eu l'occasion d'étudier le, le dossier zagéographique de sainte eutrope de Sainte. Alors, je me propose donc euh, de vous présenter euh, synthétiquement, si j'arrive à afficher correctement le PowerPoint. Pourquoi euh, Qui devient fou. si quelqu'un avec des compétences en informatique. Je peux poursuivre malgré tout, mais effectivement... Miracle, Saint-Eutrope est intervenu, il est venu à mon secours. Donc, le développement de cette légende euh, s'inscrit dans un contexte euh, particulier qui est celui de l'Aquitaine de l'an 1000, euh, où, selon le mot d'Alain Bourreau, euh, que j'emprunte euh, et que je trouve assez heureux, un tournant religieux s'opéra sous l'effet conjugué, je cite, d'une prodigieuse explosion narrative et d'une immense ruée vers les reliques. Et en effet, le 11e siècle en Aquitaine, c'est l'occasion d'un grand mouvement de réécriture hagiographique. Les légendes de saints sont amplifiées et dans le cas des saints fondateurs de diocèse, on assiste à une véritable course à l'apostolicité. C'est-à-dire que les évangélisateurs de l'Aquitaine sont transformés en apôtres, on les vieillit, on les orientalise, on fait remonter leur vie aux temps apostoliques. Et euh, la légende de sainte Eutrope a pleinement participé de ce mouvement. Euh, et c'est pour cette raison que euh, je me propose donc d'en dans, dans dresser une, un bilan. De sa naissance à l'époque mérovingienne à ses dernières écritures latines au XIIe siècle. Dans un premier temps donc les, les, les premiers témoignages euh, d'époque mérovingienne qu'on possède pour commencer à écrire une vie donc de, de sainte de Sainte. Alors euh, ils sont rares en réalité ils ont déjà été évoqués euh, durant la communication précédente par Cécile Truffort, Il y a deux auteurs qui nous intéressent ici Grégoire de Tours et Venance Fortuna. Grégoire de Tours euh, décrit avec une certaine précision l'invention du corps saint. Alors, rassurez-vous, j'ai reproduit une extenso le passage. Je ne compte pas le commenter entièrement, mais au moins, vous en avez ici l'extrait le, le, entier. C'est un extrait donc, de son ouvrage In Gloria Martyrum, au chapitre euh, 56, et qui raconte euh, une invention de relique, tout assez classique, excepté pour un élément sur lequel je vais revenir. Alors, le corps de Trope est martyrisé. Euh, par les païens, il est enseveli et il est caché par la fille du gouverneur romain de la ville de Sainte, vous le savez déjà, une fille qu'il avait convertie, Estelle. Eutrope, euh, ça aussi vous devez le savoir, eut la tête brisée, mais fut euh, enseveli sans sépulture décente, sans honneur, sans cérémonie, à cause des persécutions. Et on oublia donc tout à fait, non seulement euh, qu'il avait été martyr, mais aussi tout simplement qui il était. Donc pendant plusieurs siècles, les fidèles de Sainte vénéraient un saint. Sans connaître sa véritable identité. Alors, c'est une inversion intéressante par rapport aux inventions, enfin plutôt aux légendes mérovingiennes d'évangélisateurs, puisque normalement on connaît le saint, on connaît son identité, notamment son statut de martyr. Simplement, on a oublié où se trouvait la tombe. Ici, on connaissait la tombe, mais c'était le saint et son identité qui était ignorée, qui était inconnue. Ce n'est que par hasard, donc là je paraphrase en réalité l'extrait, ce n'est que par hasard que, euh, au moment où l'évêque de Sainte palladius ou Palais, et était évêque de 573 à 586, et des abbés qui s'apprêtaient à déposer ses cendres, les sacros euh, Cineres, dans une basilique récemment construite en son honneur, peut-être la basilique restaurée par Léon II de Bordeaux, qu'ils découvrirent que la tête du corps était marquée d'un coup de hache. Contemplanterque cicatricem capitis. Donc, afin de confirmer cette découverte, un avertissement céleste eut lieu. Saint Eutrope lui-même leur apparut. Il leur apparut en songe et lui révéla donc euh, leur révéla son martyre. Alors, ce passage il est intéressant si on le met en, en, en rapport avec d'autres passages euh, de l'œuvre monumentale de Grégoire de Tours, puisque dans cet extrait Grégoire de Tours complète en quelque sorte une liste qu'il avait déjà donnée là aussi d'un passage assez célèbre de sept évêques, sept évêques pardon, envoyés sous l'empereur Dès, euh, donc au milieu du IIIe siècle. Cet évêque envoyé pour évangéliser la Gaule. Alors c'est au, au 30e chapitre du premier livre de son Historia Francorum, qu'on appelle aussi le, le Decem Libros Historia Rum, c'est euh, à partir de, cette, de, cette, de cet extrait qu'on a élaboré toute une, toute une légende autour de l'évangélisation des Gaules. Grégoire de Tours en cite 7, Saint Eutrope ne s'y trouve pas, mais on apprend dans ce passage-là que Eutrope aurait été envoyé par Saint Clément, donc, euh, en latin, je, je, je l'ai laissé, cette mention, Abbeato Clemente Episcopo Fertur directus in Gallis. Euh, C'est qui complète en réalité la liste, même si la chronologie n'est pas la même. Saint Eutrope est même beaucoup plus prestigieux parce qu'il est beaucoup plus précoce. Il n'a pas été envoyé au IIIe siècle, mais par Clément, qui est le troisième ou quatrième successeur de Saint Pierre, selon les traditions, euh, selon les, les listes qu'on qu qu retient. Et euh, on a donc ici une liste qui se complète, qui ne va être euh, poursuivie qu'avec un autre saint, Ursin de Bourges. Euh, lui aussi envoyé sous Saint-Clément pour évangéliser la Gaule. Le deuxième témoignage mérovingien qu'on possède sur Eutrope de Sainte euh, se trouve dans le chapitre 13 du premier livre des Carmina donc du poète euh, Venance Fortuna. Alors, Venance Fortuna, dans ce passage, loue son destinataire, qui est identifié ici euh, comme l'évêque de Bordeaux, Léonce II encore lui, et il raconte comment euh, l'ancienne basilique Saint-Eutrope fut restaurée, commandée par le saint lui-même à un prêtre du diocèse qu'il avait visité en rêve. Alors l'action qui est rapportée dans ce récit est plus tardive euh, que le, dans le récit de Grégoire de Tours. Léonce est évêque de 625 à 634. Il est désigné donc, par l'intermédiaire d'un de ses prêtres pour euh, restaurer la basilique. On remarque, petite précision, que euh, Venance Fortunat ne fait pas écho ici euh, à la qualité missionnaire de Trope. Il n'est pas présenté comme un saint évang évangélisateur. Pas plus qu'il ne se fait le relais d'une idée de l'évangélisation de la Gaule par des évêques romains. Donc il n'y a pas de précision sur son origine romaine, euh, ni sur sa qualité de missionnaire. En revanche, ici, ce qu'on peut retenir, c'est que eh bien, cet évêque, Léonce, pour avoir été le premier à promouvoir le culte de sainte eutrope allait ensuite lui être associé. C'est ce qu'on a vu euh, notamment dans la chronique de Saint-Cybar, où les, les deux saints sont, sont associés, en tout cas dans un premier temps, euh, en termes de, de vénération de reliques. Également, comme précisé dans la précédente communication, il y a ensuite un vide, un vide historiographique, un vide hagiographique. Le dossier de Saint-Eutrope ne s'enrichit pas durant l'époque carolingienne, alors que c'est une époque qui connaît, pour les autres légendes apostoliques, de très nombreuses inventions, très souvent d'ailleurs les premières inventions, l'écriture des premières vités complètes de saint fondateurs de diocèse. Alors il y en a beaucoup d'exemples il y a la Vita Antiqua de Saint-Marcel de Limoges, dont on a parlé. Il y a celle de Front de Périgueux, il y a celle à Vita Prima de Dostrumon de Clermont. Donc, dans les provinces de Bordeaux et de Bourges, on a vraiment une première floraison géographique et on a vraiment des inventions de légendes apostoliques. Eutrope n'en fait pas partie. On a évidemment euh, sa mention dans les martyrologes carolingiens les plus célèbres, celui d'Adon et celui de Zivar. Donc, il est fêté au 30 avril et on reprend l'information de Grégoire de Tours. Il fut envoyé par Saint Clément. C'est d'ailleurs raccord avec euh, le développement de ce qu'on appelle à cette époque des légendes clémentines. Donc, qui émettent Saint Clément de Rome, donc successeur de Saint Pierre, comme celui qui aurait été à l'instigation de l'évangélisation de la Gaule païenne euh, durant l'Antiquité tardive. Donc, précision dans les martyrologes, mais un vide, un vide géographique. Il faut attendre euh, le XIe siècle, donc, pour qu'on ait la seule vie, la seule vita complète, et en fait la seule vita existante euh, de Sainte Trope de Sainte. Alors, Ici, il faut faire une parenthèse parce que cette vie, elle se situe dans un, un document qui est très particulier, qui a beaucoup été commenté et que je vais très simplement et brièvement présenter. Il s'agit du Codex Calixtinus. Alors pourquoi il est particulier Et on va sans doute on entendra en, parler, pense, euh, en entendre parler, je pense, en de parler pendant ces journées d'études. Parce qu'en fait, c'est un, on pourrait dire un unicum, c'est un, un unique manuscrit compostellant, euh, compilé entre les années 1100, euh, 1140 et qui comprend le seul, dans son état complet, le Liber Sancti Jacobi, le livre de Saint-Jacques. Alors pourquoi il est particulier Parce qu'on l'a énormément commenté et on a pu faire croire que c'était un document très répandu et très connu au Moyen Âge, alors qu'en fait non, c'est un, un livre, un ouvrage à la diffusion quasi nulle, euh, sauf quelques, quelques exceptions qu'on va présenter, mais c'est quand même un... un le terme est, est, est malheureux, mais un impact. c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui n'a pas du tout été diffusé. Alors ce livre, c'est un recueil principalement géographique, il est composé de cinq parties. Et ce qui nous intéresse, c'est le dernier livre, la cinquième partie, qui a été euh, nommé par euh, euh, Jeanne Vieillard donc dans les années 1950, le, « Le guide du pèlerin ». C'est un titre qui lui a été attribué, hein, ce n'est pas son titre d'origine. Et dans « Le guide du pèlerin », on trouve une parenthèse, une immense parenthèse, euh, le, euh, la vie euh, complète de, de Sainte-Eutrope de Sainte. Alors, il n'existe pas de tradition intérieure à cette vie. Elle se retrouve en dehors du contexte du Guide du Pèlerin euh, dans 12 manuscrits médiévaux, ce qui est une diffusion, pour dire, correcte. Elle est ni, ni immense ni euh, réduite. Des manuscrits répartis entre le XIIe et le XVe siècle. Et une, une musique qui a été éditée par euh, Jeanne Vieillard dans son Guide du Pèlerin, donc dans une édition euh, de 1938. J'ai moi-même fait une transcription d'une un, de, 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 euh, de ces copies dans un manuscrit de la Bibliothèque municipale de Tours, le 156. Et qui en fait euh, présente une, une vie assez, euh, assez semblable. L'origine en est inconnue. Alors évidemment, premier topos de cette vie, cette vie, elle, elle aurait évidemment été connue elle serait d'une grande antiquité. C'est un topos des légendes apostoliques. Son âge estime que une affirme que c'est une ancienne vie grecque, bien plus ancienne et bien plus authentique que toutes les autres. Et euh, on a, donc je, je cite, hein, « Cette sa très sainte passion a été racontée en grec par son compagnon Saint-Denis, évêque de Paris, qui envoya ce récit par l'entremise du pape Saint-Clément en Grèce à ses parents déjà convertis au Christ. » Alors Hildouin, qui a composé la troisième vie de Saint-Denis de Paris au début du, du, du 9e siècle, c'est lui qui euh, amalgame Denis de Paris avec Denis de Corinthe et euh, Denis l'Areopagite, a déjà utilisé cet argument, hein, puisqu'il ne prétendait pas en être l'auteur. Il disait « Cette vie de, de Saint-Denis, je l'ai trouvée dans un manuscrit grec. » Alors la mention du grec, c'est vraiment un marqueur d'authenticité, c'est vraiment une, le signe d'une pureté originelle, et c'est une manière aussi d'appuyer davantage l'apostolicité du Saint Fondateur et son lien avec le christianisme apostolique. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette vie C'est une vie qui est à ce point fantaisiste que les bollandistes, qui étaient quand même des gens qui voulaient célébrer le, la gloire des saints, les Boulandistes, dans la Zecta Sanctorum, ont refusé de la transcrire, de l'éditer. Ils ont estimé que c'était bien trop fantaisiste, c'était bien trop irréaliste. Et de fait, vous allez en juger par vous-même, est-ce qu'on peut leur donner tort Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on y trouve Eh bien, Saint Eutrope n'est plus un missionnaire du 3 siècle, envoyé pour évangéliser la Saintonge. onge C'est un Perse, Alors c'est le fils de Xerces, vraiment lui, hein, le roi Xerxès. Eutrope est donc le fils de Xerces, émir de Babylone. Il se rend en Galilée après avoir entendu parler de Jésus. Et il y rencontre Saint-Martial, euh, futur premier évêque de Limoges, qui devient son maître. Il assiste à tous les miracles des évangiles, la multiplication des pains, euh, la résurrection de Lazare, l'entrée euh, de, de Jésus à Jérusalem. Apprenant que le Christ est arrêté, il retourne en Perse pour y lever une armée qui pourrait venir secourir le Christ. Il meurt avant qu'il ait pu regrouper ses soldats. Il ordonne alors de massacrer les juifs de son pays et il rejoint les apôtres et les premiers disciples du Christ. Après la Pentecôte, Saint-Pierre l'envoie évangéliser l'Europe. On lui confie sainte, qui est présentée comme une grande ville romaine à l'époque, une ville d'une grande puissance. Eutrope, il multiplie les conversions. Il subit des premières persécutions. Alors il retourne à Rome un peu découragé. Et à ce moment-là, ce n'est plus Pierre qui est à la tête de l'église romaine. Il est mort. C'est Saint-Clément. Donc on retrouve la légende clémentine, clémentine originale. Et à ce moment-là, eh il le renvoie, il lui dit Non, non, il faut que tu poursuives ta mission. Il retourne à Sainte. C'est à ce moment-là qu'il convertit Estelle, et c'est à ce moment-là qu'il connaît le martyr, qui est en fait une récupération de, 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 de l'épisode euh, de, de Grégoire de Tours. Alors, c'est une légende apostolique dont tout ce qu'elle a de plus classique. Comment on peut en retrouver chez Marcel de Limoges, Front de Périgueux, Ursain de Bourges, aux zones d'Angoulême C'est-à-dire que euh, toute la première partie est consacrée à des épisodes qu'on connaît tous, qui sont un, un épisode évangélique, j'en ai mis un. Donc Trouve pourrait être lu, c'est l'épisode du Dimanche des Rameaux. L'agiographe retranscrit textuellement le passage des évangiles, qui est semblable à, à, au texte qu'on trouve en latin dans la Vulgate. Simplement, il va désanonymiser le texte, il va simplement euh, le préciser, il va quelque part l'inventer au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il va trouver une nouvelle, euh, une nouvelle information, puisque, eh bien, en l'occurrence, dans ce groupe de gentils, de païens qui célèbrent la venue de, de Jésus à Jérusalem, eh bien, il y avait Saint Eutrope, évidemment, qui se trouvait ici anonyme dans l'Évangile, mais lui, il le sait, il y avait bien sans autrement cette foule. Et on a ici, clairement, une des fonctions de la géographie, c'est-à-dire une continuation de l'écriture, une Bible locale, une Bible actualisée. Et ce pas seulement un argument d'autorité, l'usage de l'Évangile, c'est vraiment une manière d'inventer une mémoire des origines par une complétion de l'Évangile. Alors, il y a d'autres références, je, je manque de temps dans cette patio assez intéressante, la géographie fait référence aux missions de Saint-Simon et... Saint-Adé, qui est aussi euh, appelé Jude, des, qui font partie des douze apôtres. Il y a un usage qui a bien été mis en évidence par le boulondiste Baudouin de Guéffier d'actes apocryphes, et notamment les actes apocryphes de Saint-Simon et de Saint-Adé. Donc ce n'est pas du tout une vie, euh, ce n'est pas une écriture libre. Il y a vraiment une, une inspiration qui est claire euh, de la littérature apostolique, y compris dans une littérature gallicane, donc de légende de fondation euh, des Gaules, puisque je, si on met en, en, en en miroir, la description de la ville de Sainte, quand sainte eutrope découvre cette ville, avec la description de la ville de Paris ou d'Athènes dans les, les, les différentes vies de Saint-Denis de Paris, on trouve en fait une formulation qui est quasiment, euh, alors pas littérale, mais en tout cas, il y a des emplois lexi, euh, lexicaux qui sont les mêmes, mais il y a aussi un, une description qui est très proche, d'ailleurs, c'est un topo, celui du Locus Aeminus, qui est repris d'une vie à l'autre. Donc, cette référence à Denis de Paris dans la vie de Trope, comme D'ailleurs, dans le reste de la vita, Saint Denis est présenté comme son compagnon, mais aussi comme l'auteur euh, lui-même de la passion de Saint Eutrope. Et eh bien, montre la volonté de la de l'insérer dans le cercle restreint et très sélectif des saints fondateurs et de le faire participer à un cycle légendaire dont les noms des différents évangélisateurs agissent comme un outil de légitimation. C'est vraiment une manière de, de compléter euh, cette grande geste de l'évangélisation des Gaules. Alors, euh, cette présence comme évangélisateur, et eh bien, elle est. Euh, elle est, euh, elle est poursuivie dans le, dans le Pseudo-Turpin, donc le quatrième livre euh, du Codex Calistinus. Eutrope est désigné aussi comme un des, des évangélisateurs de la Gaule. C'est le cas dans la version vernaculaire de la chronique du Pseudo-Turpin, qu'on appelle la chronique saint du Pseudo-Turpin, qui a été rédigée dans les années 1260, qui est écrite en Languedoc, et qui euh, connaît beaucoup d'interpolations, mais qui en fait reprend plus ou moins les données de la vie qu'on trouve dans le Codex Callistinus. Euh, pareillement, chez Barnard Guy, Beaucoup plus tard, hein, au début du XIVe siècle, dans un traité sur les 72 disciples du Christ, sainte trope de Sainte est mentionné à côté de Marcel de Limoges, front de périgueux, comme ceux qui ont évangélisé la Gaule. Donc, ce n'est pas non plus une légende entièrement locale. On a eu une, un écho de cette appartenance à ces évangélisateurs dans d'autres textes, pas forcément d'ailleurs géographie, comme on va le voir, euh, qui ont permis de l'intégrer à, euh, à cette grande geste. Alors, dernier point, c'est le recueil de miracles. L'écriture du Liber Calixtinus, enfin du Codex Calixtinus, a lieu en même temps que la reconstruction du sanctuaire de sainte eutrope à la fin du XIe siècle, donc confiée, comme on l'a vu, au moines de Cluny par le duc d'Aquitaine en 1081. Et l'incohérence chronologique entre une écriture hagiographique et la reconstruction du sanctuaire s'explique en réalité par la mise en œuvre d'un programme général de relance du culte. Alors, en effet, on a plusieurs éléments concomitants qui permettent, en fait, de, de, de comprendre que ce, ce recueil de miracle a été, a été composé pour appuyer, en réalité, une promotion du culte. Euh, il y a la reconstruction de l'église il y a aussi euh, la translation de la relique en 1096, il y a également l'intensification des chemins de Saint-Jacques et on a effectivement dans euh, le recueil du miracle plusieurs mentions qui sont faites à des pèlerins qui viennent, de, qui viennent euh, sur la route euh, de Saint-Jacques pour y trouver une guérison et qui s'arrêtent à Sainte comme à la dernière destination de leur pèlerinage. Alors évidemment il est difficile pour nous de savoir si c'était juste une étape s'ils ont poursuivi jusqu'à la Galice ou si effectivement ils allaient à Sainte comme à leur première destination, quoi qu'il en soit, on a un écho ici à ces chemins. Euh, et ça nous donne un indice supplémentaire pour, pour le dater. Alors, ce recueil de miracles, lui aussi, il est problématique, puisqu'on n'a plus de témoins manuscrits médiévaux. Euh, il a été édité par les Bollandistes intégralement, qui s'appuie sur un manuscrit des Célestins dont on, a, dont on a perdu la trace. Ce recueil de miracles, cependant, il est, il est intéressant à plusieurs raisons. Alors, il présente 23 miracles à travers quatre chapitres. Premier chapitre, c'est sauvetage de la noyade et du feu. Deuxième chapitre, c'est la libération de captivité. Troisième chapitre, punition de profanation et exorcisme. Et quatrième, des miracles divers. Alors, il est intéressant, peut-être en dehors de son contexte purement euh, euh, saintongé, pour une, 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 un point de vue euh, puisque puisqu'il est assez représentatif de la géographie des environs de l'an 1000. On a en effet une, une surreprésentation des miracles de vengeance et de punition infligé par le saint à ceux qui ont profané, profané son sanctuaire ou violé ses prérogatives, Le chapitre 3 d'ailleurs lui est entièrement destiné. Euh, par exemple, au premier miracle de ce chapitre, un agriculteur fait labourer ses bœufs alors que c'est la fête de Sainte-Trope et qu'on doit le chômer. Il est évidemment puni euh, immédiatement de cécité. Un soldat d'ailleurs l'admoneste pour lui dire que c'est la fête de Sainte-Trope et qu'il faut respecter ce temps de, 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 de chômage. Euh, L'agriculteur répond Moi je laboure ma terre, Eutrope n'a qu'à interrompre ses moines. On a un autre exemple avec euh, un charpentier, pareillement, qui travaille le jour de la fête de sainte eutrope et qui perd l'usage de ses membres, qui même gonfle et, et devient, euh, devient couvert d'ulcères. Donc on a là quelque chose de très typique de la, de la géographie, on pourrait qualifier ça de, de féodal. sainte eutrope protège son sanctuaire comme un seigneur protège son domaine. Le saint n'a aucune profanation de sa demeure. Et pareillement, on a un, un, un dernier miracle qui est assez violent, qui conclut ce chapitre. Un citariste euh, jouait de la cithare, donc, dans euh, la basilique sainte eutrope pour trouver quelques deniers. Et Saint-Eutrope y voit une, une profanation. Il s'effondre subitement, il se roule à terre, il grince des dents, il se déchire les membres comme un homme tourmenté par le diable. Il meurt quelques jours plus tard, et la géographe le décrit comme étant en enfer. Donc il y a effectivement ici euh, une insistance claire qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le recueil de, du miracle de Sainte-Foy, puisqu'on a ici les mêmes euh, types de procédés narratifs. Ce euh, n'est pas dirigé contre l'immilitesse, il n'y a pas de miracle particulièrement euh, euh, qui cherche à christianiser le modèle du chevalier ou du soldat. Il y a quelques exemples, notamment en Terre Sainte, euh, Transmarinas euh, en croisade, où un chevalier est sauvé euh, de sa captivité par sainte Eutrope mais on n'a pas une assistance forcément sur euh, l'Ordo Bellatorum. Néanmoins, on a quand même ici cette, cette insistance sur la la protection du sein et de ses prérogatives. Alors, je n'ai pas lancé mon en chronomètre, combien de temps il me reste <laughs> Excusez-moi. Combien de temps 10 minutes. 10 minutes, parfait. Ce recueil des miracles, il a aussi ceci d'intéressant, qu'il place le tombeau au centre de ses miracles. Alors, malheureusement, on n'a pas de description aussi précise, par exemple, que dans la chronique de Saint-Cybar, sur la, la crypte ou sur le, le reliquaire. Néanmoins, le terme sepolchrum, qu'on peut traduire par tombeau, apparaît 17 fois. Pour neuf miracles. Les miracles qu'on peut qualifier au tombeau, c'est-à-dire directement liés à la présence du corps saint et de sa, sa virtus, de sa force miraculeuse. Et cinq autres miracles peuvent être dits ad sanctum, c'est-à-dire qu'ils se produisent dans l'Ecclésia, dans l'église de sainte eutrope euh... Parmi ces récits, il y a un type de miracle en particulier qui permet d'en apprendre plus sur la situation du tombeau, euh, néanmoins, et sur les pratiques dévotionnelles des pèlerins. Alors là aussi, c'est assez typique de la géographie de l'époque. Néanmoins, si c'est intéressant de le remarquer, puisqu'on est quand même dans ces, dans ces journées d'études intéressés par l'Église en lui-même, c'est la pratique de l'incubation, qui est une pratique que vous connaissez sans doute, une pratique culturelle ancienne qui remonte à l'Antiquité, qui consiste à dormir dans un sanctuaire pour en obtenir la guérison. Alors ça peut être par un songe, ça peut être par les prescriptions d'un saint thaumaturge. L'incubation se trouve dans ce recueil pratiqué à quatre reprises, sous le terme de pernoctatio qui désigne tout simplement l'action de passer la nuit dans un endroit. Dans ces, deux, euh, dans ces deux de ces incubations indiquent une longueur, qui est identique dans les deux cas, c'est neuf jours et neuf nuits. Et euh, le quatrième miracle du chapitre 4 est d'autant plus euh, intéressant que Trope est présenté comme un médecin, donc euh, Medicus Salutis, qui vient guérir en, en personne dans la nuit le fidèle qui avait été blessé par une flèche. Alors, la traduction aussi de, est de mon cru, donc euh, elle peut aussi être appelée à être euh, révisée. Alors, la formulation latine elle est ambiguë, puisqu'il est précisé que l'homme noble euh, fut touché par les mains de saint Eutrope lui-même. Alors C'est manumque suarum suavi contactu, donc, durant l'incubation, et c'est ce contact physique avec le saint qui provoqua la, la guérison. C'est assez intéressant, parce que ici on a vraiment un rapport qui est très matériel à la relique, puisque c est, c est, euh, Eutrope vient toucher vraiment le pèlerin, comme par contamination de la force miraculeuse de la relique. Et classiquement, en, en, en échange, euh, en, en contre-don, euh, quelque part, le miraculé laisse, euh, en, en mémoire de cette guérison, la flèche argentée qui l'avait blessée, qui avait pourri son membre, devant l'autel du saint. Autre type de miracle, là aussi classique, dans ce recueil, c'est les exorcismes, évidemment, qui jouent un rôle identique à ce qu'on trouve dans Invita, dans la vie du saint rendre visible le démon et manifester la puissance miraculeuse du saint. Ceci dit, il y a un miracle sur lequel je voulais insister. C'est un miracle qui met en scène un personnage historique, qui est d'ailleurs le seul moment où c'est le cas dans ce recueil, et qui donne un indice de datation dans le recueil. C'est le cinquième miracle du chapitre 3, Il s'agit de l'abbé Hugues de Cluny. Alors là, c'est quand même en plein dans, dans, dans notre thématique, et notamment ce qu'on a pu entendre juste avant, l'abbé de Cluny. Donc c'est le sixième abbé de Cluny, de 1049 à 1109, qui est en visite en Aquitaine. Alors, l'exercice est assez classique, là encore, hein, les recueils de Miracula sont toujours stéréotypés. Les parents mènent, dans un premier temps, leur fille possédée auprès du tombeau de Saint-Eutrope. La guérison n'arrive pas. Ce n'est qu'avec l'aide duc de Cluny, qui s'était recueilli seul au tombeau du saint. Donc, il y a quand même Saint-Eutrope qui, euh, qui reste le premier personnage hein, de, du recueil. C'est par l'intermédiaire duc de Cluny que le démon fut chassé. L'exercice est vraiment intéressant parce qu'il donne lieu à un vrai rituel, avec croix aux bénites, et il euh, y a même une, une sorte de, 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 de procession interne qui permet euh, bien de, de récupérer la vertu du tombeau du corps saint pour ensuite euh, libérer la femme de son démon. L'explosion du démon est tout aussi spectaculaire, puisque euh, le démon vomit dans un torrent de sang et sous la forme d'un temps. Pareillement, comme on peut les trouver dans Lévité, l'exorcisme joue de sa dimension communautaire puisque la basilique, enfin le sanctuaire est à ce moment rempli de fidèles qui peuvent donc voir, identifier l'ennemi du chrétien, de leur foi et on remarquera aussi que les saints exercices sont toujours les plus prestigieux, surtout à cette époque. Une dernière remarque pour conclure cette partie sur le rôle joué par l'abbé de Cluny qui peut faire référence, en plus du rattachement donc, à l'ordre en 1081, à un contexte anti-hérétique où Cluny apparaît comme un véritable centre d'orthodoxie. Alors je m'explique. Au moment de l'écriture du recueil du miracle, donc comme je l'ai dit, datation très large et très lâche en raison de l'absence de témoins manuscrits niveau, donc milieu, enfin début XIe, enfin surtout début XIIe en réalité, à mettre en lien donc à, avec la translation de 1096, sans doute, la reconstruction du sanctuaire, etc. Mais euh, au début du XIIe siècle, on a aussi un habit de Cluny, le IXe, Pierre le Vénérable, qui crée un traité, qui est qualifié d'ailleurs d'un des premiers traités anti-hérétiques d'Occident, donc le Adversus Petrobrusianus hereticos, qui récuse l'hérésie de, de Pierre de Bruy, et ses disciples donc en, en Provence et en Languedoc, et dans lequel est mentionné Saint-Eutrope de Sainte. C'est pour ça que j'ai trouvé le lien intéressant, ici avec Cluny dans ce miracle. Alors, qui sont les Petrobrusiens Très rapidement, c'était un peu des précurseurs de, des Vaudois. Euh, au début du XIIe siècle, euh, on est en pleine... Euh, les conséquences de la réforme gregoriane sont intensifiées, ils rejettent un peu tout cléricalisme, ils il professent un évangélisme assez radical, ils récusent l'interprétation de, de la tradition pratistique et surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, ils rejette l'utilité des lieux de culte. Ils estimaient que les églises de pierre, c'était pas chrétien, pas beaucoup de sens, euh, il n'y en avait pas d'ailleurs à l'époque du Christ, euh, tout ce qui compte c'est le corps mystique du Christ, les chrétiens sont des pierres vivantes de l'Église, donc il n'est pas utile de bâtir des bâtiments, de bâtir un édifice qui permettrait d'accueillir un culte, ce n'est ce pas censé. Évidemment considéré comme une hérésie, euh, ce n'est pas seulement une réalité spirituelle. Pierre le Vénérable s'attache à le démontrer, il remonte toute la généalogie de l'Église depuis, depuis le Christ et Saint-Pierre à Rome. Et, plus intéressant pour nous, qu'emploie-t-il qu comme argument Il renvoie les contestataires, les hérétiques, aux hôtels et édifices de l'âge apostolique durant lesquels et, durant lequel, eh bien, il place la formation des églises des Gaules et donc les traces qu'ils en ont laissées. Après avoir évoqué le temple consacré à Rome par Pierre, eh bien, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, énumère plusieurs saints fondateurs des Gaules. Il y en a beaucoup, Trophime à, euh, enfin à Arles, Ursan à Bourges, Paul à Narbonne, Saturnin à Toulouse, Ostromoine à Clermont, Martial à Limoges, euh, Bordeaux et Poitiers, Front à Périgueux, Eutrope à Saintes. Et il renvoie donc à ce que ces saints ont pu laisser comme édifice, puisque ce sont les premiers à avoir fondé un évêché, ce sont les premiers à avoir fondé une église cathédrale, évidemment dans une forme qui n'est plus celle qu'on peut observer à l'époque de Pierre le Vénérable. Mais enfin, l'édifice gallo-romain était forcément connu, attesté. Donc la réponse de Pierre Vénérable est simple, elle s'appuie sur un témoignage apostolique irréfutable, les édifices laissés par les évangélisateurs de la Gaule et notamment de l'Aquitaine, visibles par chacun et témoins de leur action missionnaire. En conclusion, le dossier hagiographique euh, de Sainte-Trope est typique des légendes apostoliques. Euh, on assiste euh, à partir du XIe, XIIe siècle à un vieillissement du saint, euh, à une orientalisation de son origine, qui est plus seulement un Romain mais un Perse. Alors, le plus souvent c'est plutôt une sémitisation, le plus souvent on en fait un juif disciple du Christ ou de la tribu de Juda ou de la tribu de Benjamin, donc ici c'est un Perse, c'est plus original, mais le processus est le même. On, on en fait un saint alloctone, quelqu'un qui vient d'ailleurs, euh, il participe aux épisodes évangéliques, qui sont les plus importants de l'évangile, et euh, euh, on fait en sorte eh bien, de l'inscrire dans, euh, dans cette grande histoire du salut. Alors, cette légende, néanmoins, n'a pas connu le succès ou la richesse de production d'autres légendes de fondation des diocèses en Aquitaine. Là aussi évoqué dans la communication précédente, il n'y a pas d'équivalence possible avec, par exemple, le sort de Saint Marcel de Limoges, qui est aussi lié à son promoteur, Adhémar de Chabannes, euh, et si zélé qu'il ne serait pas devenu une célébrité avec un, un tel promoteur. Euh, mais on ne trouve pas non plus autant de réécritures, par exemple, qu'avec le cas de de Périgueux qui est un diocèse, un diocèse presque voisin. Euh, donc, un dossier typique, à resituer dans la période euh, du XIe, XIIe, qui connaît un apogée, de manière très générale, euh, des réécritures hagiographiques, et pour ce qui est des, des causes scribendi, des raisons euh, de, cette, euh, de cette réécriture, cette intensité rédactionnelle, là aussi des éléments ont déjà été donnés, mais on peut les répéter. Affirmation identitaire des grands centres monastiques et épiscopaux méridionaux, la promotion de la réforme clunisienne euh, la promotion du culte des reliques, le pèlerinage, le dynamisme de réseaux de sanctuaires dessinés destinés par les grands centres de, 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 de pèlerinage. Alors on a Rocamadour, on a Conques, on a évidemment Compostelle qui est un peu, un peu le point d'attraction ultime, on a Saint-Martial de Limoges. Donc il y a aussi sans doute une rivalité. Des rivalités, on a entouré de reliques prestigieuses, on l'a déjà dit, euh, et notamment des reliques apostolicisées. Saint Marcel est devenu apôtre, donc pourquoi le nôtre ne deviendrait pas aussi apôtre Pourquoi on ne ferait pas aussi en sorte de, de remonter euh, à cet âge euh, premier du christianisme, donc les temps apostoliques Et la légende de Saint-Eutrope manifeste pleinement cet intérêt pour les premiers temps du christianisme qui traverse tout le Moyen Âge. Je vous, je vous remercie. Merci à vous, Raphaël Guérin, pour cette autre lecture du, du dossier et qui va peut-être susciter aussi des questions. D'accord, vous avez été tout à fait dans, dans les temps. Oui, Christian. Je, je, je voudrais interroger Raphaël et peut-être l'ensemble des collègues sur les enjeux justement de ces études géographiques associées à l'étude du monument puisque nous sommes ici en présence manifestement euh, d'une sorte de convergence entre, entre l'édification du monument euh, dans les dates euh, que nous lui connaissons euh, et l'édification d'une légende euh, de saint. Euh, Est-ce que euh, dans le paysage général de ce type de récit hagiographique, cette concordance est, euh, est fréquente euh, et euh, est-ce qu'on peut dire que ça relève d'une même euh, opération Alors absolument, on parlait de saint marcel de Limoges, la, la dédicace de l'église abbatiale du Saint-Sauveur, 1031, on a rédigé la vita prolixior marcellis ad hoc en réalité, pour en fait, c'est quelque part un secret de polichinelle, on a toujours un programme de double rénovation du culte, à la fois euh, à géographique et à la fois monumental, ça s'accompagne toujours de la même façon Dernier exemple, il y en a d'autres, à Périgueux, euh, qui est encore celle qu'on peut observer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez en tête la cathédrale de Périgueux, qui était une basilique à l'époque. Elle est très orientale, en réalité, pas orientale, mais elle est fondée sur le modèle de la basilique des apôtres de Constantinople. Avec, euh, alors, Je ne suis pas historien de l'art, donc je n'ai seulement pas les bons termes. Mais il y a des dômes qui sont assez typiques, qu'on qu retrouve aussi à Saint-Marc, et qui en fait sont un écho et euh, un jeune miroir avec la tercia vita fontonis, qui est rédigée à la même époque, donc, euh, fin euh, 11e, début 12e, qui, pareillement, fait de sans-front, non plus euh, un autochtone ou un romain, mais alors lui, euh, c'est euh, un, un parent de Pierre, euh, euh, apôtre euh, de la tribu de Judas. Et effectivement, on orientalise aussi l'édifice qui accueille cette légende, et la légende est là pour euh, quelque part, c'est théologique, ça, ça un, une fonction explicative. Et donc, la concordance est, est, est totale. Là, il n'y a pas de. On peut dire que cette concordance est aussi valable pour d'autres périodes. Pour le sixième ou pour le deuxième, on retrouve le parallèle aussi avec la construction de bâtiments et une nouvelle écriture géographique. Est-ce que d'autres questions Non, ça vous inspire pas plus. Vous êtes convaincu par la démonstration. Merci. Donc, on va appeler Monsieur Michaud, que tout le monde connaît ici. Qui est historien président des archives historiques de la Saintonge et de l'ONIS? Que maintenant. maintenant, me dit-il. Et qui va nous entraîner à l'extérieur sur une autre question. C'est ça, c'est de la maladrerie. Je commence par remercier Cécile Tréfort, parce que je me suis aperçu qu'elle a rectifié, enfin elle a rectifié involontairement dans ce qu'elle a dit, une erreur que j'avais faite dans laquelle, mais je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir dit, hein, dans lequel je disais que euh, l'église haute et l'église basse de sainte trope avaient été consacrées simultanément. Ah bon, si vous l'avez dit vous-même, je me sens mieux. Bon... <laughs> Ah bon, parce que là, je m'en suis rendu compte, je me suis dit par exemple. Bon. C'est suivant, je puis sur la souris simplement. Oui, oui. Bon. Je vous passe ici une image qui n'a rien à voir avec la maladrerie de Sainte-Trope, puisque nous n'avons pas de documents sur la maladrerie de Sainte-Trope, sauf quelques textes, mais vous avez tous reconnu qu'il s'agit évidemment d'un lépreux euh, qui est en train de mendier dans une rue avec deux chiens qui lui lèchent les jambes. La maladrerie de Sainte porte au XVe siècle, et certainement auparavant, le vocable courant de Saint-Lazare ou de Saint-Labre. Saint Ladre. C'est l'une des 21 maladreries de l'évêché, en fait 19, d'après le Pouillet, c'est-à-dire la liste des bénéfices ecclésiastiques de Gervais Alliot, qui a été publiée en 1648. Mais cette liste est souvent fautive et le nombre des maladreries reste incertain, surtout pour cette époque déjà tardive. Comme pour la plupart des léproseries, nous ne savons pas qui est à l'origine de son existence, ni la date de sa fondation ni même son emplacement exact, qui m'a fait faire beaucoup de cheveux, j'avoue. voilà ici, c'est la deuxième, donc voilà ici une carte qui vous montre les structures hospitalières de sainte au moyen âge. vous devez reconnaître ici tout à fait en bas la l'aumônerie de l'abbaye aux dames. Les localisations ne sont pas forcément toujours extrêmement précises. Vous avez ensuite sur votre droite, vous avez Saint-Vivien sur l'autre rive, avec une aumônerie qui apparaît tardivement au XVe siècle. Vous avez ensuite l'hôtel-lieu de la cathédrale. Voilà. Et puis vous avez naturellement, tout à fait là-haut, vers l'ouest, vous avez sainte eutrope Et puis il y a un une localisation de la maladrerie que j'ai notée à côté de Sainte-Trope, mais ça n'est probablement pas sa véritable, sa véritable localisation. Bon. En l'absence de tout vestige architectural et en l'absence de texte précis, la situation de la maladrerie pose problème. Mais divers documents et la persistance du toponyme, malgré différentes variations, permettent d'en circonscrire l'emplacement. En partant du sanctuaire de sainte eutrope vers le sud, on la trouvait à la sortie de la cité, sur l'ancien chemin de pont. Elle bénéficiait ainsi de la proximité du saint thaumaturge et les, pèlerinages de Compostelle, les pèlerins pardon, de Compostelle ou de sainte eutrope pouvaient évidemment y déposer leur aumône. La situation générale des léproseries, vous vous en doutez, hors des villes, sur les routes, permettait d'éviter les risques de contagion. L'apparition de la maladrerie de Sainte dans les textes paraît tardive. Elle est signalée pour la première fois à notre connaissance sous Alphonse de Poitiers dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Je rappelle ici, pour ceux qui ne s'en souviendraient peut-être pas, qu'Alphonse de Poitiers est le frère de Louis IX ou de Saint Louis, et Alphonse de Poitiers est le maître de Sainte après la victoire de son frère sur Henri III d'Angleterre et Hugues de Lusignan en 1248 sous les murs de Sainte. La léproserie paraît, comme je le disais, a priori tardive. La léproserie de Chanzac ou Chansac à Pont est mentionnée dès le XIIe siècle en 1175. L'aumônerie du prieuré Saint-Eutrope, avec laquelle il ne faut d'ailleurs pas la confondre, apparaît pour la première fois en 1128. Ceci n'implique pas évidemment que notre léproserie soit aussi ancienne, mais nous nous heurtons malheureusement à une grave carence là, de textes. En août 1269, Alphonse enjoint au sénéchal de Poitiers. De délivrer en aumône 100 sous poids de vin, soit 5 livres, à la léproserie de Sainte, 10 livres à celle de La Rochelle et 3 à celle de Benon. L'année suivante, il confirme dans son testament à la maladrerie synthèse et ses méziots, c'est-à-dire les ladres, ses 30 comme aux maisons de La Rochelle, Niort et Saint-Jean d'Angélie, pour, dit-il, la pitance des lépreux, c'est-à-dire la, la, la nourriture des lépreux, le jour de son anniversaire. En 1280, son neveu Philippe III, Rappelle que les exécuteurs du testament de son oncle ont voulu, suivant la volonté du testateur, que cette somme soit augmentée de 40 sous, soit 7 livres au total. Et puis plusieurs textes nous permettent de suivre la trace de ce don, dont deux comptes de Sénéchaussée à la jonction des XIIIe et XIVe siècles, un compte de 1293-1294. Nous avons de même mention de ce don pendant la domination anglaise et jusqu'en 1469-1470. Et puis, on perd ensuite sa trace. Vous verrez qu'il y a peut-être des raisons à ça. Par ailleurs, à peine, pour vous montrer qu'on ne sait pas grand-chose, hein, à peine connaissons-nous le nom de Deladre en 1342, celui de Jean Bouston ou Mouton, qui est d'abord titulaire du tourage, c'est-à-dire du gardiennage d'une tour d'enceinte qui se nomme Malregard, office vacant, nous dit-on, parce qu'il est devenu Mézel, lépreux. Et en 1425, celui démarre Alain, Alen, Alain, je ne sais pas, A-L-E-N, lépreux également, qui demeure en la maison Saint-Ladre-de-Sainte et qui reçoit l'aumône annuel du feu comte de Poitiers. Deux comptes du XIVe siècle nous apprennent que la léproserie avec ses frères, les ladres, est desservie par un prieur. L'un d'eux, Hugues Bertram, ou Bertrand, donne en 1338 au receveur du roi quittance de la somme des sept livres. Il est, nous dit-on, je cite, prieur de la maladerie de la maison des degrés de Sainte-Eutrope de Sainte. J'avoue mon incompétence à dire ce que c'est que cette maison des degrés de Sainte-Eutrope de Sainte. Elle doit être en dessous, elle peut guère être au-dessus, mais elle doit être en dessous, donc manifestement. Au XVe siècle, on note que des lépreux prennent part à l'administration des maladreries. Emma Allen, Alain, que nous avons déjà rencontré, et qui est lépreux, ne nous est pas en tout cas signalé comme clair. À Pont, Pierre Bayle... L'épreu également, qui donne quittance d'une somme de 20 sous tournois le 7 avril 1446 avant Pâques, est dit, je cite, gouverneur et administrateur des pauvres ladres hors la ville de Pont. À Saint-Jean d'Angély, deux ladres, dont un dominicain, donnent quittance en 1488 de la moitié des huit livres qu'ils ont coutume de percevoir chaque année. On n'a plus trace de prieur à Sainte après 1361-1362. On va manifestement vers une autonomie des maladreries. On constate la même évolution à Poitiers et à Jonzac. En 1425, à Saint-Jean d'Angély, un prêtre est dit procureur et administrateur des ladres. On retrouve en 1625 ce titre de gouverneur et administrateur de la léproserie de Saintes, porté par le prévôt du prieuré voisin de Sainte-Trope. Cette nouvelle titulature est extrêmement courante à partir du XIVe siècle et s'applique indifféremment aux laïcs et aux ecclésiastiques. Peut-être, ça c'est une chose qu'il faudrait creuser, indique-t-elle la suggestion désormais de la maladrerie au prieuré voisin, comme quelques autres indices, je n'ai pas le temps malheureusement de les exposer, semblent ou pourraient le laisser entendre. On ne sait rien. Je vais revenir. Alors là, j'ai une grande incompétence. Bon, de toute façon, je peux continuer normalement. On ne sait rien en tout cas sur le personnel ni sur les dépenses de l'établissement. Et on sait également très peu de choses sur l'entretien des lépreux. Voilà, lépreux qui n'a encore rien à voir avec la léproserie de Sainte, mais enfin j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, c'est pas grand chose. Euh, sur les dépenses de l'établissement, et également très peu de choses sur l'entretien des lépreux, et encore est tardivement. À Saint-Jean d'Angély, d'après un texte du XIVe siècle, les ladres semblaient bien traités. Ils recevaient de l'abbaye à certaines fêtes, en diverses occasions, pain, vin, agneau, poularde, des quartiers de bœufs, un peu d'argent et de toile pour leurs habits. À Sainte, nous n'avons trouvé trace que de la livraison annuelle de 42 boisseaux de méture, La méture, c'est un, un mélange de différents. Euh, de différents euh, je ne trouve plus, mais enfin, je me comprends. Sous l'Ancien Régime, par le prieur de Sainte-Trope. On ne sait pas si à Sainte, leur entrée dans l'établissement donnait lieu à la cérémonie macabre par laquelle, à Saint-Jean, oui, alors pardon pour Méture, c'est un ensemble de céréales. Je viens de retrouver le mot. Euh, on ne sait pas si à Sainte, leur entrée dans l'établissement donnait lieu à la cérémonie macabre par laquelle à Saint-Jean, ils étaient déclarés morts au monde. Euh, on disait en effet une messe des morts on les couvrait dans linceul. Ils recevaient ensuite leurs habits particuliers ils recevaient la cliquette que l'on aperçoit, je crois, ici quelque part, la cliquette avec laquelle ils étaient censés évidemment annoncer leur passage. Euh, ce qui signifie d'ailleurs qu'ils pouvaient, euh, par exemple, dimanche à Saint-Jean d'Angélie, entre 3 et 4 heures, ils pouvaient euh, aller en ville. Hein. Euh, Est-ce qu'il y avait d'ailleurs à ce sujet un barbier médecin à la maladrerie de Sainte Il y en a un, on en a même quelques exemples à Saint-Jean d'Angélie, un barbier médecin qui, euh, qui peut s'occuper d'eux et qui décide s'ils sont véritablement ladres ou non. Comment dans cette maladrerie étaient logés les malades Un texte d'août 1607. Donc euh, Tardif nous fournit l'inventaire des meubles que Jaquette Baron, une lépreuse, possède dans l'établissement. Elle en fait dresser état par notaire pour veiller à la conservation de ses droits et ceux qui lui doivent succéder en après son décès, après son décès. Rien ne s'oppose donc à cette époque a priori au legs de ses biens. Le document mentionne entre autres deux lits de plumes Quatre tables, quatre petits coffres, onze seul, c'est-à-dire des draps, de la vaisselle d'étain, des boisseaux de froment, de la laine, sans doute pour filer, deux chaudrons, une poêle, une crémaillère, ce qui implique une cheminée, mais n'indique malheureusement rien sur la disposition interne des lieux. À Saint-Ladre-de-Reims, hôpital à l'évidence plus important que Saint-Ladre de, -de, -de, -de Saintes, ladre de Reims, oui. Le malade possède une maison à fenêtres vitrées avec au rez-de-chaussée sa chambre à cheminée, une chambre pour sa servante, une cuisine pavée, un grenier, une cour, une petite étable et parfois un four. Si elle ne possède sans doute pas tous ces avantages, on peut néanmoins conjecturer que Jacquette bénéficie d'une certaine aisance et tout au moins d'un logement particulier. Son second lit est peut-être lié à la présence d'une servante, comme c'est le cas à Reims. Mais le cas de cette malade, voilà, est-il représentatif de celui des autres lépreux de la maison Et puis, en plus, nous sommes, je le répète, à une époque tardive. Venons-en maintenant au déclin et à la fin de la maladrerie. Une historienne, Françoise Berriac, suppose qu'à partir du XIVe siècle, commence le déclin des léproseries qu'elle met en rapport avec la persécution des lépreux. Nous n'avons rien de semblable à Sainte, euh, ou par contre, la persécution des Juifs mais sans corrélation avec celle des ladres, donne lieu à de regrettables violences, notamment dans la, dans la tour du pont. Il est par contre certain que la régression de la lèpre a joué un rôle dans la disparition progressive des maladreries. Le texte d'août 1607 mentionne qu'il existe encore des ladres dans cet hôpital, mais le temps des léproseries est consommé. En 1672 a lieu une réformation hospitalière qui unit les biens des hôpitaux, aumôneries et maladreries tombées en décadence. À l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et Saint-Lazare de Jérusalem. Quatre ans plus tard, on constate qu'il n'y a plus aucun malade dans la léproserie de Saint-Jean d'Angélie, mais seulement trois personnes saines issues de parents lépreux. En 1694, nul ladre dans celle de Sainte. La maladrerie comme celle de Jonzac au XVIIe siècle est à l'abandon et en bien mauvais état. Le silence de Claude Masse sur cet hôpital, dont il ne connaît que le nom, Peut-être interprétée comme une preuve supplémentaire de la disparition de la léproserie. En 1694, est-ce que je pourrais avoir la suivante D'accord. J'aurais pu le faire avec, la, avec ça. SOS. Non. <laughs> bon, de toute façon, euh, je pourrais la récupérer dans la suite de ce que je raconte. Je voulais dire simplement que en 1694, la voilà oui. En 1694, c'est la bonne. C'est le temps que ça vienne, d'accord. En 1694, les bâtiments qui sont vides en sont affirmés à une pauvre veuve illettrée Marie Vincent qui fait faire un procès-verbal des ruines dont on aurait pu attendre des éclairages significatifs sur la situation exacte des lieux et leur mitoyenneté ce n'est hélas pas le cas le procès-verbal débute par la chapelle alors ici ça n'est malheureusement pas la chapelle plus rien n'existe de la maladrerie de Sainte c'est la chapelle de Jonzac qui est la seule à mon sens la seule chapelle de maladrerie qui existe encore dans le secteur elle se trouve euh, le long de la route de Montendre. Les voitures passent devant sans même s'en rendre compte. Et elle a été sauvée par un collectif, puis ensuite acquise par la municipalité euh, de. Qu'est-ce que j'ai dit de Pont C'est Jonzac. Hein, Excusez-moi, Jonzac. Acquise donc par la municipalité de Jonzac. Et depuis, eh bien, à part, je crois, quelques travaux qui ont été faits à sa couverture, elle est malheureusement dans cet état-là. Sur celle de Sainte, on ne sait rien. Euh, le procès verbal débute donc par la chapelle, ce qui pourrait confirmer sa présence près de la porte d'entrée des lieux. Les murailles en sont, nous dit-on, crevées et fendues, sauf celle de la façade qui a été refaite. Près du petit sanctuaire, un portail ouvre sur la cour. Reste, et oui, reste le problème le plus épineux, celui de la localisation de la maladrerie. Alors là, j'ai varié, j'ai erré. On va mettre la suivante si on y arrive cette fois-ci. Voilà elle pourrait éventuellement correspondre à cette enceinte fortifiée que vous apercevez là euh, sur le plan de 1560 et d'où sourd on le voit une fontaine à fronton et un ruisseau qui se jette dans la charente on entrevoit deux ou trois tours un bâtiment supposé être une chapelle vraisemblablement à l'entrée pardon euh, et des maisons qui pourraient être celles des ladres problème nous savons que la baladrerie est située au sud de l'église priroe donc au sud de la rue sainte trope qu'on aperçoit ici la large voie qui traverse en diagonale ce qui est logique mais curieusement la maladrerie apparaît située ici au nord du prieuré ce qui s'oppose à sa position à la sortie sud de Sainte. Maintenant, il faut dire que la représentation de l'église qui est hors d'échelle pousse évidemment euh, fausse totalement la perspective. Et si l'on dépasse cette contradiction, Saint-Lazare serait donc au fond d'un vallon. Que vous apercevez ici, le vallon des Monards, et le ruisseau serait celui de la Grand Fond, entre les hauteurs de Sainte-Eutrope et de Bellevue. Un texte de 1625 indique certains prés ou hauts barrés, lieux plantés d'arbres, de saules, soit un point bas marécageux qui pourrait correspondre au lieu humide du ruisseau de la Grand Fond. Si vous connaissez la Grand Fond, vous savez qu'on y descend en effet vers le sud, en partant de Sainte-Eutrope. Mais voilà qui est plus inquiétant. Les plans saintet, ceux du XVIIe, XVIIIe siècle, ceux du XIXe siècle, comme ceux de Lacroix, de Boutinet, de Moreau, le nom de l'ancien octroi sur la route de Bordeaux, le témoignage du topographe Claude Mass surtout, qui indique la hauteur, je cite, de la Maladerie ou du Faubourg des Roches qui commande la ville, la citadelle et le Faubourg de Saint-Eutrope, et surtout une carte de cet auteur conservée à Rochefort et que l'on m'a signalé récemment, place la maladrerie sur la hauteur face au coteau de Sainte-Trope. Sur donc la suivante. Alors ça, c'est ça, une restitution amusante qui a été faite par un, un médecin. Un, un, comment dirais-je C'est un, un dentiste euh, qui se passionne pour l'histoire de Sainte-Trope et qui a fait une restitution de la maladrerie que vous apercevez en bas d'après le plan de 1560 qu'il place d'ailleurs lui dans la partie basse du côté de la Grand-Fond. Euh, la suivante, pardon. Alors, la suivante, voilà les différentes localisations des plans du 19e, du 18e et du 19e siècle. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez que la plupart des plans placent quand même la maladrerie sur la hauteur, au-dessus du vallon. Vous voyez euh, les plans Lacroix, les plans de Boutinet, la maladrerie d'après Moreau, euh, tout cela, et puis une rue qui s'appelle rue de la maladrerie. Et puis la grand fond dont je vous parlais il y a une minute et où j'avais commencé à placer au début la, la maladrerie euh, semble quand même manifestement indiquer qu'on est sur la hauteur en face de Sainte-Trope. Et je signale euh, en plus, pardon, il va falloir que je passe à la suivante. <laughs> ah, ça, voilà un plan qu'on m'a signalé récemment, donc euh, un plan donc de Claude Masse qui est à, à, la, à Rochefort. Qui indique, vous voyez, encore une fois, la Maladerie sur. Euh, il y a une flèche là, vous pouvez voir la Maladerie sur le coteau en face de Sainte-Trope. Et je rajouterai enfin, pour finir, il y a un chemin. Alors ça, ça paraît évidemment plus intéressant. Un chemin indiqué dans un texte de 1600 qui, je cite, monte du quai de la Charente vers la Maladerie qui monte. Ça semble bien dire que si le chemin monte de la Charente à la maladrerie, à moins que c'est vrai que la Grand Fond est un petit peu plus haut, euh, mais de toute façon, le chemin euh, indiqué dans le texte de 1600, c'est un chemin qui se situe, d'après le reste du texte, euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, sur le côté. Alors, point haut ou point bas Après avoir longtemps hésité et placé la maladrerie à la Grand Fond. Nous nous orienterons plutôt maintenant vers la hauteur située au sud du vallon, face au coteau de Sainte-Eutrope. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment avec cette enceinte euh, On m'a signalé que les maladreries étaient rarement euh, entourées par des enceintes, euh, que c'était plutôt en général des haies. Euh, Est-ce que la guerre de Cent Ans aurait pu passer par là Est-ce que l'on aurait essayé de faire une enceinte à, à la maladrerie est-ce que ça serait l'aumônerie, cette fois-ci, de sainte Eutrope, puisque l'aumônerie de Sainte-Trope existe, mais elle semble quand même située relativement loin là, de Sainte-Trope ben, Je termine en disant qu'en conclusion, faute de fouilles et d'une pièce d'archive inédite, l'emplacement de la maladrerie, je la renvoie à une prochaine, <laughs> à une prochaine réunion de, de nous, et ça variera peut-être encore une troisième fois, je ne sais pas. Bien, merci, Monsieur Michaud, d'avoir fait ces tentatives pour situer cette maladrerie qui nous échappe comme une savonnette. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui connaissent bien aussi la topographie de, de Sainte ou qui auraient d'autres idées par rapport à ces différentes hypothèses et analyses, Monsieur Michaud pas un... Ou sur les maladrerie peut-être en général Non c'est une question. Christian Gazbetel. Je, je, je renvoie un peu les débats à, à, à demain, puisque demain, euh, en conclusion de la journée, euh, Ézéchiel Jean-Couret et euh, Romain L'Andréa nous présenteront les premiers résultats de leurs travaux sur euh, l'étude à partir du, du parcellaire et à partir des plans anciens. Et je signale aussi, à toute fin utile, que euh, dans les prochaines semaines va être soutenu un mémoire de master en, en, en histoire, euh, en géographie historique, euh, sous la direction d'Ézéchiel Jean-Couré, euh, qui est consacré à la ville de Sainte et aux différentes représentations anciennes de la ville de Sainte. Et on peut augurer que ces études nous permettront d'y voir un peu plus clair sur euh, la manière dont la topographie a évolué, et euh, je ne doute pas qu'ils se seront intéressés à cette représentation très curieuse sur le plan euh, de, de Branus, euh, parce que, effectivement, je pense que ce plan, on le connaît suffisamment pour savoir qu'il n'y a pas forcément de, euh, de, de fantaisie dessus. C'est des plans qui ont été sans doute très sérieusement euh, construits, euh, même s'ils assemblent des représentations. Euh, conventionnel à des représentations euh, réalistes. Donc la, 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 la question, c'est justement euh, de savoir où est la limite entre, entre les deux. Et je crois qu'il y a un travail en cours actuellement aussi euh, mené par le, le service euh, culturel avec, euh, euh, je, avec Jean-Claude Golvin voilà, sur la, la restitution de, 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 la, de, de la ville euh, à l'époque. Voilà. Donc, je, 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 je pense qu'il faudra peut-être attendre demain pour, pour avoir d'autres éclairages sur cette question topographique. C'est pareil comme vous, c'est-à-dire à 16h. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Christian, tu je dis. Donc... S'il n'y a pas d'autres questions, et puisque il nous faut quand même terminer. Voilà. Voilà. S'il y a encore des questions, on, on se laisse le temps d'y répondre. S'il n'y en a plus, bah je, je, je voudrais simplement euh, bah d'abord vous remercier, remercier Christian d'avoir euh, euh, animé euh, cet après-midi. Euh, Aujourd'hui, voilà. Évidemment, <laughs> demain aussi tu seras à la tâche, mais te remercier d'abord pour faire euh, à la fois pour présider ces séances et pour faire le ménage en même temps, parce que euh, voilà, ça ce sont les circonstances qui, ne... <laughs> qui nous y, euh, qui nous y amènent. Euh, merci aux quelques personnes qui nous ont euh, accompagné cet après-midi. J'espère aussi à celles qui nous qui nous suivent sur le site internet de la ville. Donc euh, pour euh, pour la suite de ces deux journées. Demain matin, nous commencerons à 10h euh, ici. Euh, il y aura 4 interventions le matin et 5 et l'après-midi. Euh, demain sera consacré essentiellement à des questions d'ordre architectural et archéologique. Et euh, aujourd'hui, vous l'avez compris, on est resté sur le registre de l'histoire euh, essentiellement. Et, et je remercie en tout cas. Euh, Cécile, Raphaël et Alain Michaud, ainsi que Christian qui nous a un peu éclairé sur les, les enjeux de, de notre recherche. Je les remercie pour avoir présenté d'une manière claire des aspects historiques qui paraissent ou qui paraissaient bien connus au début de, notre, de nos travaux et dont on est en train de mesurer toute la complexité. Euh, donc, on est en train de réinterroger finalement euh, des récits qui ont construit euh, l'histoire de Sainte et qui euh, sont à reconsidérer sous un, un angle neuf. Et j'espère que on verra demain que euh, la même chose se produit euh, dans l'approche du monument et de, ses, et de son environnement. Donc, merci à, à tous. Merci aussi. Euh, au service culturel. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et donc, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h, ici même. On vous propose un quart d'heure de pause et à 17h, il y a une conférence qui nous fait remonter le temps et qui nous porte sur un autre plan de la ville. Il s'agit donc de la conférence sur les résultats des fouilles préventives menées à la Providence dans le cadre de l'extension de l'EHPAD de en 2014 et dont le rapport vient d'être... Euh, remis au SRA enfin, il y a un an déjà. Et donc nous vous proposons voilà, de, de découvrir ces, ces résultats. Vous avez peut-être suivi ces fouilles, il y a eu plusieurs fois des portes ouvertes. Donc voilà, c'est l'occasion de, de, de partager la synthèse. Donc un quart d'heure de pause et on se retrouve à 17h. Merci beaucoup. Nous prolongeons notre première journée des Journées européennes du patrimoine, 37e édition consacrée au thème de l'apprentissage et de la transmission des savoirs. Euh, merci infiniment à Jean-Philippe Bègle de passer de son chantier euh, archéologique qui a lieu 21 rue Ambroise-Dobono en ce moment et que vous pourrez découvrir en journée portes ouvertes demain après-midi et également dimanche après-midi. L'occasion de d'abord découvrir ou redécouvrir ces métiers liés à l'archéologie et puis également les découvertes euh, quasi instantanées. Hein. Le chantier est ouvert depuis un mois et se prolonge encore un mois. Euh, ici, donc, Jean-Philippe vient pour nous présenter les résultats de sa fouille, de la fouille qu'il a pilotée en 2014 pendant dix mois. Une fouille importante pour la ville de Saintes, euh, située sur le plateau. Et vous le savez, le site Saint-Louis euh, est un potentiel archéologique majeur pour nous, d'où l'importance de avec vous ces résultats. Fouille menée en 2014 pendant dix mois avec l'équipe de l'INRAP. À la ville de Sainte nous avons un partenariat fort avec l'INRAP qui joue le jeu régulièrement à la fois pour les journées nationales de l'archéologie et également pour les journées du patrimoine de partager ces résultats et de jouer le jeu de la médiation, y compris auprès des enfants. Un grand merci à l'INRAP. Et cela est possible aussi grâce à la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine et notamment à Gonaël Marché-le-Gendre, la responsable du service régional de l'archéologie qui nous accompagne dans tous nos projets de protection du champ archéologique mais également de médiation. Un grand merci à votre service. Je crois que Jean-Philippe, du coup, comme tu sors de ton chantier, tu attends aussi tes collègues. Je vais te laisser peut-être présenter un tout petit peu l'archéologie. Merci. Merci Muriel. Et oui, nous travaillons avec l'INRAP et la ville par le avec l'Atelier du Patrimoine, puis le service Ville d'Art et d'Histoire. Depuis très longtemps, on a fait énormément de, de, de présentations et d'animations autour de ce chantier en 2014, que ce soit lors des Journées Portes Ouvertes, euh, des, des missions aussi avec les scolaires qui avaient pu visiter le chantier, des, des, des interventions auprès des résidents de l'EHPAD. Et ça, c'était important aussi parce que euh, le chantier que je vais vous présenter, euh, on est venu parce qu'il y allait y avoir une construction. C'est l'extension de l'EHPAD et euh, on a eu à diverses occasions euh, euh, l'opportunité d'échanger avec les résidents, euh, soit lors de petites expositions, soit de goûter spécifiquement pour eux. Comme disait Muriel tout à l'heure, sur les journées du patrimoine, il y a le, le patrimoine bâti, qu'on voit, qu'on préserve et qu'il faut continuer de préserver. Euh, mais la meilleure préservation du patrimoine, c'est d'en parler, de le diffuser et euh, qu'il y ait un maximum de, de gens qui en, qui en prennent connaissance. Donc c'est le sens un peu de, de l'intervention d'aujourd'hui et de ce qu'on fait aussi autour, j'allais dire, des fouilles, autour des, des recherches que nous l'on fait, d'essayer de diffuser un maximum de ces résultats auprès de auprès de tous. Donc je vais commencer juste quelques mots pour remercier justement toute la directrice et le président de déplacements de, de la Providence où on a été quand même dans leur jardin pendant euh, près de dix mois. Et euh, voilà, ça n'a pas été facile pour eux. Il a fallu qu'ils attendent euh, que, que l'on fasse nos recherches. Ils l'ont fait volontiers. On a pu euh, échanger tout au long avec eux et avoir de, 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 de très bonnes relations. Euh, voilà, je, je vais commencer. Mes collègues <laughs> écouteront, euh, prendront la, la conférence en cours. Donc, je vais vous présenter euh, ce chantier qui, 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 qui a duré très longtemps, qui a. Où il y a eu énormément de découvertes variées dans le contenu, mais aussi dans l'échelon historique. Donc, ça va être une conférence assez longue. Je ne pourrai pas, comme je le fais à l'habitude, essayer de ponctuer mon discours par un cheminement que je partage avec vous. Je vais être obligé de vous présenter les résultats, parce qu'autrement, si je devais démontrer tout ce que je dis à chaque fois, ça serait complètement impossible et l'exercice est impossible. On peut le faire, peut-être, on le fera euh, volontiers plus tard hein, en faisant peut-être des conférences thématiques. Et là, on, on pourra un peu plus expliquer et partager le cheminement avec vous. Donc, je vais vous présenter voilà, assez simplement le, le plan de la conférence, euh, le contexte pour qu'on ait intervenu, comment s'est déroulée la fouille, les résultats, qui va être la grosse partie. Et suivant le temps que j'aurai, ben, je verrai, euh, suivant le temps qui me restera, euh, les apports pour la ville. Sur la conclusion, euh, je doserai euh, cette partie-là sur la fin. Donc, le contexte, euh, vous montre euh, cette ville qui est au cœur de la ville actuelle, voilà, sur, le, sur le plateau qui domine la ville basse, et qui finalement a toujours été au cœur de la ville, quelle que soit son époque. Ici, c'est le, le plan que tout le monde connaît de masse, avec les jardins euh, du couvent de la Providence, dans lesquels nous, nous sommes intervenus. Et également, sur les plans, le plan le plus ancien que l'on possède et qui présente la ville, sur le plan de Braun. Où est figuré le château, donc l'emplacement de la fouille, on verra qu'on a découvert une portion des fortifications du château. Enfin, euh, ce n'est pas un plan d'époque, mais c'est le plan qui représente la ville à l'époque gallo-romaine, euh, réalisé par Jean-Claude Golvin, où l'on voit qu'on est aussi donc, dans, dans la ville, dans la ville du Haut-Empire, parce que euh, voilà nos plans un peu plus modestes et moins en couleur, nos plans archéologiques. Euh, voilà la, la grande zone correspond à, à l'extension des vestiges de la ville les points qui sont les principales opérations et donc on voit qu'on est euh, au, au milieu de ça ce qu'il faut remarquer c'est que à l'intérieur du rempart du bas empire qui est figuré on a très très peu d'opérations qui ont été réalisées donc intramuros donc la fouille de la providence déjà par son emplacement est un lieu privilégié un lieu où on est très rarement intervenu et ce que je vous disais, l'instant T, l'aquarelle de Jean-Claude Golvin présentait l'agglomération antique en lançant après Jésus-Christ. Et si on le décline tout au long de l'évolution de la ville antique, on est au cœur de la ville dès les périodes les plus anciennes, sur le premier siècle avant Jésus-Christ, sur la fin de la protohistoire, jusque sur le Haut Moyen-Âge, sur les dernières diapositives. Donc euh, on va passer à la fouille. Quelques mots de comment s'est déroulée cette fouille et pourquoi nous sommes intervenus. Nous sommes intervenus, comme je disais dans l'introduction, euh, suite au projet d'agrandissement de l'EHPAD. Donc ça c'est le, 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 euh, le projet immobilier qui nous a été présenté. Et euh, suite à, à, à cet emplacement, le, le, le service régional de l'archéologie a décidé de faire réaliser les sondages avant la réalisation euh, de, du projet. Diagnostic archéologique qui a été réalisé en janvier 2012, donc vous voyez, et qui concerne pour euh, l'établissement de la Providence la partie jardin, qui n'était pas construite jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il faut bien le préciser. Et on voit tout de suite euh, les gens qui, les usagers, avaient l'habitude de dire c'est le jardin bas, et il y a le jardin haut, qui était euh, séparé par un, un mur de soutènement euh, que l'on voit sur le fond. Et nous, on est intervenu sur le jardin bas. Donc, le diagnostic a permis euh, de révéler des vestiges sans s'en douter, mais déjà de euh, d'avoir une idée sur la nature, euh, la nature des vestiges. Et donc, euh, on, on a pu mettre en évidence qu'on avait affaire à ce moment là, à ce stade là de l'intervention à une voie et qu'on avait le fossé euh, du château médiéval et au moins une tour. Voilà, on est parti sur, sur, sur cette, ces grandes idées-là. Et on avait suffisamment d'indices pour permettre euh, une prescription de fouilles qui a été faite par le service régional d'archéologie sur la totalité de l'emprise euh, de, des travaux. Parce que suivant les vestiges, bien évidemment, on ne peut intervenir que sur les endroits où, soit où les vestiges sont conservés ou soit sont les plus intéressants. Suivant la couverture des vestiges, là, euh, il fallait fouiller toute la surface concernée par les travaux. Donc nous revoilà en janvier 2014 sur le début de la fouille, le jardin bas et on remarque au pied euh, du mur d'enceinte ces talus de terre. On y reviendra après parce qu'ils auront l'importance. Ces talus de terre qui sont au même niveau que le jardin haut qui est à côté. Donc euh, je me permets cette, cette petite euh, diapositive bien pour remercier toute l'équipe parce que c'était un long chantier avec une grosse équipe. Un, un, un chantier très important qui avait mal commencé parce qu'on a commencé l'hiver et on a eu des, déjà des difficultés pour évacuer la terre, comme vous pouvez le voir sur les, la, la photo du haut. Mais euh, voilà, on, on y est arrivé au bout du compte, c'est ce que je vais vous, vous montrer. Et en août 2018, voilà, on a laissé le terrain euh, comme ceci. Donc vous voyez que sur les, 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 pourtours, euh, les pourtours du chantier, nous ne sommes pas intervenus, évidemment, par raison de sécurité pour nous et aussi de raison, j'allais dire, de pas pour ne pas faire effondrer le mur. Donc, ces, ces bermes euh, n'ont pas été fouillées. Et vous voyez tout de suite, pour vous donner une général, nous sommes descendus au maximum, le plus profondément, pour atteindre les niveaux les plus anciens et le, le substrat les couches naturelles, de manière à, à explorer toutes, euh, toutes les, les couches archéologiques et donc tout, toutes les, les traces laissées par l'homme à cet endroit-là. Donc maintenant, je vais vous montrer, euh, entre toutes ces photos, euh, les résultats. Un chantier qui est important d'un point de vue aussi euh, quantité de données, c'est un, une épaisseur stratigraphique importante, en apparent droit, on avait 4 mètres de stratigraphie entre les niveaux gaulois euh, et, et, le, et les niveaux modernes, le haut des niveaux médiévaux. 3000 unités stratigraphiques, couches, euh, gestes humains qui ont été enregistrés, 600 photographies, 6000 photographies, pardon, 200 caisses de mobilier, sans compter une vingtaine de palettes, de, de lapidaires, d'éléments architectoniques. Donc tout ça, bien évidemment, qui sont issus de cette fouille qui permet de dire aujourd'hui que c'est certainement la fouille. La plus importante en quantité de données enregistrées. C'est toujours difficile de dire qu'une fouille est plus importante par rapport aux résultats. À chaque terrain, chaque découverte a sa, à sa propre valeur. Mais en tout cas, en masse de données, et surtout maintenant, en, avec l'archéologie préventive faite avec des professionnels, des données qui sont exploitables. Donc voilà les, quelques mots sur l'enregistrement le, sur des. Euh, des données qui sont faites euh, essentiellement au théodolite et donc euh, voilà sur la droite euh, les relevés bruts faits euh, au théodolite et euh, tout ça il va falloir le traiter pour décortiquer euh, les, 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 toutes les couches comment euh, elles sont les relations qu'elles ont les unes avec les autres de manière à retrouver ce que je vais vous présenter euh, tout, tout le, le déroulé de l'histoire qui s'est passé sur ce terrain donc un enregistrement euh, voilà, d'unités stratigraphiques, de, de couches qui sont euh, euh, enregistrées sur des fiches manuelles qui sont saisies, euh, des relevés, euh, bien évidemment, euh, des coupes stratigraphiques, qu'on a beaucoup utilisé euh, les outils modernes, c'est-à-dire on prend en photo une coupe, elle va être redressée, mise à l'échelle, et on va pouvoir la redessiner sur le terrain avec un calque, puis euh, en finale... Euh, euh, à l'ordinateur, la redessiner pour qu'elle soit exploitable et présentée dans les rapports ou dans les conférences, comme on va le faire tout à l'heure, en sachant que nous, les couleurs correspondront, vont correspondre à des grandes périodes. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure, euh, surtout le long du, du, des coupes, euh, une couleur correspond à une grande période d'occupation euh, du site. Toutes ces unités stratigraphiques et couches. Euh, on va je vais dire, les trier pour comprendre ce qui s'est passé. On va faire une sorte d'arbre généalogique euh, de ces couches. Euh, voilà, comme un arbre généalogique, ben, la, 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 le numéro qui est en dessous est plus ancien que le numéro qui est au-dessus, etc. Et qui vont nous permettre, en horizontal, de découper les périodes et de pouvoir regrouper un certain nombre de couches qui vont être contemporaines de celles qui se succèdent. Et on a fait ça pour l'ensemble de toutes les couches que l'on a, euh, a traitées, ce qui permet aussi, par exemple, aux personnes qui étudient la céramique euh, de voir dans quel contexte précis elle se situe, quelles sont les, les, les couches qui peuvent être contemporaines, et, qui, et donc de pouvoir affiner, et bien évidemment, toutes ces données. Ça, c'est de la chronologie relative, et la datation des objets va pouvoir nous donner une date. D'une datation absolue avec les fourchettes évidemment qu'il faut prendre par prudence. Donc voilà ce que ça donne sur des coupes stratigraphiques en sachant que le, le orangé ça va être les niveaux gaulois, le bleu la période augusto-tibérienne, c'est-à-dire en, entre moins 30 et plus 30 à peu près. Euh, la partie jaune euh, va correspondre à la monumentalisation, donc vers 40 à euh, 200. Vers le niveau rose, vers un remaniement très important qu'on verra entre 200 et 300. Enfin, le marron euh, va être à partir de 300 qui correspond à la construction du rempart. Donc voilà euh, un, un, les principaux vestiges, tous collés, collés les uns euh, sur les autres. Et au bout du compte, euh, je vous dis, je ne vais pas vous faire tout le déroulé, mais je vais vous donner les grandes étapes que nous on a pu définir après tout ce travail. Et ensuite, je vais faire le, le, le déroulé, vous expliquer un petit peu de, de, quoi, de quoi il s'agit. Donc, les grandes périodes qui sont définies, c'est qu'en fait, le, le site, euh, la nature du terrain va changer. C on va avoir le statut, le type d'occupation qui est suffisamment euh, différent pour nommer une période. Par exemple, en haut à gauche, on va avoir les niveaux les plus anciens, qui sont les niveaux du 1er euh, siècle avant Jésus-Christ, de la fin de la protohistoire. Sur ce niveau gaulois, on va avoir de l'habitat et avec une rue. Ensuite, on va avoir la période euh, 2, entre moins 30 et plus 40, ce qui correspond à la, à la période auguste où là, on va avoir la trame urbaine de la ville, la ville romaine va être créée, avec l'implantation de la trame urbaine, avec une voie cardinale et une voie d'écumane, et on va avoir deux îlots bien différents, les petits carrés là, qui correspondent à une grande habitation, et sur la droite, un ensemble monumental euh, qu'on présentera. Ensuite, la période 3, avec 3A, 3B pour le, le, cette grosse remaniement, je le détaillerai tout à l'heure, où en fait, la, la, les choses vont être monumentalisées. Euh, la rue va être bordée de portiques, euh, toutes les, les constructions vont être en dur, on va avoir une monumentalisation après avoir détruit complètement les vestiges antérieurs. Ensuite, de nouveau, cet îlot va être complètement détruit lors de la construction. La construction du rempart du Bas Empire, c'est la période 4 qui correspond à, à la construction du rempart du Bas Empire. Même si on n'a pas le rempart, on a l'intérieur et on verra qu'on a des, des éléments tout à fait euh, euh, nouveaux pour comprendre euh, le, la fortification, même si on l'a pas vu, qu'on était à l'intérieur. Enfin, <coughs> enfin, la période 5, on va avoir de nouveau une occupation avec des rejets domestiques. Euh, plus d'une centaine de fosses qui vont être creusées et qui vont contenir des rejets domestiques euh, d'une occupation. Vous voyez qu'on met 5A et 5B. Le 5B correspondra à, à la construction d'un îlot au sud, d'un îlot construit d'habitat de, de, et qui borde le fossé et on a la construction du château fort. Ensuite, la période 6 correspond à, à la destruction du, du château et l'implantation euh, du couvent. En 1629 donc je vous donne ça parce qu'on pourra ça c'est bien d'avoir aussi en, en ordre d'idée hein, déjà ce, ce, ce rythme de ces grandes périodes et donc je vais vous présenter euh, la tout ce voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur ce qu'on a ce qu'on a vu sur le site en sachant que euh, cette conférence tient lieu de après qu'on ait traité et consigné toutes ces données que ce soit les inventaires L'analyse, la description, leur compréhension dans, dans un rapport de fouille, euh, voilà, qui fait 1500 pages parce qu'il est forcément à la hauteur euh, des vestiges qu'on a trouvés. On a trouvé beaucoup de choses, donc il a fallu consigné, comprendre beaucoup de choses également. Donc la période 1, euh, on va commencer par la plus ancienne et on va suivre, euh, voilà, je re, re, revenir jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, il y a une période 1A qui correspond, euh, bien évidemment, euh, y a pas. c'est toujours difficile de voir les origines d'une ville, euh, de l'occupation et de définir quand est-ce que c'est une ville et quand est-ce que c'est simplement des occupations sporadiques, etc. Euh, on va considérer que la ville euh, actuellement, son origine, on va dire, on est vers 100 avant Jésus-Christ, à la fin de l'époque gauloise, et ce qui se passe avant n'est pas encore on n'a pas assez d'éléments pour dire que c'est une ville donc on va voir ça mais on a des vestiges on a des vestiges qui datent de l'âge du bronze et du premier âge du fer qui sont tout à la base de, de, de vous voyez, de, du paléosol de, de, de ces niveaux géologiques qui, qui sont de, de, de jaune-orangé en bas et qui sont de plus en plus foncés en haut qui sont le terrain naturel qui va être bioturbé par le, le passage et les vers de terre l'humus et dans ces niveaux-là, on va trouver quelques tessons, quelques artefacts avec ces, ces niveaux anciens de la protohistoire. Donc voilà, je vais juste dire pour que ça existe, pour qu'on ne me dise pas que j'ai oublié. Mais la vraie première période, c'est la 1B, où on va avoir des constructions, on va avoir des traces d'habitat. Euh, ça arrive vers entre moins 100 et moins 30. Donc nous sommes sous la voirie, sous la voie des Kouman, au niveau des géologiques. Et on voit apparaître un certain nombre de structures euh, creusées dans le substrat. Et en nettoyant, voilà, donc on a des trous de poteaux, donc c'est les des, des fantômes de, de, de poteaux qui servaient à des constrictions en bois avec des grandes sablières. On voit ces grandes traînées remplies de terre. Et donc, euh, c'est assez difficile de, voilà, de, de, de savoir, euh, de déterminer quels sont les vestiges qui sont contemporains les uns des autres. Donc, ça, c'est par l'analyse du mobilier, la profondeur des trous de poteaux, leur type de comblement, qui nous permettent de, de, de trier euh, ces structures. Vous voyez, en bas, il y a un trou de poteau qui, avec un, qui fait un mètre de diamètre sur l'avant-trou, avec le fantôme du poteau qui est resté, parce que peut-être que le poteau est essié, que le, le, le poteau est, euh, c est, c est, est pourri sur place, ou d'autres trous de poteau qui est calé avec un fragment d'enfort, mais qui est beaucoup plus petit. Donc, en, en étudiant tout ça, nous avons pu. Euh, définir qu'en fait on avait trois maisons superposées au même endroit pour cette période. La première qui est, euh, est typique enfin, de, 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 de construction gauloise qu'on a dans, 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 tout le, dans toute la région, qui est euh, des, des poteaux très profondément ancrés, c'est celui que je vous ai montré tout sur la, la diapositive d'avant, qui soutient hein, la fêtière, c'est celui qui est à gauche puis on va avoir une reconstruction avec des parois porteuses c'est le, le bâtiment 2 qui est un peu plus grand, les bâtiments sont à la même échelle et enfin on va avoir une, une troisième construction avec euh, des, des, toujours sur de la construction mais une ossature bois sur des sablières, c'est le bâtiment 3 et à chaque fois on voit que le, bon, le bâtiment s'agrandit et euh, ce qui est intéressant de voir pour cette, pour cette période c'est que euh, on savait de, de par la céramique et quelques fosses qu'on avait une occupation gauloise mais là on voit très bien que les bâtiments sont sur le même axe et qu'on a une continuité de l'habitat au même endroit donc ça veut dire que voilà la, la ville elle est, elle est là on est dans un secteur d'habitat et une pérennisation du lieu d'habitat euh, donc ça c'était un élément complètement nouveau parce que c'est les maisons les plus anciennes que l'on connaisse à Sainte pour l'instant et il y en a d'autres parce qu'elles ne sont pas toutes seules si c'est une ville mais en, en ça c'était un, un apport important euh, pour, pour la ville dans un autre secteur euh, sur le limon on voit des petites traces de cailloutis qui forment des grandes sablières je vais passer assez vite parce que c'est pas très lisible euh, à côté de la mire et qui se termine par un très gros trou de poteau. Sur la gauche, euh, il faut faire abstraction euh, d'un mur augustéen où il y a la mire, mais ce qu'il faut regarder, c'est la petite tranchée remplie de cailloux qui est sur la droite. On est également sur des structures contemporaines de la fin de la protohistoire, avec euh, un autre type de construction. On a des sablières qui sont renforcées par des poteaux. Qui sont mis en quinconce de chaque côté. Et on aurait deux bâtiments, un en haut, un en bas, euh, qui sont mis euh, l'un à côté de l'autre. Et ce qu'on voit sur la vignette qui est, qui est en haut, euh, 45-62, ici, euh, qui va être euh, une voie. Alors, on, on voit très bien ici que l'ensemble des bâtiments, les deux zones, l'ensemble 1 et l'ensemble 2, suivent un même axe. Et qu'on a cette voie aussi qui soit le même axe. Ça sera l'axe qui va être utilisé aussi pour la cadastration postérieure gallo-romaine. Donc, on est déjà sur une, apparemment une structuration de, de l'habitat. Donc, voilà, on est sur la photo de gauche. Vous voyez, c est, c est, la voie elle est constituée d'apports de, 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 de silex sur le limon. Parce que, bien évidemment, sur la photo en bas à droite, on voit très bien que sur le limon, il aurait été difficile de circuler. Et on voit que c'est une voie qui a perduré. Il y a deux niveaux de silex superposés. Avec une couche d'occupation par le dessus. Là encore, c'est la voie la plus ancienne que l'on connaisse à Sainte pour l'instant. Donc voilà ce que ce que ça donne d'un point de vue euh, général. On, on, on a pu. C'est la première fois. Hein, C'était un des objectifs qui nous était demandé c'était de, de, de pouvoir ouvrir des surfaces assez grandes. Ce sont, euh, quand on est, un, des zones ont descendu, dans un petit sondage, on, si on trouve un trou de poteau, on va avoir du mal à, à, à pouvoir reconnaître une maison, savoir ce que c'était. Euh, déjà, il faut avoir le hasard de, de, de tomber dessus, par, par exemple. Et là, on a, on a vraiment fait des grandes zones. On a fait à peu près, euh, presque la moitié de l'opération, on a pu descendre jusqu'au géologique pour euh, observer ces niveaux les plus anciens. Et donc voilà, on, on, voilà ce que ça donne. Vous voyez, sur, il y a d'autres sondages là, 3802, 4000, 4091, on a quelques trous de poteaux. Il y a sûrement une, une construction ici, mais euh, voilà, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir euh, pour pouvoir retrouver des plans. On voit aussi que toute la surface n'est pas euh, n'est pas utilisée, n'est pas trouée euh, de fosses ou de trous de poteaux. Et ça correspond euh, à ce qu'on a euh, l'habitat qu'on a là sur. Euh, sur les opidums gaulois avec euh, des parcelles, euh, avec des jardins et ce n'est pas forcément d'une euh, euh, grande densité et euh, on, a, on a exactement ce schéma-là. Donc ça, ça a été une, une découverte euh, importante et on pense avoir répondu euh, aux objectifs qui nous étaient fixés de pouvoir en plus avoir fait des découvertes intéressantes. Ça, c'était pour vous présenter le mobilier, que, voilà, de manière très rapide, pour vous montrer que c'est le mobilier associé à ces structures et qu'on est bien dans cette période du premier, du premier siècle avant Jésus-Christ. La période 2, hein, donc on va s'arrêter là pour la période gauloise, on va avoir sur euh, ces maisons gauloises, on ne va pas retrouver les niveaux de circulation, les niveaux de sol. Vont être complètement enlevés au début, au début de l'époque romaine, à l'époque augustéenne, pour asseoir une voirie. Ce sont les éléments euh, typiques d'une circulation extérieure avec des, des niveaux verdâtres, un caillou très serré, et qui, qui va euh, prendre place à la place des habitations. Donc on voit très bien qu'ici, on va avoir un changement de l'organisation urbaine. Si on installe une voirie à la place de l'habitat, là on a un changement important. Donc les premières occupations augustéennes, elles sont très frustes. c'est surtout des fosses, des fosses qui, euh, des, des, qui, qui contenaient sûrement des matériaux périssables, euh, puisqu'on voit les fosses ont été comblées, mais que le, le, le comblement primitif, là 39-56 par exemple, c'est assez énormément. Donc c'est sûrement des éléments détritiques, peut-être liés justement à, à la destruction euh, des vestiges ou des maisons gauloises qu'il y avait auparavant. On voit euh, voilà, tous ces éléments, énormément de charbon, euh, d'éléments d'orchis, de, 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 de cloisons. Ça ressemble à, à la démolition d'habitat, avec des zones, peut-être des incendies, euh, des zones de concentration de charbon euh, qui sont notées ici, où on pense qu'il peut y avoir deux unités d'habitation qui, euh, qui ont pu être détruites. Il faut attendre la période 2B, c'est autour de l'air, vers moins 10 plus 10 pour voir la, la, la mise en place de l'îlot, la construction de l'îlot, et euh, les, les, les premières maisons, habitations qui sont, qui sont implantées, qui sont faites de sol en calcaire, hein, blanc, damé, euh, relativement bien conservé, avec des cloisons. Voilà, il y en a une là, euh, il y en a une par ici, par ici... Voilà ce que ça donne en plan, ça sera un peu plus lisible. Donc, on a euh, une première pièce, des petites pièces qui font 4 mètres sur 5, qui sont, font 20-25 mètres carrés, avec un foyer central. Le foyer, il est, il est généralement matérialisé par un, un niveau d'amphore qui est piégé dans le sol, qui est sous la surface du sol, et un certain nombre de pièces à, en, avec un sol de terre battue plus simple. Et euh, on a pour ces périodes-là, dans ces secteurs, euh, de, de, des forges de la du travail du métal euh, à cet endroit là le, 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 à la période suivante euh, dans la foulée euh, cette euh, construction va se développer donc on a toujours euh, la pièce centrale euh, les, les, les pièces annexes liées au travail euh, euh, des métaux de, de la métal du fer et par ici euh, la construction de grandes pièces jusque là, jusqu'à la limite où on va avoir une terrasse on va appeler haute et une terrasse basse où on va avoir dans l'îlot euh, construit vraiment deux identités, peut-être deux propriétaires enfin deux, deux types d'occupation différentes un, un grand habitat ici à vocation le long de la rue, hein, parce que j'ai oublié de vous parler mais euh, la rue Perdure, dont dis, là où a, qui a été construite sur le, les anciens vestiges proto-historiques. Et ici, on a aussi le trottoir de la rue Cardinal, qu'on n'a pas pu fouiller avec à cette période, mais que, qui existe après. Donc voilà un, un détail de, de ces constructions et de ces cloisons. Voilà les, les traces des cloisons ici, calées par des pierres, etc., et qui, qui dessinent. Euh, le, le, le plan en fait de toutes ces de toutes ces pièces donc voilà pour euh, faire un, une, une de, à l'époque augusto tibérienne de l'habitat ça démarre par une, une petite unité là qui se développe là et vers 30 40 euh, voilà devient plus petit mais c'est très certainement lié euh, à la préparation de, de, de la période suivante et ici, pour vous donner une idée de, du tir d'architecture en élévation, on trouve des gros pins d'argile, ce qui montre que c'était des structures mixtes d'architecture de bois et de terre pour l'élévation de, de ces constructions. Donc, vous voyez ici, on est sur la terrasse haute, qu'on appelle, à l'angle du cardo et d'un décumanus. Et on a sur la terrasse basse quelque chose de complètement différent, Ici, donc on va le voir en détail, je pense, après. Voilà. On a un, quelque chose de très surprenant pour l'époque augustéenne. On est vers zéro. On a un grand mur ici, celui-ci, dont on, on a. Euh, il, il démarre à la limite entre la terrasse haute et la terrasse basse du côté ouest et du côté ouest, du côté est, pardon. Il, il, se, il se poursuit hors emprise. On a un mur de plus de 20 mètres de long qui est maçonné et euh, dire, on ne connaît pas euh, pour l'instant de, de, de structure de ce type pour l'époque augustéenne. Euh, les structures contemporaines, c'est ce qu'on a vu à côté, ce sont des maisons avec des, en, en terre et bois sur sablière. On sait qu'on a des monuments euh, publics avec les collections qu'il y a dans, euh, dans, le, dans la ville, au musée de la ville, euh, bien évidemment, des temples, des monuments publics, euh, des mausolées qui sont en pierre mais pas, pas l'habitat. On n'a jamais trouvé d'habitat. Donc on va se poser la question de ce que c'est que ce mur. Il a, le voilà dessiné. Euh, au sud, euh, ce sont des niveaux extérieurs, des cailloutis. Et ici, on a des niveaux de sol euh, blancs, pareil, et ça ressemble, disons, à une galerie, en sachant... Euh, je voulais vous le montrer tout à l'heure mais que la surface euh, du mur est lissée avec un béton de tuileau et qui est typique du scellement de blocs en grand appareil on le verra sur la période suivante euh, c'est comme ça qu'il est scellé on met une couche de, de béton de tuileau et on va sceller euh, ces blocs de grand appareil donc on pense qu'ici c'est un mur style bat qui contenait mais qui, 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 qui s'y euh, très certainement euh, une galerie donc je ne vais pas aller plus loin parce qu'on n'a pas encore trop d'éléments de réflexion euh, là-dessus, mais on va voir avec l'évolution de l'île ou la période précédente, ça pourra peut-être nous donner des idées à la fin pour savoir un petit peu de, de quoi il s'agit. Donc la période 3A va correspondre à la monumentalisation, ce que je vous disais en, en, en introduction, à la monumentalisation des vestiges. On va garder le même. Euh, la, la même trame, la rue restera la rue, l'îlot restera au même endroit, mais les choses vont être construites. Ici, est, on, on est à l'emplacement de la voirie, à l'emplacement des, des, des maisons gauloises, tout ça correspond à tout, toute une succession de couches, donc la voirie existe à l'époque augusto-tibérienne, mais euh, vers 40, on décide de monumentaliser, de, 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 de faire une architecture beaucoup plus importante, on va vraiment construire la voie. On va rapporter un radier qui fait 40 cm d'épaisseur, constitué d'énormes blocs calcaires pour le soubassement de la voie. Par-dessus, on va rajouter une couche d'une vingtaine de centimètres de rognons de silex pour faire la préparation. Et ensuite, on va mettre des petits lits de cailloux qui vont servir à la bande de roulement, à la surface d'utilisation de la voie. Et après, petit à petit, il peut y avoir des rechappages, des réfections de la voie. Donc voilà ce que ça donne, hein, une, autre, une autre photo euh, de, de cet apport très important euh, de, de soubassement calcaire pour la voie. Et dans la coupe, voilà, ça en bleu, ce sont tous les niveaux de voirie augusto-tibérienne. Et ici, d'un coup, on va surhausser. Et toute cette partie en jaune correspond à l'utilisation de la voie qui va être coupée, on le verra tout à l'heure, par un grand fossé. Voilà, on pourra juste retenir ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc au niveau de l'îlot, sur la monumentalisation de l'îlot, on va voir que la voirie est, est construite et l'îlot euh, aussi. Et on, on a eu la chance de, de voir l'idée de bien observer euh, l'intérieur des murs. Là, en fait, on est en fondation. On voit très bien que c'est un peu comme si on avait démoulé, le, on a fait une tranchée, on a coulé du mortier et euh, mis un blocage de pierre sur les niveaux antérieurs au mur. Et en fouillant ces niveaux antérieurs, bien évidemment, on, a, on, on retrouve le, le positif. Et on a trouvé de, la trace de piquets ici, qui sont noyés dans, dans la maçonnerie. On en a vu à pas mal d'endroits, vous voyez ici, ici, qui correspondent à ce qu'on pense à des piquets d'arpentage, c'est-à-dire au moment de construire le mur, on va mettre des piquets pour évidemment faire les axes droits, délimiter les, les parcelles. Et euh, au niveau du plan, vous voyez, ils, ils, ils sont toujours à l'intérieur des îlots, ils ne sont pas du côté je vais dire, du domaine public, ils sont sur l'intérieur, mais aussi euh, sur euh, la, la mitoyenneté des îlots. Donc en fait, on a un îlot, deux îlots et trois îlots. Donc on va construire simplement les fondations et les assises de réglage dans un premier temps. Et ensuite, on va... Aménager l'îlot. Et ce qui peut paraître curieux, c'est que déjà, on voit ici que euh, quand ils ont construit les îlots, ils ont mis un mur et ils ont euh, décaissé ce mur pour pouvoir installer l'abside, comme s'il y avait eu une espèce de lotissement avec euh, la mise en place euh, d'îlots euh, qui sont exactement, du fond, une quinzaine de mètres, qui font exactement la même grandeur, et qu'ensuite, on va construire le, les choses. Donc, voilà, on a un espace réservé qui correspond à un trottoir, la rue, l'angle de rue qui, 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 enfin, qui est reconstruite mais qui est au même endroit que, la, que, que ce qui se passait sur la période augusto-tibérienne, deux grands espaces rectangulaires qui s'ouvrent sur le trottoir euh, de la voie cardinale en sachant qu'on a pu observer que tous ces murs étaient aveugles, avec euh, un seuil ici qui permet d'accéder à la cour qui ici et ici. Donc pour accéder à cet ensemble monumental, ça se fait ici. Et c'est la cour qui dessert l'ensemble de ces pièces. Ces pièces s'ouvrent sur le cardo. Donc là, pour vous montrer aussi sur, la, sur un petit peu le, la mise en place de ces, de ces, de, de, de ces maçonneries, ça c'est le mur mitoyen entre le, le, les deux principaux îlots, on, on va faire la fondation puis un certain nombre d'assises de réglage qui sont montées, puis on va remblayer pour retrouver l'horizontalité, on va faire comme des caissons, et tout ce remblay est constitué de la démolition des maisons en structure bois et terre de la période augusto-tibérienne, on voit des, des gros morceaux de cloison, euh, des, des niveaux très charbonneux, en sachant qu'ici, en bas, le niveau de sol de la période 3 est là, et le, niveau, le dernier sol de la période 2 est ici, et qu'on a plus d'un mètre de remblai, mais qui a été fait euh, voilà, d'une manière très, très rapide et en un seul jet. Donc, cet îlot qui, 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 voilà, qui est complètement reconstruit. Alors, on va, avoir, euh, on va rentrer un peu dans le détail de savoir euh, voilà ce qui s'est passé. Donc, on retrouve la distribution ici, sur la, la partie basse. La cour va être dotée d'une sorte de puits perdu qui va drainer la cour avec des petites rigoles, des petits caniveaux. On a quelques éléments liés on a un bac à chaud qui montre voilà, qu'ils ont fait la chaux sur place, mais ça c'est connu ailleurs pour la construction. On ne va pas avoir énormément d'éléments sur cette partie-là parce qu'elle a été beaucoup remaniée par la suite, donc c'est pas ce qui se passe. On sait que l'abside existe. Déjà, le mur est chaîné avec le reste, il n'y a pas de souci, mais on ne sait pas comment elle était décorée à l'intérieur parce que ça a été refait aussi à, à la période précédente. Ici, euh, on a donc le, le boutique atelier qui s'ouvre, comme je vous disais, sur le trottoir du Cardo, et le trottoir qui va être doté de, de plots qui vont soutenir des colonnes pour l'installation des portiques mais qui ne vont être installés que dans les années 70 après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, on va construire l'îlot, mais les portiques ne vont pas être construits tout de suite. Dans les années 40 après Jésus-Christ, l'îlot est construit, mais on va construire les portiques qu'à qu partir des années 70. La même chose pour le portique de la voie cardinale, qui est fait différemment parce qu'on va avoir un mur stylobate continu, voilà, des, des, des grandes dalles qui vont être installées avec les colonnes par-dessus. Un élément intéressant, euh, on, on, il est, on a vu qu'il n'était pas possible, il n'y avait pas de couverture de visible, mais il n'est pas possible de passer du trottoir à la rue. Euh, les maçonneries, ça fait 1,80 m de large, il faut faire un grand bond, il faut sauter, mais on ne peut pas euh, facilement passer de la rue à, euh, au portique. Par contre, on a vu ici qu'on doit avoir une entrée monumentale. Euh, à ce portique, les dalles, le stylobate s'arrête ici. Il y a des gros remaniements ici, et on a trouvé deux gros plots maçonnés des, avec des traces de colonnes dessus. Donc, on pense qu'on a un aménagement ici d'accès, en fait, quand on est à ce portique-là, pour traverser la rue et récupérer euh, le portique pour euh, poursuivre de l'autre côté. En sachant que je vous l'ai pas dit, je dis c'est le cardo, mais ça correspond au cardo maximus de la ville. C'est la voie cardinale qui va passer au terme. Donc c'est la voie principale nord-sud de la ville. Donc c'est peut-être un peu logique qu'on ait privilégié cet axe de circulation, en sachant que ça, c'est ce un axe secondaire par rapport au cardo. On voit ici que le, 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 les, donc, euh, le portique et le, le mur du portique sert également d'un des murs de l'égout. Il, il est secondé par un deuxième mur parallèle et on a des égouts qui sont mis le long de la voie, en sachant d'après les pentes qu'on a l'égout de, de, de la voie cardinale qui, qui, qui va, de la pente va du nord au sud, donc vers le logiquement, hein, ça suit la pente naturelle, vers le, euh, le vallon de l'amphithéâtre et dans l'autre sens, le décumanus qui descend évidemment euh, du plateau vers, vers, la ville, vers la ville basse. On remarque aussi que l'égout de la voie décumane possède deux avaloirs Hein, donc, deux ouvertures qui permettent de, ré, de récolter certainement des, des canalisations. On va proposer une canalisation de plomb, on, on, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, voilà le, le, le détail de, 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 de ces égouts qui sont bien faits, avec des, euh, construits avec des murs. Le mur stulobat à droite, ici où les dalles ont été récupérées, mais on voit parfaitement l'empreinte lissée de la pose des dalles. Et euh, le fond du caniveau qui est maçonné également avec des grandes dalles de calcaire euh, jointées euh, au mortier. Ici, on voit l'un des avaloirs. Ici, mais qui continue pas parce que je pense qu'il y avait une conduite en plomb qui se jetait là. On a juste maçonné euh, l'arrivée de cette conduite. Voilà, non, là, là, au départ, enfin, à un moment donné, elle a été bouchée euh, pour, dans l'histoire du, du site. Le deuxième avaloir, hein, donc, euh, à l'angle euh, de l'égout du, du Cardo et du Dicumanus, on voit pas très bien, mais ici on voit qu'à l'intérieur s'infléchit, on voit bien que le mur est s'infléchit et donc on, on, le, le mur n'est pas fermé, et donc là on a la réception d'un autre avaloir, on, on, on a l'angle ici. Je vous fais voir ici l'un des blocs de l'entrée monumentale, en sachant que les dalles s'arrêtent ici. C'est un bloc qui a été par la suite euh, lég... juste légèrement décalé, on le verra sur la... à la période suivante. Donc ici, pour vous montrer le, le mur stylobate, donc, il reste ici, mais qui... toutes les dalles ont été récupérées. On a pu dater leur récupération, parce qu'on a trouvé euh, la tranchée de récupération avec du mobilier 13-14e, donc euh, au, 13... au 13e-14e, ils ont dû faire une tranchée, euh, s'apercevoir qu'il y avait ces dalles, et ils ont suivi la tranchée, ils ont récupéré... Euh, Presque toutes les dalles, ils en ont laissé deux, euh, deux, juste tout au bout. Donc vous voyez ici toute la stratigraphie de, de toute l'histoire du trottoir. Et là on est sur la, le, le premier, le niveau le plus ancien, le premier sol du portique de la voie d'écumane. Et ici l'égout qu'on voit en cou coupe et qu'on avait ici euh, démonté en partie. Donc là, c'est le détail euh, de, de, de l'égout euh, du, du cardo qui euh, fait à peu près la même dimension, qui est fait de la même manière, sauf qu'ici, ce n'est pas un mur stylobate continu, ce sont des dés en calcaire qui euh, rythment le, le portique avec, euh, vous voyez ici, une colonne qui est encore conservée sur le dé. Donc voilà ce que ça donne, les, les dés. Donc la colonne conservée qui sont des dessous, le dé, le... L'égout ici. Et ici, l'ouverture des boutiques. Ça, les, les, faut pas, à, à cette époque-là, ces dés-là n'existent pas. Ils, sont, ils vont être ajoutés après. Donc voilà, juste pour vous montrer une photo, euh, l'interprétation de cette entrée monumentale qui n'a pas été facile. C'était un endroit en fin de fouille. Donc on voit ici la base d'un socle qui est en place. Et celui-ci qui est. Euh, qui est décalé, qui va être décalé euh, à la période suivante. Donc juste quelques petits clichés, quelques mots euh, rapides sur euh, les boutiques, les grandes boutiques, ce qui s'y passe. Euh, celle qui est à l'angle des deux rues, euh, on n'a pas pu déterminer avec précision euh, l'activité qui y avait lieu, mais euh, on voit le sol qui était très dégradé. Et en comparaison, dans ce qu'on a trouvé à droite. Sur la boutique de droite, on a les sols qui ressemblent. Et là, par contre, on avait des vestiges très bien conservés liés euh, au travail des métaux, euh, cuivre et fer. Donc voilà euh, les quelques éléments. Ça, c'est simplement la partie, une fenêtre qui a été fouillée. Et on voit tout, tous les éléments liés euh, à la présence de creusets, de bâtitures de fer qui montre une activité de forge et euh, aussi de, du, du travail de cuivre avec les creusets et donc de fonderie. Je ferai une petite note à la fin parce que euh, cette activité va être pérennisée tout le temps, donc euh, je ferai une petite note pour ne pas dire la même chose à chaque fois, mais euh, cette boutique a, a livré des, pas mal de choses intéressantes. On, on revient sur la, sur la terrasse basse. Avec un petit détail, je vous montrais du, du bac à chaux qui a été fait en, en, en bois et qui, qui, qui était là pour, euh, disons, euh, euh, quand, passer de la chauvise à, à, à de la chaux exploitable pour la maçonnerie. Et ça se fait dans des bacs à chaux, donc on, on, a, on avait le négatif de, de toutes ces planches. Euh, le détail du petit puisard qui est fait avec des, des tégulas euh, retournés et euh, des, des pierres. Qui sont terminés par un, un lit de tuiles. Donc, ça, c'était pour le, le, le drainage de cet espace-là, qui est une, une cour empirée. Voilà à, à quoi pouvait ressembler. Donc, vous voyez, dans cette cour, c'est essentiellement des, des cailloutis, euh, des, des, voilà, des, des choses empirées, propres. Une cour veut, voilà, avec ce, le puits, le petit puits perdu, qui, on, on veut drainer l'espace. On, voilà. On, c'est très certainement un espace de passage, de distribution des pièces qu'on a et peut-être des pièces à l'arrière. le drainage il va, euh, il va évoluer puisqu'on va euh, installer ici un, un caniveau en tuile qui va récupérer très certainement euh, euh, les eaux de, 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 de cette petite pièce puisqu'on a le, le bandage par là, par là, ça va tourner à l'équerre et ça va jeter ici dans le puisard. également ici, le long de la, 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 la pièce, l'autre pièce, on va installer un caniveau. Donc voilà le, le détail de la circulation de l'eau, comme ça, comme ça, ici. Et euh, le, une conduite qui doit traverser. Ça a été détruite, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis en pointillé. Mais on a trouvé ici de, énormément de remaniements à cet endroit-là, sur le, le stylobate. Euh, qui nous fait penser d'ailleurs que tous ces remaniements sont peut-être liés au seuil et à l'entrée, qui est peut-être un aménagement pour franchir euh, le caniveau, pour avoir un, un accès directement de la rue à, à, à cet ensemble monumental, puisque vous voyez ici, euh, ce sont les réflexions, elles, elles ne sont pas présentes qu'ici. Donc voilà, pour l'évacuation de l'eau, en fait, euh, elle se fait par ici en partie et une partie est toujours traitée et conservée dans la cour par le drainage. Pour vous montrer donc le seuil donc on, on, qui, qui sera bouché par la suite, on voit très bien le, le lit de pose du seuil ici et surtout le pied droit qui est aménagé dans le mur, qui nous permet de, ici de restituer le, euh, le seuil pour cette période. Donc, on arrive à la fin de la période, de la péri la période A, enfin de la phase A de la période 3. Donc, euh, voilà, on, 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 a, on, a, on, on a cette physionomie du, du quartier qui va être complètement remodelée vers 200. Vers 200, euh, donc, on a beaucoup de villes qui, qui, qui subissent, dans le cours du deuxième siècle, des remaniements, un embellissement. Euh, on sait ce qui se passe sur les extérieurs de la ville, puisque vers 150, toute une partie des quartiers nord vont être désaffectés. Et donc, il est intéressant de, se, de voir ce qui se passe en plein cœur de la ville, euh, où on voit que sur les parties productives de la ville, sur, ces, les, sur les quartiers périphériques, on abandonne des secteurs. Donc, là, il est intéressant de se voir ce qui se passe au cœur de la ville. Eh bien, en fait, on va remodeler tout le quartier. Avec des choses assez euh, surprenantes, euh, la rue ici va être euh, réduite par l'installation d'un bâtiment, peut-être une boutique supplémentaire. Vous voyez, il est, cette cet agrafe semble continuer les boutiques qui sont là. Donc l'entrée monumentale ici va être euh, changée. On va l'un des piliers, on va le décaler et va servir de chasse rouge Je vous montrerai tout à l'heure. La, je pense que c'est à ce moment-là que le, on l'a vu dans la coupe tout à l'heure, la conduite de plomb de la Valoire va être récupérée. On n'en aura plus besoin de l'évacuation ici parce que l'égout est bouché et l'égout du Cardo est également bouché. Les, les boutiques vont être complètement ouvertes. On va installer les piliers, c'était sur la photo tout à l'heure ici. On va avoir euh, des, 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 des boutiques, enfin, les ateliers complètement ouverts sur le trottoir. Et on va avoir sur la partie basse tout ce qui est donc enfoncé, en, en qui va être la reprise des maçonneries où toute ce, cette partie-là va être complètement reconstruite et l'intérieur de l'abside refaite. Donc je vais vous montrer un petit peu de, de quoi il s'agit. Le, 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 le fossé, hein, le gros creusement de récupération. De cette vraisemblable conduite de plomb qui, qui débouchait jusqu'à ce qu'elle a voulu. On va construire par-dessus le mur de la graffe, une hein, espèce de, de, de boutique supplémentaire qui va gagner sur la rue. Et on va remblayer la rue pour pouvoir circuler à ce niveau-là, alors que sur la face jaune, on circulait à ce niveau-là. Quelques mètres un peu plus loin, je vous parle de Chassoure, on a retrouvé une pierre complètement usée sur les bords et sur le dessus. C'est une colonne réutilisée mais complètement usée, et qui permet de dire qu'elle devait être à l'emplacement sur cet emplacement et qui empêchait. Vous avez vu comme on va rajouter cette agrafe, à cette boutique, et eh euh, que les gens prennent leur virage un peu plus loin. Euh, on, je pense que j'ai une photo. Voilà, on, ici, on, on va décaler là et ce qui permet de d'adoucir un petit peu ces, cet angle là. Donc voilà euh, une, une vue du, du, du trottoir euh, du Cardo avec euh, la mise en place des piliers ici. Il y en avait un qui a été récupéré à l'époque médiévale ici. Et euh, ici, hein, on, on va remplacer euh, euh, là où il y avait l'entrée monumentale là. Bon, on va rajouter un dé en calcaire et un pilier pour terminer euh, très certainement la, la, la colonnade. Qui, qui devait s'agencer avec cette entrée monumentale. Donc euh, voilà, est, toute, la part, toute cette partie-là euh, est, est remaniée. Et j'allais dire, n'est pas très embellie. Ce n'est pas d'une très grande qualité de taille. Les chanfreins sont pas réguliers. On peut pas dire que les travaux du deuxième siècle, en plein cœur de la ville, avec la, on va gagner sur la voirie, on va boucher les égouts. Il n'y a plus d'égouts. Euh, on va bricoler les choses. On va dire que c'est d'une très très grande de grande qualité. Donc voilà par contre le, euh, la mise en place de ces piliers qui doivent supporter des, des piliers plus que des colonnes parce qu'on voyait avec l'usure on, on, on voit plutôt euh, des choses carrées qui vont euh, permettre peut-être euh, parce qu'on a trouvé des briques claveaux peut-être d'avoir de, des voûtes. Euh, pas dans le sens du portique, mais dans, dans le sens des boutiques, de, de, per, de permettre à ouvrir, à ouvrir complètement ces boutiques. Euh, J'ai été trop vite, je ne sais plus. Non, je remonte, désolé. Voilà. Donc, euh, encore dans la boutique atelier qu'on a fouillée, vous voyez on a énormément de, de structures liées au, au travail du fer et du cuivre avec euh, des choses qui sont vous voyez, qui sont, on vient faire des, des aires de travail, des structures vraiment sur l'entrée de la boutique. Euh, on verra tout à l'heure. Donc ici pour vous montrer euh, le, ce, ce, les sols de, dans ces ateliers, ce ne sont que des litages de, de piétinement sur des niveaux cendreux, ce, ce sont, voilà c'est une activité intense, vous voyez la couleur des sols, c'est complètement noir. Euh, ici, on a, on a la base très certainement d'une enclube. Et on a aussi des petites fosses qui concernent des centaines et des centaines de clous de chaussures. D'autres petites fosses, on, voilà, ils étaient partis en analyse, on n'a pas les résultats. L'intérêt c'est de savoir est-ce que c'est des clous qui ont été utilisés, est-ce que c'est de la fabrique de clous, est-ce que c'est de la récupération de clous. Euh, ça, pour l'instant, on ne sait pas, mais on, on a des, des, des concentrations très importantes. Ici, vous reconna reconnaissez le pilier, on est à l'entrée de la boutique. Et on, on a une fosse de, de, de polissage du cuivre. C'est totalement vert euh, lié au sel de cuivre, donc qui peuvent être soit euh, polis euh, avec du sable ou avec de l'eau. Et euh, l'intérêt de les placer vers l'entrée, c'est justement des choses qui sont liées à la finition des objets, et dont euh, il est plus intéressant de les mettre évidemment sur l'entrée, c'est la partie la plus éclairée, alors que les structures de combustion sont plutôt dans les parties sombres et on sait que les gens travaillent beaucoup sur la, la couleur de, du feu hein, pour le, la température de, de, de fusion euh, quand ils travaillent les métaux. On a euh, également de retrouvé des, des, des creusets complets, écrasés, euh, qui contenaient encore voyez, des, des résidus d'alliage cuivreux. Donc voilà ce que ça, on a fait des analyses. Et qui montre qu'on a euh, voilà du cuivre, de l'étain, du zinc et du plomb. Donc on a tous les évidemment, c'est pas très très euh, surprenant. Euh, on a tous les éléments pour travailler euh, le bronze au sens large, mais euh, très certainement plutôt du laiton euh, euh, d'après les, les, les premières analyses. Mais on a pu aussi avoir euh, euh, des alliages euh, avec les, les quatre éléments également. Donc là, on, on va retourner, donc ça c'était sur les boutiques-ateliers de, 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 de cette période, mais on voit que si on veut dans la continuité, on avait déjà la période augustéenne, un habitat et avec des zones de travail, au moins la, du travail du fer en cet endroit, et il semble que cette, même si ça a été reconstruit, c'est l'activité qui suit, euh, est pérennisée dans ces ateliers-boutiques. De la même manière, euh, sur l'ensemble monumental Augustéen avec ce grand mur euh, stylobate, cette grande galerie, de s'interroger sur ce, qui, ce que pourrait être euh, ce, ce, cet ensemble monumental sur la partie sur la partie basse, euh, puisque euh, à la période 3b, elle va su subir de, pas mal de remaniements. On avait vu que euh, l'entrée euh, à la phase 3A, se faisait par la cour qui desservait l'ensemble des pièces. Là, euh, le, euh, le seuil va être bouché, hein, on, on, on l'a vu tout à l'heure. Et on va au contraire ouvrir euh, ici sur le mur de façade côté portique en installant les grandes dalles sur tous les portiers. On, on va avoir une espèce de vestibule ici avec des, des dalles en, en grand appareil. Ils vont desservir ici la pièce à abside et qui vont aussi être installés là pour desservir la cour. Donc, au lieu de rentrer par la cour, on va rentrer par cette pièce. Donc, euh, voilà ce que ça donne hein, tous les, les remaniements, le bouchage du seuil et toute cette partie-là et là. Donc, toute cette pièce va être quasiment reconstruite avec également tout l'intérieur de l'abside. La, de qui va être décoré de marbre. Bon, ça c'est un petit four ici qu'on a trouvé, un petit four de type domestique. Qui nous permettent de dire que plutôt qu'une boutique, puisqu'elle n'est pas ouverte par là, on pense plutôt à une pièce de service pour cet ensemble monumental, une cuisine ou des choses comme ça. Donc voilà un petit peu un détail donc, de, de ces dalles. Ces dalles ici, à l'angle de la pièce, vont être terminées par un pilastre qu'on a ici, qui a retombé de l'abside et à a... Et de l'autre côté, en symétrie, on a également la mise en place d'un pilastre. Il faut savoir qu'il y a des éléments ici qui permettent de dire que c'était complètement décoré de marbre. On a trouvé une plaque ici sur le petit retour coincé parce qu'elle n'a pas pu être démontée. Et tous ces éléments-là de plaquage, c'est des, 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 des plaques de marbre qui ont été arrachées. Et tout l'intérieur de l'abside étaient euh, décorées de marbre. On a ici euh, les, la base des plaques de marbre qu'on n'ont pas pu être arrachées, qui sont coincées euh, sur le bas. Et on voit comment euh, elles ont été installées en coulant euh, directement du, du mortier de tuileau. Et voilà, on a bien là, ces grandes plaques. On a relevé tout ça. On en a sur tout, tout l'intérieur de l'abside. Et à l'intérieur de l'abside, dans la coupe de démolition, on a retrouvé. Des fragments de plaques de marbre avec des inscriptions. J'en parlerai sur la fin, si j'ai encore du temps. Ouais, je pense que oui. Euh, donc voilà euh, ce qui se passe d'un point de vue. Euh, la cour en fait, va être transformée en jardin. On va faire un apport de terre végétale de 20 cm. Sur la phase précédente, c'était plutôt une cour. Et ici, on va, la, on va la transformer en jardin. Et euh, le drainage bon, de, euh, disparaît. Il y a peut-être moins besoin si c'est un jardin parce que ça va absorber plus facilement la pluie. Il y a juste une canalisation ici qui est rajoutée peut-être pour récupérer euh, de l'eau d'un autre bâtiment qui serait un peu plus au sud. Et on, va, on ne va conserver que ce tronçon de, de caniveau. Tout le reste des, des caniveaux euh, disparaissent. Donc on arrive à la période 4. Qui va être la, la déconstruction de l'îlot. Vers 275, l'ensemble le, de l'îlot va être démonté, déconstruit. On va commencer par la, cette partie-là, qui va être fait en premier. Et on va conserver les deux boutiques avec des fours, des plaques foyers. On n'a plus affaire à la production de métallurgie. Ce sont des fours domestiques et on n'a pas les petits fours, on n'a pas les résidus métallurgiques. On, on pense peut-être que peut euh, ces, 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 ces espaces étaient destinés à, à, à recueillir des ouvriers euh, lors de, de la déconstruction de l'îlot. En tout cas, ces, ces deux espaces vont être euh, démontés en dernier. Et également la, la petite agrafe qui a été rajoutée aussi, puisqu'on on va même, alors que c'était euh, un espace ouvert à l'image des boutiques là, on, on va le fermer ici par un mur. C'est la seule construction qu'on ait sur la période 275. Le, le, le reste de cette période est destiné à la déconstruction. Vous voyez ici, quand ça n'a rien à voir avec les petites structures antérieures, on a affaire à une véritable cheminée euh, ici, qui est plutôt liée, je pense, à, à du chauffage. Et donc, cette déconstruction, elle semble être raisonnée, c'est du démontage. Les murs ne sont pas récupérés, tous les murs sont rasés au même niveau, et on va même construire des, des chemins, des voies, euh, à travers euh, le site. Parce qu'il faut bien dire que nous, on s'arrête là, mais que très certainement, euh, l'îlot continuait, et que l'ensemble le, de l'îlot était déconstruit. Donc, on a des chemins ici. Qui sont construits. Les éléments des colonnes des portiques peuvent être restés éparses. Il y en a une ici, on va voir, qui va être euh, scellée par un, un élément de voirie. Donc voilà ce qu'on pouvait trouver, ce qui correspondrait à, à, au, au niveau d'abandon, de démolition du, du, du quartier. Et dans ces voiries, c'est celle que je disais, on va avoir les éléments de colonne on est, on est au niveau euh, du cardo. Et en fait, le cardo va continuer à, à être utilisé, mais pas en tant que voirie euh, proprement dite, puisque euh, on, on, elle va, comment dire, le matériau est, est, est inhabituel pour la voirie. Ce sont des moellons, ce sont des moellons calcaires, des moellons de mur qui sont complètement usés. Et on sait que les moellons le calcaire, c'est pas très bon. ça sustrait, enfin surtout le, le calcaire de sainte. donc il, il, il s'émousse très, très, très rapidement. donc c'est pas intéressant, sauf si c'est une voie qui, qui n'est pas faite pour euh, perdurer, mais qui va être éphémère. et très certainement le temps des travaux, le temps des travaux de déconstruction. on voit d'ailleurs que l'une des colonnes du portique a été couchée et sert de soubassement à, à cette voirie. Donc voilà un détail aussi de, de la voirie que je, qu était montré, que je montrais sur le plan tout à l'heure, qui est constituée également d'éléments de moellons et de plaques de marbre, d'éléments de démolition. Et alors, on a un autre segment de voirie qu'on a trouvé ici. Et là, ils n'ont pas eu de chance parce qu'en fait, quand ils ont euh, ben, roulé, fait ce chemin, ils sont en fait euh, tombés sur l'ancien... Euh, L'ancienne tranchée de récupération de la conduite de plomb. Donc, ils ont, se sont enfoncés. On voit ici des, des ornières et des ornières. Et voilà, ils se sont enfoncés, enfoncés. Ils ont circulé, essayé de circuler, circuler avec des apports euh, massifs de pierre, mais ça continuait à s'enfoncer. Et on voit ici qu'on est à l'emplacement de la tranchée de récupération de la conduite de plomb. Donc, euh, tout ça pour dire que tout de ces chemins convergent vers ici, vers le rempart. Donc, c'est en train très certainement, des, 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 lors de la déconstruction, on va amener tous les matériaux vers euh, le rempart. On sait que le rempart est, et la fondation du rempart est, est constituée d'éléments de récupération de, de, de monuments antiques. Euh, voilà, quand on fouille, on voit entre euh, des stèles funéraires, des éléments de mausolées et c'est très certainement ces charrettes chargées de pierres qui, évidemment, se sont enfoncées dans ces éléments-là. Donc voilà à quoi pouvait ressembler, disons, le terrain après la, la démolition. Les, les arases de murs sont, sont propres. Ce sera percé par la suite par les, 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 les fosses médiévales. Et on remarque ici ces talus. Qu'on n'a pas fouillé, mais on va voir euh, qu'ils sont importants à cette époque-là et de voir comment ils ont été constitués, en fait, cet alu. En fait, cet alu, euh, voilà les, les, les niveaux antiques. Les, la voie de circulation, ici, on va vous montrer tout à l'heure, les, sur les, la couche de démolition et ces moellons usés. En fait, on va avoir ici un apport de remblai. Qui n'est constitué pratiquement, c'est de la terre et du mortier. Donc, on voit qu'ils ont dû trier les éléments euh, calcaires utilisables pour construire le, 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 le rempart. Mais bien évidemment, toute la matière de mortier qui, qui, qui était, euh, qu'il fallait bien évacuer, hein, laisser ça en tas sur place, ont été rassemblées pour faire un talus ici, le long du rempart. On voit très bien ici le talus qui est entaillé par une voie médiévale, mais qu'on peut restituer ici. Et donc, ce que, voilà, le voilà ici. Donc voilà ici, toute cette martière orangée, qui est du mortier, évidemment pas pur, mais mélangé avec un peu de terre, qui va constituer euh, ce talus. Donc maintenant, on va reprendre... 15 minutes, ça devrait aller. Euh, on, on, on va restituer euh, la fouille qu'on a ici, les talus... Sont ici et on est à 4-5 mètres du tracé supposé euh, du rempart antique. Et ce qui permet, euh, avec les éléments qu'on a retrouvés, de restituer un petit peu une coupe euh, de l'intérieur de la fortification, à savoir le mur, du, le rempart lui-même, un replat ici, puis le talus. Puis après un glacis, une pente douce ici, qui va niveler le terrain de manière à avoir une fortification euh, qui soit accessible depuis l'intérieur. Et ça, on a pu restituer d'après les niveaux le, le, d'une du un, opération qui a fait l'humorin sur l'entrée de l'hôpital Saint-Louis. Et ça correspond tout à fait à, à une, une différence entre les assises 1 et 2 qui est considérée Il y a une semelle de fondation des assises de réglage puis une élévation, c'est ce qu'il proposait, et nous on arrive à, à, à pouvoir restituer ce profil-là. Donc la période 5a, euh, donc le, le terrain va rester comme ça inoccupé après la construction du rempart vers 300, jusque vers 700, et puis vers 700 on va avoir une multitude de fosses qui vont percer les niveaux antiques. On le voit bien ici. Voilà un mur, un mur antique percé par ces fosses médiévales. On le voit encore ici. On reconnaît la couleur du le, le talus euh, ici. Ces fosses qui con, ce qui, concernent, qui vont fournir énormément de mobilier. Et qui correspondent la plupart à des latrines, des déchets de, 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 de la vie quotidienne, de matière organique. En fait, voilà ces centaines de fosses. L'intérêt, c'est comme elles contenaient beaucoup de mobiliers, c'est qu'on a pu les dater. En les datant, on a pu définir euh, trois phases avec euh, les, les, les plus anciennes, vers le 8-9e, 9-10e, puis 10-10e. 13e siècle. En fait, les plus anciennes, il y en a plusieurs qui correspondent ici à la récupération des éléments qui devaient dépasser euh, à l'époque antique. Donc c'est là qu'on va récupérer les colonnes, qui, qui les colonnes et les dés. La colonne qui est restée ici, c'est parce qu'elle était à côté. Elle était à côté d'une voie. En fait, ici, on va créer un espace de circulation. Et donc dans l'espace de circulation qui a dû un peu s'enfoncer, évidemment, les éléments antiques qui ont dépassé ont été arrachés à ce moment-là. Et on voit que cette voie va légèrement se décaler, mais qu'on a une voie qui existe pendant toute cette période du Haut Moyen Âge avec des fosses creusées à côté. Pour l'instant, euh, on n'en dira pas plus, sauf que ces fosses contiennent du mobilier assez exceptionnel. Le type de mobilier qui est contenu à l'intérieur euh, correspond euh, à ce qu'on qu appelle l'immobilier aristocratique pour ces périodes et qu'on va trouver euh, dans des châteaux, euh, dans des abbayes, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va trouver de la verrie, on a trouvé euh, des éléments d'armement, des éléments de carreaux d'arbalète. Euh, les gens qui, qui rejettent ça, c'est les gens qui consomment du cerf, qui chassent. On est dans cette catégorie euh, sociale-là. Et donc voilà, je voudrais juste noter qu'on est dès le 8 siècle. Donc c'était pour vous montrer la succession des voies qui vont entamer euh, le talus, donc, qui vous explique pourquoi on a, voilà, a été obligé d'enlever les éléments antiques qui, qui, qui surgissaient, des, des voies qui sont bien constituées, hein, des belles voies. Et euh, j'allais dire. On, voilà On n'a pas de niveau de circulation qui correspondent à, à, à contemporaine de ces fosses. On a simplement ces fosses qui vont entamer les niveaux antiques. Il va falloir attendre la, le XIIe siècle pour avoir des constructions, parce qu'avant, on n'avait que des fosses. Des constructions euh, qui sont faites de murs maçonnés, pour certains, ici. On a un cellier qui est enterré. Mais la plupart du temps, ce sont des. Euh, des, des murs en pierre sèche. alors ce qu'on voit ici, c'est que ces vestiges sont conservés essentiellement au niveau des talus. dans la partie centrale de la fouille, il n'y en a pas, sauf des choses enterrées. ça s'expliquera par la suite. mais ça ne veut pas dire qu'ici il n'y avait pas de construction. voilà le type de construction. Euh, murs en pierre sèche, les éléments de voirie, et ici le cellier escavé avec des de grandes dalles, l'escalier d'accès ici avec deux phases, euh, un monument important, euh, c'est un cellier avec une galerie. Bon voilà, on, on, on a, bon, je vais pas aller plus loin dans l'interprétation parce que je vais pas avoir le temps. Quelques mots sur le château parce que je vais pas pouvoir euh, finir sans parler du château. Euh, au XIIe siècle, il y a cette partie euh, au sud qui, où il y a des constructions. Euh, euh, ces petites constructions. Mais euh, sur la partie nord, on va avoir le château qui apparaît ici sur le, le plan de clôt de masse. Euh, château qu'on a fouillé essentiellement à l'appel mécanique au niveau du fossé, parce qu'on a un fossé qui fait 20 mètres de large, 8 mètres de profondeur. Voilà donc des conditions techniques très difficiles pour pouvoir euh, réaliser la fouille en sécurité. Mais en multipliant les escaliers de sécurité, on a pu quand même. Sur un tout petit espace, aller au fond du fossé. Sur la gauche, euh, qu'on voit ici, on a le mur de contrescarpe qui est construit sur le, directement sur le, quand le calcaire, pour retenir les terres, la partie où, où il y a du calcaire altéré. Quand le calcaire est dur et sain, euh, le, 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 le fossé est directement creusé dans le calcaire. À l'opposé, on va avoir le front sud du château, la courtine, avec. Euh, cette tour parfaitement conservée et quelques éléments ici de pierre de taille qui correspondent à des archères. Voilà, il faut regarder parce que on n'aura, je crois, jamais l'occasion de revoir un élément du château à Sainte. Donc, c'est les journées des patrimoine, il faut en profiter. La deuxième tour qu'on a dégagée ici, encore avec des éléments d'archères en haut. Donc, voilà, on a pu reconstituer quand même. Une partie de ces fortifications avec ces archères reconstituées. Ça, c'est le travail de Jean-Paul Dibaudot, je parle en son nom. Euh, mais euh, voilà, on, on a un château qui s'installe euh, d'après la fortification au milieu du XIIe. Et on a aussi de la céramique qui permet de nous le dire dans, dans, dans le fossé. Très certainement, le mur de Contrescarpe euh, a été fait dans, dans un deuxième temps après le. le euh, la courtine. Donc voilà ce que ça donne euh, au niveau de, du, du plan général et si on, 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 on compile l'ensemble des données qu'on a historiques, notamment des plans, donc on a le plan de Tassin ici où notre euh, courtine est bien représentée, il représente le fossé parfaitement. Ça, ce sont des bastions 16e qui ont été rajoutés. Nous avons trouvé, je n'en ai pas parlé, mais un, 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 un mur qui correspond à ça. Et on a au sud cet îlot bâti qui, euh, longe, euh, enfin, qui est construit à côté de la voie. Et cette voie qui existe dès le 8e, on l'a vu, cette voie médiévale qui existe. Et on a une voie qui vient jusqu'au fossé on a envie de dire bon euh, c'est pas très logique d'avoir un cul-de-sac qui va jusqu'au fossé on pense qu'il y avait peut-être évidemment un aménagement pour, euh, pour voir un accès au château on voit bien sur cette vue que le château ici toute cette fortification que l'on a c'est la fortification du château mais par rapport à la ville c'est la partie où le château se, 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 se démarque de la ville puisqu'il est construit à l'angle de l'enceinte. Pour la fin, on arrive hein, sur la fin, période 6, on le voit sur ce plan de masse de 1716, que là où on est, on a affaire à des jardins. C'est ce qu'on a retrouvé. Le, 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 ces murs de terrasse, c'est à ce moment-là où les terrasses vont être constituées. On va cacher le mur de courtine du château par un mur, terrasse, et en fait, on va conserver simplement le niveau d'origine avec tous les vestiges conservés ici et on va décaisser ici tout le jardin. On l'a vu, euh, ça va servir à finir de combler euh, le fossé puisqu'on a trouvé tout en haut du fossé euh, du matériel du haut moyen âge qui est en fait... Euh, L'enlèvement de toute l'îlot ici du Haut Moyen Âge, c'est pour ça qu'on n'a pas les constructions médiévales ici. Elles ont été démontées lors de l'installation du couvent et se retrouvent perturbées et les, les déblayées sur le fossé. Et pour retenir les terres, on va construire deux murs. Euh, juste l'épisode, le, le, le couvent va être euh, à la Révolution, va être, euh, va être récupéré, puis. De nouveau, une congrégation religieuse va s'installer en 1817. Très certainement, les murs euh, n'ont pas, euh, pendant l'épisode de la révolution, n'ont pas été entretenus, vont s'effondrer. Se, euh, Au lieu de refaire les murs, on va mettre des talus de terre qui vont englober les murs. Et on va de nouveau, très certainement, parce que les comblements euh, importants du fossé vont se tasser, on voit de nouveau un apport de terre végétale. Et on va de nouveau terrasser. Et là, on va arriver à la race des, des, des niveaux antiques. Donc, pour conclure, je ne sais pas combien, j'ai cinq minutes. à peu près. Bon, après, vous me dites. Euh, voilà, c'est pour vous montrer à la fin euh, ces talus, l'arrasement ici et la préservation des niveaux médiévaux uniquement sur les banquettes. Qui ont été laissés à l'époque moderne lorsqu'ils ont construit le couvent Je vais passer rapidement euh, juste pour donner quelques éléments pertinents sur chaque période sur toute l'évolution du quartier euh, qui va qui, qui, voilà on, on a la ville qui existe dès l'époque gauloise ça c'est intéressant. Ensuite, on n'avait jamais eu l'occasion à Sainte d'étudier un angle de voirie, mais c'est surtout qu'on a deux éléments complètement distincts. Ici, un ensemble monumental et plutôt ici, un habitat à vocation mixte et à production métallurgique. Quand ça se monumentalise, en fait, on a l'impression que les activités restent, on reconstruit, mais là, on a de nouveau des, des choses liées à la production, toujours du métal, et ici, toujours un ensemble monumental euh, un peu surprenant. L'intérêt d'avoir pu voir pour une fois euh, l'intérieur de l'enceinte du Bas-Empire. Et puis, ces fosses qui, par leur mobilier exceptionnel dès le 8e, nous font penser qu'on a un, un château à Sainte dès le 8e. Le château à Sainte n'est mentionné qu'à partir du 11e. Il n'est construit en fait, de ce qu'on a trouvé qu'à partir du XIIe, mais la présence de ces fosses entièrement, antérieurement laisse à penser qu'on a très certainement l'implantation d'un château plus ancien que le château fort dès le e siècle. En tout cas, au VIIIe siècle, il se passe quelque chose. Pendant euh, plusieurs centaines d'années, il n'y a pas d'occupation et tout d'un coup, il y a une occupation dense avec une, une consommation aristocratique à proximité immédiate. Donc voilà euh, le, quelques images qui illustrent ça. Euh, les boutiques-ateliers, voilà à quoi ça pouvait ressembler. Ça c'est une illustration de, de, de Jean-Claude Golvin pour Limoges, avec ses boutiques ouvertes, ses galeries. Une toute petite image pour que ça aussi, ça, ça pourrait paraître surprenant. On est en plein centre d'une ville, mais... Voilà, on a tendance à dire que les, les activités productives et polluantes sont euh, mises à l'extérieur de la ville, certes, il y en a, mais on peut aussi avoir ces activités euh, au sein même de la ville, en plein centre, et qu'on a une pérennité euh, sur plusieurs siècles d'un atelier qui va produire à la fois du travail et le fer, les alliages cuivreux. Et euh, on va se questionner sur ce qu'est-ce Voilà, je voudrais finir là-dessus quand même deux mots. Deux petites minutes sur l'ensemble mentimental. Il ne faut pas oublier qu'on a trouvé dans la couche de démolition euh, cette inscription. C'est une inscription, C.I., voilà, c'est Caius Julius. Ça consigne par A.G.E. On connaît à Sainte, à c'est une dédicace qui fait très très certainement par une Julia, qui peut être... Euh, voilà, donc on voit les, les, ces, ces lettres en grand caractère, donc l'inscription lui est dédiée. Euh, on est très certainement sur une inscription euh, augusto-tibérienne, contemporaine euh, de celle de l'Arc, par exemple. Ça pourrait très bien être eu just rufus puisqu'il est, euh, euh, est descendant dagédome passe eu victor son cousin, qu'il descend du même. Ou Agédil. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour la première fois en contexte de fouille, malheureusement, elle n'est pas complète, mais euh, on, on, on a ici une inscription liée à un, un notable santon, et on se dit mais qu'est-ce qu'est-ce que ça fait là Donc ça nous re, re, nous, nous, nous renvoie à, à, à la fonction de ce bâtiment et aussi à la datation. Ici, c est, c est, euh, on peut être sous Tibère, et donc en fait. Est-ce que cette inscription prenait place dans l'ensemble le, 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 monumental Augustéen ou après, où il a été conservé En tout cas, c'est toute la question. Je répondrai pas ce soir parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est une découverte tout à fait exceptionnelle ou pour une fois, on peut avoir des inscriptions qui sont liées à un bâtiment. Et je voudrais finir là-dessus parce que voilà, c'est une, une, une découverte qui me fait plaisir, qui fait plaisir à l'humorain qui euh, n'a pas pu venir ce soir et euh, j'ai une pensée pour lui il aurait bien aimé et, et c'est une découverte que je lui dédie avec tout ce qu'il a fait sur Sainte toujours merci S Il y a des questions. Là, après, je ne sais pas si on, on, on peut on peut couper. Et puis, s'il y a une ou deux questions euh, très rapide, le temps qu'on le temps qu'on plie.